Oh oh oh! Salut tout le monde! Comment allez-vous? Salut euh, Astaz! Salut Salpu! Salut Arsatis! J'espère que vous allez bien! Euh... Moi de mon côté, Alors, je vais plutôt bien! Et salut euh, ZNK! Et merci euh, James pour ton follow! C'est cool! Bienvenue à toi! Alors. Euh, hop 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 hop, je check un peu OBS tout ça. Et du coup merci à ZNK pour ton follow, c'est cool. Bienvenue à toi. Alors, euh, attendez, je vérifie le, le retour dans mon casque. Hop, je vais peut-être mettre un peu plus fort. On va rester sur cette musique. Euh, salut Mendil comment on va. <laughs> Alors j'ai deux trois trucs à vous dire en plus avant de commencer le live Alors le moquito il est là pour ceux qui, euh, qui se posaient la question <laughs> Alors cette fois-ci j'ai pas glissé sur le ROM donc ça devrait aller Je pense, je pense, je sais pas Peut-être qu'après euh, deux trois mojitos ça va, ça va partir en couille Mais celui-ci est plutôt, euh, plutôt euh... Non ça va il est light, il est light, ça va, ça va il y a ce qu'il faut, il y a ce qu'il faut, on goûte la menthe, on goûte le citron vert, on goûte le rhum, on goûte le sucre, non c'est bon, il est, il est bon, il est vraiment bon. Euh, et en plus, voilà, en plus il fait super beau. Euh, donc aujourd'hui on va partir sur un live, euh, un live, bah un lab de trait Intel, donc euh, pour rappel, hein, la Threat Intel, qu'est-ce que c'est, trait Intelligence C'est euh, une discipline de la cybersécurité où on va... Traquer les bad guys sur Internet. Globalement, c'est ça l'idée. Euh, donc, on va, euh, en gros, on va euh, faire un système qui va récupérer les IP et euh, les URL les DNS, des trucs comme ça, euh, d'équipements malicieux sur Internet. Salut Seb, comment vas-tu Donc, on va faire ça. On va faire un, un gros lab. Alors, c'est un, un gros lab. On va commencer aujourd'hui, mais on va pas faire. Euh, on va pas faire. Enfin, va... aujourd'hui, on va faire que ça, je pense. Mais euh, c'est un live qui va, enfin, c'est un lab qui va durer, à mon avis, un bon paquet de temps. Euh, parce qu'en fait, c'est huge, c'est vraiment très gros comme truc. Intel, rien à voir avec Intel alors Non, rien à voir avec euh, la, la société Intel, c'est Intelligence. Traite Intel, c'est euh, en fait euh, tout ce qui est lié à l'intelligence, à, à la connaissance, à la surveillance des menaces sur Internet. Et ouais. Donc, euh, donc voilà, on va faire un truc comme ça. Euh, alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que tu fais ça La réponse, c'est euh, déjà premièrement, bah moi, ça me permet de, de m'entraîner sur un lab qui m'intéresse. Et puis, ben, euh, en fait, j'en ai aussi besoin pour le taf. <laughs> donc autant faire d'une pierre deux coups. Euh, et donc, euh, donc voilà, on va faire, on va faire ça. Alors, il euh, y a un petit truc aussi par rapport à la chaîne. Par rapport à la chaîne, j'ai uploadé, je vous jure, je l'ai fait. J'ai réussi à uploader mon premier, euh, premier emote pour les subs. Mais il n'a pas encore été approuvé. Alors je ne savais pas qu'il y avait un système d'approuval, etc. Donc en gros, qu'est-ce qui, qu qui se passe Quand tu es affilié, euh, ce qui est mon cas, tu as la possibilité d'avoir de, des, des subs, hein, ce, qui est, ce qui est le cas ici aussi. Et euh, quand tu as des subs, tu peux mettre des émotes pour les subs. Donc euh, si t'es sub tier 1, t'as droit à émote, Si t'es sub tier 2, t'as droit à émote, Tier 3, émote, etc. etc. Est-ce que je stream sur YouTube et Twitch euh, Alors tu peux pas streamer sur les deux en même temps. Tu peux pas. C'est interdit. Euh, donc euh, soit tu streames sur YouTube, soit tu streames sur Twitch, mais tu peux pas. Tu peux, tu peux pas faire les deux en fait. Euh, si tu lis la, la charte, euh, en gros la charte, bah, il, est, il est stipulé clairement que c'est exclusif. À Twitch et le contenu euh, de, de Twitch ne peut pas être uploadé sur une autre plateforme, donc par exemple YouTube, en D1 en 24 heures. Donc je ne peux pas cutter euh, le stream et uploader directement le contenu du stream sur YouTube. C'est interdit. Ouais, c'est des petites règles à la con, euh, mais voilà, c'est le. Voilà, ouais, ils font comme ça. Oui, c'est pour ça que je euh, voyais des gens sur ton stream euh, l'écrit, mais pas dans mon chat Twitch. Ah Ah bon ah euh, moi je les vois tous. Non 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 euh, on est tous sur Twitch. Non 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 on est tous sur Twitch. Euh, donc voilà. Alors attendez hop 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 je même un peu diminué dans mon casque parce que sinon je vais devenir sourd. Cool voilà. Est-ce que la musique ça vous va comme ça que je sache euh, si je modifie un truc ou quoi. Hop, hop, hop. Euh, mm, mm, je regarde en même temps au niveau de mes scènes. Yep, ok. Quelle musique <laughs> Son égal 0%. Très, très faible la musique, mais ça passe Ah Attendez, attendez, attendez. Hop C'est mis comme ça Good. Ah, nickel. Ok. Voilà. C'est Mieux, ah ok, 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 mais c'est obèse. Euh, il me troll euh, parce qu'en fait, quand je mets sur euh, par exemple moins 45 dB, euh, je vois tu sais, tu as les, euh, les, les jauges là, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça euh, de, de, de l'audio mixeur qui s'affole, euh, enfin qui s'affole façon de parler. Donc on voit, on voit qu'il y, 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 y a un signal qui passe, etc. Donc je me dis, si moi je vois le signal pour vous, c'est good. En fait, j'ai pas le retour direct du stream, donc euh, un pour ah, attendez, je vais vous montrer, je vais vous montrer, hop, hop. Hop, 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 euh, hop, attendez deux secondes, deux secondes, deux secondes. Je bouge des, deux, trois trucs et je vous montre ça. Euh, hop, hop, tac, tac. Il est où Il est là. Voilà, hop, nickel. Donc, ce que vous voyez là, par exemple. Euh, c'est euh, donc c'est euh, VoiceMeter et dans VoiceMeter en fait j'ai plusieurs canaux différents, c'est un, ouais, un peu le bordel mais vous allez comprendre. Donc à gauche ici j'ai une piste spécifique pour Spotify, donc par exemple euh, si je la mets à 0, moi, moi et juste moi je ne l'entends plus. Si je mets là, c'est bon. Ensuite il euh, y a deux trucs c'est que j'ai un, un canal A1 et un canal A2 qui sont ici à 1 et à 2 le a 1 c'est mon casque donc si je fais ça j'entends plus rien et si je fais ça ça c'est euh, le deuxième c'est mes haut parleurs mais Mes haut parleurs pour le moment ils sont, ils sont éteints euh, forcément quand je suis en live et euh, ça c'est juste mon retour à moi tu vois mais vous ce que vous avez euh, je peux vous le mettre euh, hop je peux vous le mettre comme ça vous ce que vous avez en fait c'est il est ici c'est spotify qui est là c'est une zone euh, complètement euh, dédiée en fait et c'est un truc qui n'a mais juste rien à voir avec ce qu'on a ici. Et donc c'est ça le problème, c'est que moi je ne peux pas entendre ce que vous vous entendez en fait. C'est un, un peu bizarre. On entend la même chose, mais je on n'entend pas au même volume. Donc voilà, enfin c'est un truc. Euh, voilà, c'est euh, voilà. comme ça. <laughs> ok. Euh, comment s'est passée votre journée Dites-moi. Votre journée, votre semaine. Hein. Et comme, comme chaque dimanche, on s'était quitté dimanche dernier en vous disant « Ouais, peut-être que je ferai un live en semaine. » Et finalement, bah, vous l'aurez remarqué, je n'ai toujours pas fait de live en semaine. Et oui, parce qu'en fait, j'ai une tonne de choses à faire. Et euh, j'aimerais trouver le temps pour, pour voir live un peu plus souvent, pour faire bah, un peu plus de live, des trucs comme ça, ça pourrait être vachement sympa. Oh bah écoute, ça va m'en dire. On profite du beau temps de ce week-end. Ouais, c'est clair, c'est clair. Réveil matin, préparation de la marinade pour les rips. Oh, aïe, 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 aïe. Maintenant, c'est au four, vivement. Aïe, 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 aïe. c'est bon, ça. Et euh, tes rips, tu les fais euh, donc avec du miel et tous les trucs comme ça, c'est ça Ta marinade et, euh, et, et question subsidiaire, quand tu les fais au four, tu les euh, tu mets au four à combien de degrés Parce qu'en en fait, yes, ah, c'est une tuerie, ça. Parce que tu vois, quand tu fais, euh, tu fais tes, euh, tes rips, normalement... Alors, ah, j'ai jamais réussi à faire ça, mais des bons rips, en fait, tu prends carrément le l'os... Et Tu peux le tirer à la main comme ça, quoi. Et ta viande, elle reste, euh, elle reste, euh, comment dire, euh, entière. Elle se défonce pas dans tous les sens. Ça, c'est quand c'est un rip, c'est vraiment bien, bien cuit. Mais, euh, genre, j'ai jamais réussi à faire ça, que ce soit au barbecue ou quoi que ce soit. Yep. Cool, cool, cool. Euh... Ah, ça y est, tu me donnes, tu me donnes faim. Moi, je me suis fait un, un poulet hier euh, avec une fucking marinade, c'était une tuerie aussi. J'ai pas ce niveau, mais c'est pas grave, c'est trop. bon. <laughs> bah, franchement, du moment que c'est super bon, euh, c'est principal. Euh... Ah ça me fait penser quand j'étais à Bruxelles avant, il y avait un, un restaurant qui était spécialisé dans les ribs. Et alors c'était un truc de dingue parce qu'en fait ils faisaient des ribs à volonté. Et, euh, et en fait, il te servait, euh, donc tu, quand tu voulais des ribs, tu pouvais redemander des ribs. Et à côté de ça, il te servait en fait des pommes de terre avec une sauce, euh, un genre, je veux dire, un genre de beurre à l'ail. Mais c'est pas un beurre à l'ail, c'est vraiment une sauce trop, trop, trop bizarre. Et c'était vraiment une tuerie. M'aurait été invité, dis pour les mots pour ne pas faire cuire les ribs. <laughs> ça me donne face cette histoire. <laughs> Merci pour ton bite. Du coup, parle-nous un peu de toi, euh, de ton taf sur la cyber, euh, car il y a très peu de descriptions sur ta chaîne. Alors, oui, effectivement. Ah, ça y est, vous allez vous faire un combat de, 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 de bits maintenant. Alors, il faut toujours que je règle ce truc, hein, parce que vous voyez, c'est <laughs> horrible. J'ai toujours pas réglé ce truc-là. Euh, alors, globalement, euh, cool, toujours buggé. C'est <laughs> Ouais. C'est toujours buggé euh, on, va, on va... attendez, attendez, attendez. On va essayer de régler ça. Et puis je vous raconte 2-3 trucs. Parce que j'ai effectivement 2-3 annonces assez cool. Euh, hop, hop, hop. Ça doit se passer là-dedans, je pense. Hop, hop, hop. Alors... Hop, 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 hop. Dans les alert box. Pete. Um, mm -hmm. <coughs> Alors, on va faire comme ça. Euh, je configue en même temps le truc des bits. Hein. Stressez pas. Je check comment est-ce que je peux régler ça. Save settings. Et on va, voir, euh, on va voir. On va voir. Si je fais ça. Ok. Voilà. On va faire comme ça. Ce serait mieux. Hop, vendu. Euh... Yes, donc euh, donc alors euh, deux trois trucs effectivement qui, euh, qui sont intéressants que j'aimerais partager. Alors alors donc attends, alors on va, on va reprendre les choses dans l'ordre. Et c'est toujours pas réglé. Oh, mais c'est quoi ce délire Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel 10 mille bits. <laughs> Euh, hein, c'est toujours pas réglé. Hein. D'où ça sort Mais d'où ça sort Attends, il y, y a un problème. C'est pas possible. Ça vient pas de, de Streamlabs alors. Qu'est-ce que c'est que ce bordel Et what Ah, je sais pas. Hein. Je sais pas. Faut pas oublier de cliquer sur sauvegarder. Ouais, ouais, j'ai sauvegardé. Parce que j'ai fait un test juste après. Regarde si je fais euh, test bits, hop et très bien. Tu vois, c'est ça qui me tue. Et j'ai demandé de supprimer l'image. Et ça y est, j'ai bien sauvé. Hein. Hmm. Peut-être que ça va prendre du temps pour être synchronisé, je sais pas. Bon, on va faire comme ça, on verra pour la prochaine fois. Alors, euh, deux, trois trucs. Donc, euh, pour les subs, euh, malheureusement, ce n'est toujours pas actif. J'ai uploadé... Euh, non, mais on va, on va pas y arriver. Si vous... <laughs> ça ne va pas le faire, ça va pas le faire. Quoi ce, mais c'est quoi ce bordel d'icônes qui déconne, quoi ah, Mais c'est quoi ce délire Et en plus, dans le chat, c'est euh, genre trop difficile. <laughs> Je suis nouveau leader en pizza. <laughs> Ah putain. Euh... Alors j'ai un autre problème aussi, c'est que mon chat disparaît. C'est marrant parce qu'en fait, pendant la semaine, je touche absolument à aucun setting. Et, euh... Et après, tu vois, t'as des trucs qui déconnent, comme ça. Hmm. All widget. Chatbox. Bah ben oui, always show message. Bon. Bon. <laughs> Il <passait> deuxième. <laughs> Donc, j'ai uploadé euh, le premier remote. Il est en cours d'approuval. De... On appelle ça apparemment. Euh... Alors là, quand tu affilié euh, et que tu pas streamé pendant 60 jours. En gros, euh, tu peux pas uploader automatiquement tes émotes pour qu'ils soient approuvés. Salut Capuchon, comment vas-tu euh, Ça va, pas trop de cernes. <laughs> et, euh, et donc j'ai uploadé, euh, uploadé euh, le premier émote. J'attends... Euh, en fait, j'en fais un pour le moment pour voir... Comment ça se passe, euh, justement, ben voilà, le process de validation, etc. Combien de temps ça prend, patati patata. Voir ce que ça donne également euh, au niveau des résolutions, parce qu'en fait, je vois que tu peux uploader un emote qui fait euh, 4000 pixels sur 4000 pixels, donc ça, c'est assez, assez gros, mine de rien. Parce que j'imagine c'est pour les téléphones, c'est euh, avec des, des grosses résolutions ou des, des écrans 4K, des trucs comme ça. Euh, le conchello, ça marche bien. <laughs> Rassure-moi, c'est pas pour mettre le petit bout dans le congélo. <laughs> et euh, et du coup euh, du coup euh, du coup voilà, c'est en attente. J'ai j'ai Ah, il Ah, fallait pas. <laughs> <C 'est... rire> um, donc j'ai uploadé euh, J'ai le truc. Je suis toujours pas. De... Je je sais pas. C'est voilà. Non, c'est pas c'est pas encore là. Attendez, je vais aller vérifier. Hop hop. Euh, alors dans les viewer rewards emote et il est toujours grisé en pending et eh ben voilà du coup euh, du coup, bah, on va attendre ça peut-être pour la prochaine fois euh, donc il y a un emote qui va arriver euh, c'est un test si ça marche bien on bah euh, yolo euh, genre, genre, j'en mettrai d'autres donc ça, ça va être vachement sympa euh, autre chose aussi, alors je voulais partager ça avec vous parce que euh, du coup, moi ça m'a fait plaisir, euh, je vais pouvoir flex euh, un, un petit peu sur la chaîne. Euh, donc vous vous souvenez, il y a euh, deux semaines, on a participé au CTF de Hack the Box et en parallèle de ça, moi j'avais ma formation forensique. Et euh, la formation forensique, à la fin, il y avait un examen, donc le vendredi, il y avait un examen. Et une certification à la clé. Donc, si tu foires ton examen, t'as pas ta certification. Et donc, les euh, genre 3500 boules de la formation, ils sont un peu niqués. <laughs> donc voilà. Et j'étais un peu en PLS parce que je me suis dit oh putain, je vais exploser la semaine. Il y a le CTF, puis il y a la formation, etc. etc. Et. 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 Ah Alors, je me remets bien sur ma chaise pour, pour me préparer à daber. <laughs> et et euh, en gros j'ai reçu euh, les résultats euh, de mon examen euh, vendredi vendredi et j'ai réussi tenez vous bien avec 85,59%! <laughs> Et ouais, et ouais, voilà, voilà, voilà. Donc, euh, donc, je suis certifié, c'est cool. Bon, c'est une certification à la con, c'est pas ça, mais, euh, mais, voilà. Et il fallait minimum euh, 70 Il fallait 70 minimum, sachant que il euh, y avait dans, dans l'examen il y avait des questions qui étaient euh, pas correctes, c'était un peu le bordel. Donc du coup, tu sais, l'examen c'était un peu un champ de mine. Hein. Vraiment, c'était avec des questions complètement mais broken, des questions que j'étais là, what C'est quoi ça <laughs> Donc c'était... Euh, ouais ouais c'était assez chaud, c'était assez chaud. Euh, mais ça s'est bien passé, ça s'est bien passé, c'était euh, vraiment une grosse, grosse, grosse semaine. Euh, du coup qui se finit bien, parce que, alors du coup, pour rappel, donc on est fini euh, sur le CTF, on a fini euh, 59ème sur 2700 équipes à peu près. Euh, la formation elle, elle s'est terminée avec euh, bah, l'assertif à 85%. Oh putain, c'est... Ah je suis... non je suis content, je suis méga content, je suis méga content. Comme tous les examens informatiques, des questions qu'ils ont fait euh, par des gens qui avec euh, 5 grammes euh, dans chaque œil. Je je sais pas, franchement, je sais pas, ce sont les formateurs qui euh, qui ont fait les questions et c'était des questions. Alors c'était des questions de fuck dans le sens où c'est des questions très précises et assez euh, détaillées, détaillées. Je veux dire ça comme ça, du style, du style, par exemple, euh, du style, par exemple. Euh, tu sais quand tu, euh, je vais vous montrer un truc. Hop, euh, hop, hop. Tu vois cette euh, commande, ce truc ici, run. Tu vois Et attendez, je vais juste vérifier un truc. Tout, 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 tout. Oh, ouais. Donc, globalement, quand tu as, euh, as un truc comme ça, euh, avec un historique. Donc toi, tu as ton, ton historique, euh, tu as ce truc-là comme ça, euh, hop, 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 messpay, notepad, etc., etc. Ben, en fait, tout ça est, dans, est euh, enregistré dans la registry. C'est comme ça, en gros, qu'on sait si... Euh, on sait euh, retrouver euh, l'historique, en fait. Et euh, une des investigations qu'on fait en forensique, c'est regarder cette liste-là. Cette liste-là s'appelle la MRU. Et, euh, euh, et donc, tu as, as une partie MRU avec une clé spécifique en, dans le registre Windows, patati patata. Et euh, globalement, il te demande euh, oui, voilà, euh, dans le contexte suivant, euh, euh, partant du principe que nous avons besoin d'une euh, hive, donc la hive c'est, euh, comment est-ce qu'on dit ça en français Une ruche. Donc, une ruche c'est, euh... ouais, je, je vais vous le montrer en, en deux secondes. Hein. Hop, comme ça vous, vous captez un peu de quoi ça parle. Hop, 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 transition. Voilà. Donc ici, euh, vous voyez quand, quand vous lancez euh, le registre, enfin euh, le, le, le regedit, euh, vous avez euh, vous avez différentes ruches en fait. Vous avez le HK class root, current user, local machine users, current config et encore à l'intérieur de HK local machine, tu as encore euh, as encore les euh, hardware, sam, security, software, system, etc. qui sont chacun en fait des fichiers séparés. Et il euh, te demande du style Ouais, quand tu veux aller récupérer la, la MRU, où est-ce que tu dois aller Quel hive tu dois loader Et toi, t'es là. Mmh, mais j'en sais rien, moi je connais, ça pas, je connais pas du tout ce truc par cœur. What the fuck C'est quoi cette question <laughs> Et il y avait comme ça euh, 90 questions, donc euh, 90 questions, euh, pendant 2 heures. C'était timé à 2 heures. Euh, je vous laisse faire le calcul, ça laisse vraiment pas beaucoup de temps, ça laisse à peu près une minute, une minute trente, même pas, par question pour, euh, pour chercher et trouver la solution. Quoi. Donc c'était vraiment, vraiment, vraiment chaud, je trouvais. C'est quoi le nom de la formation C'est Forensic 1 de HS2, qui, euh, qui se donne à Paris. C'est euh, pas, pas méga, méga compliqué, hein, faut pas croire, c'est une level Donc voilà, ça c'était les petits trucs. Euh, donc aujourd'hui, on va passer... Euh, on va faire un truc... Euh, on va faire du pratique aujourd'hui. On va faire un peu de pratique. On va aller... Euh, on va faire de la virtualisation. On va faire des containers Docker. On va s'amuser avec ça. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut... Euh, bah on peut faire ça euh, de manière assez simple euh, avec des outils qui sont open source. Et, euh, et vous allez voir qu'il y, y a moyen de faire, euh, de faire un truc sympa. Donc, ce que je vous propose, <laughs> ce que je vous propose, c'est de commencer par un paint. <laughs> On va commencer par un paint. Pourquoi euh, Pour que vous puissiez au moins comprendre le concept. Qu'est-ce qu'on va faire C'est quoi l'idée euh, Yes, le paint. <laughs> Merci euh, MT Maker pour, euh, pour ton follow, c'est cool. Merci à toi. Et merci. Euh... <laughs> Et merci euh, DRX2Twins pour, pour ton follow, c'est cool. Bienvenue à toi. Et salut, euh, salut euh, MT Maker. Salut side. comment vas-tu Merci pour ton follow, c'est cool. Um, ok, let's go. Donc, euh, ce qu'on va faire, ce qu on, va faire euh, on va commencer par faire un paint. Merci euh, tout de suite you pour ton follow, c'est cool. Alors, hop, MS Paint, c'est parti, hop, 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 voilà. Alors, l'idée c'est quoi Attendez, je check juste un truc. Hop, 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 euh, hop, voilà, parfait. Ok, alors, euh, comment est-ce que je vais vous euh, montrer ça C'est quoi l'idée, le principe high level On va dire le très très high level. L'idée c'est quoi Alors, d'un côté, nous avons un nuage. Ici, c'est le cloud, c'est Internet. Ok euh, On va taper ça comme ça, on va dire Internet. Ok, web, Internet, web, on s'en fout, vous avez compris quoi. Ouais. Ici, c'est Internet. Ok Alors, d'un côté, sur Internet, on a, euh, on a, on a, on a des gens euh, malicieux qui se connectent. Hop, t'as une petite connexion ici. Voilà, tu as une petite connexion avec euh, un mec euh, qui est pas content. Quoi. Le mec qui euh, est pas content, c'est... Euh, euh, voilà, le, le mec, euh, il a deux doigts de défoncer toute la planète. Ok, donc lui, il n'est pas content. Et qu'est-ce qu'il fait, le monsieur En général, il fait euh, euh, des ransomware, de, euh, des conneries comme ça. Ok. Pour faire ça, il va utiliser un ordinateur. Alors, je dis un ordinateur, en réalité, c'est plus un ordinateur, mais on s'en fout. Pour le principe, c'est un ordinateur. Donc, il va utiliser son petit PC. Hop, hop, hop qui se connecte à internet, hop, voilà. Et le truc, c'est que euh, avec son PC, lui, ce qu'il veut, il veut faire, c'est se connecter, euh, je vais mettre ça en gris, on va mettre ça en gris, euh, il va vouloir se connecter, par exemple, à, ici, euh, à une, ma machine, par exemple. Admettons, c'est ma machine, c'est euh, mon réseau, ok Donc, moi, je suis là, euh, hop, 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 ça c'est moi. Et là je suis un peu en PLS. Euh... Oh, oh, bon tu dieu, je vais me faire hacker. Ok, d'accord. Donc je vais me faire hacker. Um, et le truc c'est que um, lui, en fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, lui, hop, il a une IP. Ok Il a une IP. Et où il a ce qu'on appelle un DNS. Alors, suffit de débrancher ton câble internet, tu ne veux plus faire de hack. Plus de faire hack. Ah, bah oui. Ah, c'est indésirable, ça c'est vrai. Donc, euh, lui, il a une IP. Et le, le truc, c'est que, euh, arrive un moment où cette IP, on va le mettre en rouge, en orange, cette IP, par exemple, euh, hop, hop, orange, orange, merci, cette IP, et what <laughs> Ah, voilà. Euh, et encore, alors, euh, ton IP, hop, 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 elle va se retrouver dans ce qu'on appelle une base de données, ok Elle va se retrouver dans une base de données, qui est, euh, par exemple, on va mettre, il y a deux colonnes, la première colonne qui est la time, time, hop, 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 time, et là c'est IP, par exemple, ok et en fait, à chaque moment, il va être mis euh, on a détecté à tel moment telle IP malicieuse, tel moment telle IP malicieuse, tel moment telle IP malicieuse, etc., etc. Et en fait, on a un listing comme ça. C'est sous forme de CSV. Achète une tablette graphique à force de faire des peines. Ben franchement, euh, c'est sur ma to-do list. Euh, dans, à mon avis, dans les prochains achats, d'ici euh, fin mai, je pense que je vais en acheter une. Faut que je trouve le modèle, faut que je... Parce que j'y connais que dalle en, en tablette graphique, mais... Ouais, ouais, c'est euh, dans, dans ma to-do list. Tu peux checker... Euh, FenceMeter pour hack même en étant déconnecté d'internet. C'est quoi ça, euh, FenceMeter Allez, c'est parti, on va regarder ce que c'est. Euh, je ne suis pas responsable de la euh, digression euh, du live, hein, je vous préviens. FenceMeter, qu'est-ce que c'est que ce truc FenceMeter. Acoustic data exfiltration. Ah, c'est beau ça. D'accord. Ah oui, air gap, computer. Okay, ok, ok, ok. Il y a ça par... Euh... Ah oui, donc toi, tu fais ça par acoustique. Effectivement, ça, ça marche. Euh... J'ai un, une anecdote euh, en plus euh, sur ce genre de choses. Donc, tu as ça par euh, acoustique. Et alors, tu as également ça par... Euh... Onde électromagnétique. Mais euh, genre, euh, tu sais, tu, tu peux récupérer... Euh... C'était surtout avant avec les, euh, les écrans CRT qui émet euh, une onde électromagnétique euh, parce que c'est un tube cathodique, s'il enfin, voilà, y a du rayonnement, etc. Et en gros, quelqu'un était capable de pouvoir reproduire globalement l'image qui apparaissait à l'écran. C'était assez, euh, assez dingue. C'est pas le même délire que le hack au laser sur le micro des enceintes Google. Alors, euh, celui-là, je ne sais pas du tout. Mais par contre, ce que j'avais vu, il euh, y avait un, un jour... Un jour Je ne sais pas si c'était un test ou si c'était... Un cas réel où euh, il y a euh, une pub qui est passée à la télévision et dans la publicité il y avait un son qui était euh, un genre de payload qui était rajouté dans la publicité euh, qui euh, faisait activer les, euh, les enceintes connectées euh, qui étaient à côté de la télévision, donc par exemple Alexa, etc. Et, euh, et ça te faisait une interaction en fait avec l'enceinte. Comment dirais-je euh, sans que sans que le, le owner sans que le, la personne qui regarde la télévision euh, donne son accord en fait euh, donc il y, a, il y a eu pas mal de problématiques euh, et de polémiques par par rapport à ça genre il faisait un ultrason et le micro euh, le détecteur ouais ce genre de choses une pub pour un burger non je sais plus je sais plus ce que c'était mais j'avais vu euh, j'ai vu passer ça dans les feeds il y a quelques temps ça remonte hein, ça remonte déjà un petit temps mais euh, mais j'ai vu ça j'étais là waouh c'est génies. les mecs qui ont pensé à ça c'était génies. et c'est con en fait en réalité c'est con parce que tu sais euh, ta borne Alexa ou, ou Google ou j'en sais rien tu dis euh, ok Google et puis tu donnes une commande et automatiquement ta ta euh, ton enceinte va euh, va l'interpréter peu importe je présume peu importe la, la tonalité de la voix donc il suffit que tu aies une voix féminine masculine peu importe à la télévision ou dans une dans, dans une radio ou n'importe quoi qui dit ce genre de choses et enfin euh, ça peut être ça peut aller loin je trouve je trouve ça peut aller assez loin donc moi, ça, ça c'est marrant de, de voir des, des trucs comme ça. Allez, on retourne sur, euh, sur le Paint. Donc, euh, ici, on a euh, donc le mec malicieux, là, euh, à gauche. Hein. Euh, ok, Google vire Bitcoin sur le compte. Ouais, voilà, ce genre de choses. Voilà, c'est ce genre de choses, exactement. <laughs> T'imagines l'horreur. Euh, donc, euh, euh, ce mec malicieux là sur internet, il a une IP où il a un DNS name FQN, n'importe quoi. Et en fait, on va faire on va récolter. Alors je dis on euh, moi je ne vais pas le faire, je vais pas aller traquer le bad guy en tant que tel parce que je n'ai pas du tout l'infrastructure et ni le knowledge pour le faire. Par contre, on va se baser sur des listes de gens qui le font et qui mettent ces listes à disposition gratuitement. Et ça ça va être intéressant. Pourquoi Parce que du coup, quand euh, on va avoir cette liste, en fait, cette liste, on va la récupérer. Hop, on va, on va la mettre dans un truc. Attendez, hop, on va la récupérer. On va la récupérer. Et on va la mettre dans un truc qui s'appelle IntelMQ. Hop, hop. In. Ouais, on va pas y arriver. Vous savez quoi, je vais ressortir le logo de IntelMQ. Ce sera mieux. Attendez, un hein, deux secondes. Hop, hop, hop. Je sors le logo de Intel MQ. Copy image. Ah oui d'accord. Il n'y a pas moyen de... petitir ça. ça c'est encore trop grand. Hop. C'est vachement huge. Hein. Hop. Euh, comme ça. Encore. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ah ça c'est bien ça. Comme ça. Bon, c'est moche mais on va dire c'est comme ça. Euh, voilà donc ça va rentrer dans une tmq alors attendez hop on va, on va virer ce truc là euh, toup -toup -toup hop on vire ça et on va dire voilà hop ça va rentrer dans une t Ah, proche voilà on va dire hop ça va rentrer dans une tmq dans TLMQ, vous allez voir plus tard ce qui va se passer c'est une machine pour le moment une boîte noire on s'en fout une MQ, ensuite euh, je vais le rediriger donc vers une base de données. Hop, il va rentrer dans une base de données. Hop, hop, ceci est une base de données, hein, bien entendu. Ça, c'est une euh, DB. N'importe quelle DB, on s'en fout. Et de cette DB, on va pouvoir l'utiliser dans notre ordinateur, dans notre serveur, dans notre réseau, peu importe. Et en gros, l'idée, c'est quoi C'est d'avoir une agrégation de différents flux, de différentes euh, tables. Donc, par exemple, on aurait ici... Une deuxième table, hop, on aurait ici une deuxième table, hop, qui rentrerait aussi dans une tmq. On aurait une troisième table ici qui rentrerait dans une TMQ. Et vous allez comprendre qu'en fait, il y a des tables différentes pour euh, différents types de malware. Hop, ou différents types d'activités malicieuses sur, un, sur internet. Hop, hop, voilà. Et en fait, on fait rentrer tout ça dans une TMQ. Et ensuite, on va le sortir dans une base de données. Cette base de données, va nous servir pour détecter et dire attention. Par exemple, ici, hop, euh, ici, euh, par exemple, l'ordi, il veut se connecter à, je sais pas moi, x.x.y.z, j'invente, et il va vérifier ça avec la base de données. Il va dire, ah, j'ai trouvé, ah bah alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais Je rejette, hop, hop, c'est rejeté. Par contre, à l'inverse, si. Euh, on va mettre ça en vert. Si c'est pas dans la base de données, c'est-à-dire que l'IP en question ici, elle est bonne. Si l'IP, elle est bonne, hop, on fait la requête sur Internet. Est-ce que vous comprenez un peu le principe Ou est-ce que c'est euh, trop complexe Je sais que le schéma, euh, c'est un peu what the fuck. Je sais que je fais toujours des schémas what the fuck. C'est un genre de pare-feu. Non, c'est pas un genre de pare-feu en fait, c'est ça le truc. C'est pas un pare-feu dans le sens où. C'est un, un filtre IP et DNS. Ça fait un peu ETC host dynamique. Hum... Oui, on peut dire ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est que, et vous allez comprendre que ce n'est pas uniquement pour la partie dynamique. Actuellement, je vous ai montré la partie dynamique. Donc, ça ici, par exemple, ce serait une, une partie dynamique. Mais, à l'opposé de ça, vous pourriez très bien avoir, par exemple, euh... Ah on va y arriver. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hop. Par exemple, dans la machine, il pourrait très bien y avoir un log. Donc, ça, c'est un log, hein, par exemple. Donc, un fichier log. C'est, euh, je ne sais pas moi, c'est. Euh, à tel moment, il y a eu telle action. À tel moment, il y a eu telle action. À tel moment, il y a eu telle action. À tel moment, il y a eu ça. Et à tel moment, il y a eu ça. Ça, c'est un fichier log. Et vous en avez tous dans toutes vos machines. Vous le savez peut-être pas, mais vous en avez. Donc, par exemple, si on ouvre l'Event Viewer. Je vais vous montrer un event viewer. Vous allez vite comprendre ce que c'est. Hop, hop, Je vérifie juste que l'info que je vous montre c'est ok. Mm, 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 yep, ok. Ça je peux vous montrer. Donc voilà. Par exemple, euh, ici vous avez l'event viewer avec euh, tous vos événements. Hein, donc euh, vous avez euh, systématiquement, voilà, vous avez tout ça d'événements. C'est tous les types d'événements qui sont enregistrés sur votre machine. Vous ne le savez pas, mais euh, par défaut, il y en a euh, des milliers, des millions et des millions d'événements qui sont logués sur votre machine. Euh, dans ces événements, il y a notamment les types de connexions qui ont été effectuées. Euh, par exemple, bon, ce n'est pas ici, je ne peux pas vous le montrer du coup parce que ça, c'est une partie euh, privée. Mais il pourrait y avoir, par exemple, ici, dans l'événement Intel dire, ah ben il s'est passé à tel moment, il y a eu tel type d'action, etc. C'est etc. pratique quand, par exemple, on se retrouve dans une investigation, on veut se dire, ah ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé sur cette machine Est-ce que cette machine s'est connectée à euh, un environnement malicieux, et euh, ce genre de choses Et en fait, vous allez comprendre à la suite que, euh, oui, il y a une, un principe de bloquer dynamiquement euh, les échanges. Mais il y a aussi, et plus tard, on verra, on verra ça plus tard, de euh, rap rapatrier tous ces logs et les mettre à un endroit et de faire des requêtes dessus pour vérifier s'il n'y a pas de, effectivement des, euh, des communications vers des IP malicieuses qui ont été enregistrées. On va essayer aussi d'interfacer ça avec le payol, ça peut être sympa. Et, euh, et voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire la base. La base, c'est arriver à faire tourner ce truc-là. Aujourd'hui, on va essayer de faire tourner ce truc-là. Est-ce que les hackers n'effacent pas les logs automatiquement Pas tous. Et il y a des euh, systèmes de protection pour éviter ça aussi. Donc il euh, donc y a ça, mais effectivement, il y a une possibilité que, euh, et on, on l'a déjà vu bien entendu, que des, euh, des mecs qui, euh, qui sont un peu euh, voilà, borderline, qui, euh, qui, ont fait, euh, qui ont fait de la merde sur une machine et qui veulent effacer leurs traces, passent dans l'event log pour dire euh, YOLO, on a effacé les logs. Il existe un événement qui liste en fait ce, ce truc-là pour dire attention les logs ont été effacés donc on, on sait que les logs ont été effacés à ce moment-là maintenant euh, et c'est ça aussi l'important c'est de pouvoir uploader les logs euh, de manière on va dire dynamique à un autre endroit donc par exemple par exemple les logs qui sont là on va dire qu'on a plusieurs logs donc par exemple on aurait ça c'est log 1 on aurait par exemple ici ah c'est pas la même couleur hop ça c'est log 1 Ici, on aurait par exemple, euh, tac, 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 ça c'est log 2. Euh, log 2. Ici, on aurait log 3. C'est chaque fois des, des fichiers de log différents. Hop, log 3. Et en fait, tous ceux-là, ils vont se retrouver dans une boîte noire. Euh, hop, 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 Qu'on appelle euh, un CIEM. Hop, 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 voilà. Et ce CM, lui, il va faire de la corrélation d'événements. Alors ici, euh, je sais qu'une bonne partie d'entre vous euh, font, font uniquement... Euh, enfin, ont uniquement peut-être un ordinateur chez, chez eux, et, enfin chez vous, et, et puis c'est tout. Mais euh, l'intérêt, en fait, et c'est ça qui est très intéressant, c'est quand tu as un parc d'ordinateurs avec une centaine de machines, 200, 300 000 machines, peu importe, ou 10 000, que tu puisses faire toute cette concentration de logs à un seul endroit. Comme ça, tu as une seule console devant toi et, euh, et tu, peux, euh, tu peux directement voir euh, euh, qu'est-ce qui se passe comme, comme, euh, comme problème. Euh, il y a du taf pour les malware analystes en traitant tel Bien sûr, bien sûr. Euh, je veux dire, c'est obligatoire d'en avoir qui font que ça ou c'est une compétence transversale Ça dépend. Euh, soit tu payes et quelqu'un le fait pour toi et dans ce cas-là, tu récupères les feeds qui euh, ont déjà été traités. Soit tu ne payes pas et tu récupères des feeds qui sont un peu. Euh, comment est-ce qu'on peut dire ça euh, pas, pas très secs. Euh, des, des feeds. Euh, où tu pas sûr à 100% de tout ce qu'il y a dedans. Et tu peux avoir des faux positifs. Donc c'est pour ça que voilà, c'est toujours une question d'argent derrière. Tu vas donc utiliser une MQ sur ton OS euh, de tous les jours euh, Non, ça va être dans un container Docker. Pas uniquement dans une VM utilisée pour pentest, euh, malware analyst, etc. Euh, en fait, ça n'a rien à voir. Intel c'est un. Euh, je vais vous montrer le, le site hein, carrément. Vous allez voir. Hop, hop. Donc c'est un produit un projet open source sur, sur GitHub. Et euh, Intel MQ c'est euh, en plus c'est cofinancé co par, par l'Union Européenne, c'est plutôt, plutôt sympa. Euh, Est-ce que j'ai euh, des euh, Je vais vous montrer ça. Euh, en format graphique. En format graphique, ça peut donner ça. En format graphique, ça peut donner un truc comme ça. Je peux pas, je peux pas zoomer, je peux zoomer, je peux pas zoomer. Ah non, je peux pas zoomer. Ah c'est nul ça. Bon, tant pis, je peux pas zoomer. Euh, et là, vous, avez, vous voyez, c'est un, un énorme bazar. Bon, c'est euh, très gros. Et en fait, chaque petite couleur que vous voyez, chaque petit truc, donc que ce soit les rouges, les verts, les jaunes, les bleus, euh, ce sont chaque fois ce qu'on appelle un bot. Mais on, va, on, va, on verra ça plus tard. Hein. Euh, non non le plus ou moins en bas à droite euh, c'est dans la console. C'est dans, dans la screenshot. Euh, et il n'y en a pas d'autres. Euh... Non il n'y en a pas d'autres. Mais on va installer ça tout ça. On... Ah 1, 2, 3, on va installer tout ça et, et vous, verrez, euh, vous verrez comment ça marche. Euh, ok. Alors. Ouais c'est un screen. ouais. Je, je vous avais montré l'image, oui c'est possible. Je pense que c'est possible, je vous ai déjà montré l'image. Et euh, nous ce qu'on va faire en fait aujourd'hui, c'est euh, ce truc-là, euh, c'est Intel MQ, on va, euh, bah, en fait, on va faire les premières étapes de l'instancier dans un container Docker. Pour voir comment ça marche, etc. Euh, et voir qu'est-ce qu'on qu qu peut faire avec euh, pour le développement euh, rapide euh, à, à mettre en place. Alors ça c'était pour la théorie, donc voilà vous avez un, un, petit, un petit topo, euh, hop, on va sauver ça et je vais dire que c'est euh, TLMQ voilà hop let's go alors euh, donc maintenant que j'ai ça hop 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 je déplace un peu euh, tout mon écran et on va faire un truc. Hop. Donc je setup mon écran. Un petit instant. Hop hop hop. Magnifique. Ok. Let's go. C'est parti. Euh, hop, non. Impec. Alors, qu'est-ce qu'on a C'est quoi le truc euh, Qu'est-ce qu'on va faire en premier Donc, alors, la toute première chose, c'est qu'on va faire tourner une machine virtuelle. Une machine virtuelle, on va la faire tourner, dans notre cas, sur VirtualBox. Okay? Euh, donc, on l'a fait tourner sur VirtualBox. Pour le moment, je suis en VirtualBox 6.1.16. Euh, ça va. Bon, je suis quelques, quelques versions en retard, mais ce n'est pas trop grave. Um, et en fait, au lieu de. Vous savez, quand, quand on est sur une machine virtuelle, souvent, euh, ce qu'on fait, c'est on fait new on donne le nom de la machine on dit on veut le stocker on dit son OS on, euh, on, on config le bazar on lui dit je veux rajouter un disque je veux machin l'ISO, il se trouve à tel endroit. Merde, j'ai fait crit comme un con j'aurais pas dû. Merde, attends, remove. Uh, delete all files, yes, voilà <laughs> Et um, c'est laborieux parce qu'après il faut installer l'OS, etc, etc On va éviter tout ça, on ne va pas du tout se prendre la tête On va utiliser Vagrant qui va en fait nous automatiser tout ça uh, Parce qu'on a des gros flemmards Et donc, ben voilà, comme on a des gros flemmards, uh, bah voilà, on, on va faire ça Vagrant, il se trouve uh, sur le site de HashiCorp. Euh, hop voilà, donc c'est ce truc là, va crainte, etc. Vous faites get started, vous faites download et euh, vous récupérez le truc, ce qui est bien. Et les sandbox proposés par Windows 10 Pro, c'est viable, euh, c'est viable si tu désactives la partie réseau, mais ça implique que tu as euh, hyper v activé, euh, c'est bien parce que tu as alors du coup WSL2, tu as Windows Sandbox, tu as toute la partie. Euh, euh, Memory guard et device guard que tu peux activer qui sont des systèmes de protection supplémentaires sur Windows 10. Donc c'est très très bien de le faire. Euh, mais dans mon cas euh, pour Vagrant je préfère utiliser euh, euh, VirtualBox. Et donc dans ce cas-ci, Hyper V chez moi est désactivé. Donc tout ce qui est euh, la sandbox de Windows 10, etc. WSL2 pour le moment tout est désactivé chez moi, je ne les ai plus pour le moment. Ok. Alors. Euh, donc vous pouvez installer Vagrant par exemple. Et une fois que vous avez installé Vagrant, vous ouvrez un dossier, enfin vous créez un dossier. Moi j'ai créé un dossier qui s'appelle Trade Intel. Et euh, on va créer une machine, donc on va créer une VM qui est basée sur euh, Ubuntu 2004, euh, qui est la dernière version long-time support de, de Ubuntu. Donc pour ça, on va aller sur le cloud de Vagrant. C'est un peu le même principe similaire que les containers Docker. Euh, C'est-à-dire que tu lui tu, tu dis euh, je veux telle image et à ce moment-là, euh, il, va, il va te la récupérer. Donc moi, je veux par exemple une image qui, qui est supportée par VirtualBox et je dis que je veux un euh, Ubuntu 2004. Ok. Ubuntu tout court. Euh, c'est laquelle la dernière version Ah, c'est marqué ici, je suis con. Hop, je cherche, je cherche, je cherche, ça c'est une 16. Ah, attendez, je vais faire hop 20.04. Voilà, c'est la focale. Donc, euh, moi en général je prends les, euh, les, euh, les box qui viennent directement de chez Ubuntu, qui n'ont pas été modifiées. Donc ce sont des box euh, vierges, on va dire ça comme ça. Mais avec euh, tout le setup euh, initial par défaut qui est déjà configuré, hein, c'est-à-dire le SSH, le machin, tous ces trucs-là. Euh, ce qui m'intéresse, moi, c'est de récupérer cette information-ci qui est Ubuntu/focal64, qui est l'image en question que je veux récupérer. Donc, je vais ici dans mon dossier. Donc, euh, si je fais un ls, hein, il est vide. Hein, vous voyez bien euh, mon, mon truc qui est totalement vide. Et je fais vagrant init Ubuntu/focal64. À ce moment-là, euh, vagrant, il va générer. Euh, ah oui, attendez, il me fait de la merde. Euh, il me fait de la merde parce que j'ai upgradé Vagrant juste avant le lancement et euh, j'ai des plugins que je dois relancer. Je dois réinstaller les plugins. Pas de souci. Ah j'aurais dû faire un update. Ouais, il va me faire un update tout seul j'espère. Est-ce qu'il me fait un update Est-ce que je peux lui dire de faire un update Um, pop, 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 um, uh, updating installed plugin. Updated. Magnifique. Parfait. Donc maintenant, si je fais ça, normalement, j'ai plus de stress. Parfait. Donc là, il me l'a créé et m'a dit, je t'ai coucou. Je t'ai créé un fichier qui s'appelle vagrant file et je l'ai placé dans le dossier. Et effectivement, ici à gauche, j'ai mon Studio Code euh, et là, je vois j'ai mon vagrant file. Alors, vous voyez le vagrant file. Il est kilométrique avec une chier de commentaire, mais vraiment une chute commentaire. Et en fait, il n'y a que euh, quelques lignes qui sont importantes. C'est les deux premières qui définissent quel type de fichier c'est. Il y a euh, la configuration Vagrant qui est en version 2. Et il y a euh, le type de box que je veux utiliser. Dans mon cas, c'est Ubuntu Focal 64. Et puis à la fin, il y a un end pour dire c'est la fin du fichier de configuration. Si je lance comme ça, je fais Vagrant Up. Vagrant Up, qu'est-ce que ça va faire ça va automatiquement créer ma machine virtuelle et ça va la démarrer. Donc je fais up et vous allez voir que ici, bon ça prend un peu de temps bien sûr, mais. Ah, attendez, parce que aussi j'ai encore mes anciennes configs avec Hyper-V. Donc on va grind up-provider. Attendez, provisionneur, non. C'était, 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 c'était. Provider. provider VirtualBox. Voilà. Et donc là, il a bien dit, ok, euh, je vais me connecter à VirtualBox. Donc qui s'est connecté à VirtualBox Et vous voyez que j'ai une nouvelle machine qui a été créée. Et en fait, il est en train de populer cette nouvelle machine avec la box. Donc la box, c'est une image prédéfinie. Alors, euh, vous allez vous dire, waouh ouais, c'est ultra rapide. Comment ça se fait Qu'est-ce qui se passe T'as déjà une machine qui est en train de tourner. Mais genre, le dossier, il était vide. Et là, maintenant, tu une machine virtuelle qui tourne avec un vrai système d'exploitation. Comment est-ce que tu as fait C'est magique. Alors, le truc, c'est qu'en fait, j'ai déjà la box, je l'ai déjà sur mon système parce que je l'utilisais déjà avant. Tu peux faire la même chose avec VMware, bien sûr. Alors, par exemple, pour VMware, euh, par contre, pardon, pour VMware Workstation, si c'est ça ta question, pour VMware Workstation, euh, il faut un plugin qui lui est payant. Donc, c'est pour ça que j'utilise soit VirtualBox, soit euh, Hyper-V. C'est un super outil, ouais, c'est euh, dingue, pour faire des labos. Euh, super rapide pour bootstrapper des labs, c'est ultra rapide. Et vous allez voir la puissance du truc, c'est phénoménal. Vous allez vite comprendre que c'est assez euh, oufissime comme, comme système. Parce que non seulement ça démarre ma machine, mais en plus ça va populer tout ce que je veux dans ma machine, à savoir la partie Docker, les différents containers, le Docker Compose pour chacun des containers, etc. etc. Vous allez voir, c'est dingue, c'est vraiment dingue. Donc là, il est ici en train d'updater euh, la, la VM. Euh, là, il installe les euh, VirtualBox Guest Addition, etc. pour pouvoir avoir le support du, euh, du share des, des fichiers. Pourquoi on n'apprend pas ça à l'école <laughs> Mais parce que je ne suis pas professeur dans ton école. <laughs> C'est pour ça. Donc voilà, euh, on a une... Euh, tu as changé quoi dans le background File Pour le moment, rien. Pour le moment je n'ai rien changé, je l'ai laissé tel quel. C'est pour vous juste vous montrer euh, la base. En dehors du nom de la machine. J'ai encore rien changé. Le nom de la machine, je ne l'ai pas touché, j'ai rien touché du tout. Là on est vraiment en front scratch. Et vous voyez que front scratch. Merci euh, Garpy Logan pour, euh, pour ton follow. C'est cool. Bienvenue à toi. Et yeah, super, merci. n'avais pas encore exploré Vagrant. Je vais l'utiliser avec KVM. Je pense qu'avec KVM c'est euh, faisable. Il y a même des, euh, des connecteurs pour euh, Proxmox. Et pour d'autres trucs, pour, enfin d'autres hyperviseurs, euh, certains sont fournis de base avec Vagrant, d'autres ce sont des plugins supplémentaires que tu peux ajouter. Euh, notamment, ben, on va ajouter un plugin euh, ici. Vous allez voir. J'ai pas Docker dedans euh, pour le moment, c'est pour ça. Et eh ben tu vas voir toute la magie, ça va arriver. Euh, pour ça qu'on <laughs> a des écoles de merde <laughs> quand je mate la mienne. Epitech, euh, j'ai envie de me foutre en l'air sur l'apprentissage aux étudiants. C'est dingue parce qu'Epitech avait pourtant une très bonne réputation. Manifestement, c'est n'est plus le cas depuis un, un certain temps, mais avant, ça, ils avaient une, vraiment une très bonne réputation. Donc, j'ai ma machine qui a été créée et vous voyez que j'ai un, 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 un dossier qui a été rajouté qui est .vagrant. Alors, .vagrant, ce sont les configurations spécifiques euh, de Vagrant pour cette machine virtuelle. Donc, ce fichier-là, euh, ce dossier-là, par contre... Euh, pardon, vous, vous y touchez pas. Ce point Vagrant, on le laisse là. C'est euh, un petit truc qui, euh, qui est là uniquement pour euh, la configuration du projet. Euh, et c'est géré par Vagrant et on touche pas à ce truc-là. Euh... Parce que, on a. Alors, attends. Euh, on avait effectivement... Par contre, pour encaisser les 50K sur 5 ans, ça passe. 25K, putain, c'est dingue. Et dire que moi, mes études, j'ai payé euh, genre 300 euros chaque année. C'est dingue. C'est dingue. Euh, donc, euh, bah, la, la chose suivante, c'est que la machine, elle a été créée. Vous voyez, la machine a été créée. Et euh, donc, on a fait un vagrant up. C'est ce qu'on a fait. On a fait, hein. on a fait un, le petit vagrant up. Salut Molly, comment vas-tu euh, On a fait un vagrant up. Donc, maintenant, bah, on va rentrer dans la machine. Alors, il euh, y en a plein qui diront, ouais, viens, on fait show pour voir la machine. Euh, donc, et là, vous voyez, on a, on a un login ici. Euh, on pourrait euh, essayer de taper n'importe quoi euh, et Si pas, ça ne m'intéresse pas Donc je vais fermer ça parce que ce n'est pas ce prompt là que je veux Je lui dis de continuer à tourner en background Oui Et euh, je vais faire ici un vagrant ssh Hop Et en faisant un vagrant ssh En fait si vous vous souvenez Je ne sais pas si mon historique va pouvoir me le permettre D'aller si haut Oui il me le permet c'est bien ça euh, Il a fait une chose Je vais vous montrer Il a fait une chose qui est Qui est est yeah. euh, voilà vagrant insecure key detected vagrant will automatically replace this with a newly generated key pair for better security qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que euh, donc il a, il a recréé euh, la une nouvelle clé ssh et en fait quand je me connecte en ssh donc je fais vagrant ssh je me suis connecté dedans c'est grâce à une clé ssh donc sur mon host j'ai une clé ssh et sur mon guest, j'ai également une clé SSH qui a été générée. Certainement que la clé SSH doit être fournie dans, dans ce dossier-là. Hein. Je ne sais, sais pas où elle est fournie. Et donc, elle est générée dynamiquement au lancement. Et il euh, bah, y a qu'à aller regarder dans, euh, si je fais euh, euh, .ssh. Donc, je fais euh, cd .SSH, euh, Et dedans, j'ai key. Je fais un cat de Authorized key Et vous voyez que j'ai bien ma clé SSH qui est de Vagrant. Ça c'est ma clé SSH qui a été régénérée automatiquement au démarrage de la machine. Enfin à l'initialisation de, de la box, pardon. Alors, donc là j'ai ma j'ai ma VM mais euh, pour le moment ma VM elle est un peu euh, bah, elle est un peu vide en fait ma VM. « En gros, là, tu as accès à SSH sur ta VM. » Exactement, c'est ça. Donc, je n'ai pas utilisé de credentials, j'ai réutilisé. J'ai juste fait « Vagrant SSH » et je suis connecté en SSH. Et hop, j'ai screenshot, j'ai récupéré la clé, je te hack. Et maintenant, tu peux me connecter à ta VM <laughs> sans rien dessus. Oui, voilà, c'est ça, bien sûr, bien sûr, bien sûr. <laughs> oui, bien sûr, on y croit, on y croit. <laughs> Alors, juste pour information, c'est une clé publique, hein, ça. Ça, c'est la clé publique. Euh, et, euh, et tu dois avoir une clé privée euh, pour pouvoir te connecter. Il manque l'IP. <laughs> Il manque plein de choses. En fait, c'est naté. Hein. Donc, euh, donc, si je fais par exemple euh, IP adresse, euh, vous voyez, c'est euh, 10.0.2.15. C'est totalement naté. Hein. Mon réseau interne, euh, c'est pas du 10.0, c'est euh, 102.68, etc. Ben, L'IP, c'est 127.001. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Exactement, exactement. Mais tu peux essayer hein, de, de chez toi, tu, si, tu fais, si tu lances un Nmap sur 127.001. Si tu trouves des trucs, euh, je sais pas où, Anessus. Euh. <laughs> euh, ok, donc, euh, j'ai ma VM, c'est bien. Maintenant, je vais quitter. Je vais quitter parce qu'en fait, bah, ma VM telle qu'elle, je m'en bah, en fait, bon, 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 bats les couilles. Hein. Je peux rentrer dedans, je peux faire plein de trucs. Hein. Par exemple, euh, je sais pas, moi, j'invente. Est-ce euh, qu'il y a HTOP Voilà, il y a HTOP. Euh, je peux voir mes process qui tournent. Euh, bon, euh, vous voyez, j'ai pas grand chose qui tourne, euh, pour ainsi dire, que dalle. J'ai euh, deux euh, CPU, j'ai euh, au total un giga de RAM alloué. Euh, bon, c'est vraiment une toute petite VM. Hein. Et le truc, c'est que je vais un peu customiser tout ça. Alors, euh, la customisation, elle se fait. Donc je quitte. La customisation, elle se fait dans le background file. Elle se fait ici. Donc, tout ça ici, c'est de la documentation. Pour customiser. Alors euh, en fait dans les faits c'est la base hein, parce que si vous allez sur le site de Vagrant, hop ici, vous allez dans la documentation vous verrez qu'en fait en réalité dans la partie euh, providers il y a euh, pour virtualbox configuration par exemple euh, vous avez euh, pas mal de configurations disponibles euh, vous pouvez pour la partie network euh, faire pas mal de trucs différents aussi je, je, je passe en vitesse hein. mais, euh, mais l'idée est là euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre En fait, il y, y a vraiment tout dedans. Hein. C'est assez bien expliqué, je trouve. Enfin, euh, en tout cas, moi, j'ai appris euh, en lisant la doc de Vagrant. Par certains moments, si on veut aller un peu plus loin, c'est vrai que c'est compliqué euh, parce que c'est pas toujours super euh, super clair. Mais euh, c'est pas nécessairement détaillé. Mais dans l'idée, c'est pas mal, je trouve. Et alors après, vous avez la partie provisioning. Alors la partie provisioning, c'est là où en fait... Uh, Vagrant est super balèze. Pourquoi Parce que vous avez, par exemple, uh, une possibilité de gérer des scripts uh, en cible, ou en cible, du shell. Vous pouvez uh, passer du, des files, uh, vous pouvez exécuter du PowerShell, vous pouvez exécuter du Bash, du, du n'importe quoi. Vous pouvez exécuter uh, du Chef, uh, du Docker... Enfin, euh, du puppet, machin, il enfin, y a vraiment plein, plein de trucs qui permettent de en fait, euh, populer votre machine. Nous, aujourd'hui, on va le faire avec Docker et Docker Compose, mais, 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 parce qu'il y a un petit mais, on va pas la faire directement avec la version ici qu'on voit, vous voyez ici, c'est config, vm, provision, Docker, blablabla. Euh, on va pas faire ça directement avec Docker, euh, parce qu'en en fait, c'est pas ça qui m'intéresse. Du, euh, du Cloud Init, c'est-à-dire du Cloud Init. Euh, on va pas le faire avec le Docker qui est là, mais on va le faire avec un plugin directement. Alors. Is to used in production? Any idea? Non. Non, c'est pas. Euh... C'est pas quelque chose qu'on utilise en production, c'est vraiment fait pour. Euh... Pour euh, du... du développement principalement. Ok, donc. Euh... Moi ici, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est. Euh, de partir sur une configuration. Alors, je vais virer de ce pas tout ce qui m'intéresse pas, c'est-à-dire tous les commentaires. Hop. Si vous voulez, attendez. Est-ce que je peux zoomer Je peux pas zoomer. On peut pas zoomer dans euh, Studio Code. Comment est-ce qu'on fait pour zoomer Contrôle plus. Ah, c'est Contrôle plus. C'est pas la manette. Ah. Et contrôle moins. Ah, nickel, nickel, nickel. Merci. Parfait. Salut Polycarpio, comment vas-tu Alors, je vire tout ça. Hop. Je vire tout ce qui ne m'intéresse pas. Je vais juste garder ce qui m'intéresse. Euh... Donc, pour le moment, tout ça est commenté, hein, bien entendu. Euh... Hop. Hop. Voilà. Ta-ta-tam. Hop. Totem, ok, ça c'est bon. Ok. Ça ici c'est le provi le provisionneur. Pas le provisionneur, le provider de, de VirtualBox. On va le laisser pour le moment commenter. On va y passer dessus juste après. Et ça c'est la partie provisioning shell. Parfait. Ok. Donc globalement pour le moment on tombe sur un truc comme ça. En réalité, il n'y a que cette partie-là ici qui est, euh, qui est utilisée pour le moment. Ok. Um, ce que je veux faire par exemple... Si je fais Vagrant SSH, je voudrais. Euh, salut à comment vas-tu? Je voudrais à l'intérieur de ma VM pouvoir euh, accéder au dossier en question où je suis sur mon host. Donc euh, vous avez vu, euh, par exemple, ici, si, euh, si je, euh, euh, voilà, je suis dans mon dossier. Dans mon dossier, vous voyez que j'ai mon Vagrant File et j'ai un point Vagrant. Mais je voudrais aussi éventuellement. Euh, déposer d'autres types de fichiers que je puisse y accéder de mon desktop à moi, mais également depuis ma VM. Donc on va créer un, ce qu'on appelle un partage de fichiers. Alors par défaut, ça se trouve dans euh, slash vagrant. Donc si je vais dans un VM et que je tape cd slash vagrant, euh, est-ce que je vois quelque chose Pour le moment, je vois mon vagrant file. Alors c'est une bonne nouvelle parce que normalement de base on ne le voit pas. Euh, on ne le voit pas pourquoi Parce que euh, normalement ceci doit être décommenté. En disant que je veux aller ici mon dossier courant et mon dossier courant je veux que ce soit par exemple vagrant data. Euh, alors hop je sauve ça. Donc par exemple si je retourne dans le cd slash et que je fais un ls vous voyez que j'avais mon vagrant qui est là mais je n'ai pas mon vagrant data. Alors je fais exit et je vais faire un vagrant euh, provision je sais pas s'il si va accepter de le faire comme ça. Je vais devoir le shutdown et le relancer. Ça fait longtemps euh, que je n'avais euh, pas vu de Vagrant. Ouais, ouais, tu vas voir, il y a moyen de faire des trucs sympas. Alors je retourne dans ma VM, je ne suis pas du tout certain que comme ça, ça va marcher. Et bien entendu, comme ça, ça ne marche pas, c'est normal. Donc je vais faire un Vagrant reload, et Vagrant reload, ça va redémarrer la VM. Et en redémarrant la VM, il va reprendre en compte euh, le fichier de configuration et il va appliquer mon share folder qui sera slash Vagrant underscore data. Il y a d'autres options qu'on peut, euh, qu peut mettre derrière de style quel est le type de partage, est-ce que c'est par exemple du partage NFS, SMB, euh, des trucs comme ça. Euh, est-ce qu'il y a des crêtes enfin, Il y a moyen d'aller très très loin dans... Dans, euh, dans la configuration, est-ce qu'il est activé, désactivé, euh, pas de type à data. Et si je fais un ls slash, vous voyez maintenant j'ai mon vagrant data qui est là. Et mon vagrant tout court, si je retourne dans, dans mon dossier vagrant tout court, c'est des, euh, pardon, slash vagrant, et eh bien vous voyez que je n'ai plus rien dans mon dossier slash vagrant. Parce que dans mon fichier de configuration, je lui ai dit, hé hey mec, moi ça m'intéresse de euh, euh, créer euh, mon share directement dans, dans vagrant data. Bon, dans les faits, euh, on va juste prendre Vacrant, hein, parce que c'est le standard. Euh, ok, donc il y a ça. Euh, on avait dit le nombre de CPU, c'est intéressant de le changer. Donc on va changer ça également. Alors pour la partie CPU, c'est euh, vb.cpus égale 4, par exemple. Et vb.memory, euh, on va le mettre à. 4096, donc on va lui donner 4 Go de RAM. On lui donne 4 Go de RAM, on lui donne 4 VCPU et euh, bah, tire ton plan. Hein, globalement, c'est ça le principe. Hop, voilà. Et euh, le VB GUI, on le laisse euh, désactiver pour le moment. On relance la VM. Alors, euh, donc ça prend un petit peu de temps. Alors ce qui est bien c'est que moi je tourne sur des SSD euh, qui sont en RAID 1. Donc c'est encore assez rapide. J'aimerais bien aller mettre sur le NVMe pour vraiment éviter tout, le, tout bottleneck possible. Mais euh, si je vais mettre toutes mes VM sur, sur mon juste mon, mon SSD NVMe, pour le moment ce serait compliqué. J'ai un SSD NVMe de l'ITERA qui est en attente d'être rentré dans la machine que j'ai toujours pas mis. Euh, donc peut-être que voilà, pour les prochains lives, on fera ça. Euh, je retourne dans ma VM, on va Grand SSH de nouveau. Et euh, cette fois-ci, je fais mon stop Et miracle, je suis maintenant à 4 Go de RAM et j'ai mes 4 vCPU. Ok, c'est super. Bon, maintenant qu'on a dit euh, YOLO, euh, configure-moi ceci, configure-moi cela, moi ce qui m'intéresse, c'est euh, finalement bah, de passer au projet. Et le projet, c'est quand même d'instancier des containers Docker avec, euh, avec Docker Compose. Ça va être pour quel cas d'utilisation Ça va être pour. Ça va être pour. 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 Ça va être pour ça. Hop. Pour ce truc-là. Est-ce qu'on arrive à zoomer Oui. Oh, on arrive à zoomer. C'est bien. Magnifique. Hop. Voilà. Alors, en gros, c'est quoi le principe euh, Je te reprends le, le schéma en 2-2, hein, bien sûr. Um, donc le principe c'est quoi À gauche, euh, tu as ici euh, une personne qui est malicieuse, euh, qui fait des activités malicieuses sur Internet, euh, typiquement euh, ransomware, ce genre de choses, donc, donc qui a, euh, qui a des, euh, des serveurs euh, qui devraient être takedown, qui sont, qui sont exposés sur Internet. Euh, ces serveurs, c'est soit une IP, soit un DNS. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il se connecte à ta machine. Euh, soit ils se connectent à ta machine, soit c'est ta, ta machine qui se connecte euh, à ses IP. En général, c'est plutôt l'inverse, c'est toi qui te connectes chez eux sans le savoir. Et euh, le but, en fait, c'est d'arriver à lister quelles sont ces IP et quelles sont ces DNS qu'on doit blacklister. L'idée, c'est ça. Et l'idée, c'est de pouvoir euh, faire de la recherche derrière pour Faire de la corrélation d'événements avec des logs qui viennent, qui viennent éventuellement de plusieurs machines différentes et plus tard de faire de la corrélation avec d'autres outils qu'on va mettre en place. Donc, par exemple, quand tu as un malware que tu veux analyser dans une sandbox, on verra ça plus tard dans d'autres lives. Euh, typiquement, ce malware va se connecter à une IP et ben on va savoir si effectivement c'est une IP malicieuse ou pas, des trucs comme ça. Et on va faire de la classification, euh, euh, ce genre de choses quoi. Donc, purement, c'est ce qu'on appelle du, du trade intelligence. Donc, euh, c'est euh, euh, arriver à qualifier de la menace sur Internet. Euh, et donc, en fait, ces IP, pour le moment, euh, cette liste d'IP de DNS qui sont malicieux sont listés euh, et tout ça gratuitement. Et tout ça en open source, monsieur ou madame, tout à fait. Euh, et, euh, et ça, ici. Euh, tu as un tableau qui dit, à tel instant, on a constaté qu'il y avait tel IP qui était un, une IP d'un malware. Euh, IP, enfin, à tel instant, c'était l'IP d'un malware, etc. etc. Okay. Enfin, je dis malware, mais en, en réalité, c'est un command control, ce genre de choses, hein, on se comprend. Et comme ça, en fait, tu as plusieurs feeds qu'on voit ici. Euh, qui vont rentrer dans un outil qui s'appelle IntelMQ qui est en fait un message queuing, hein, donc c'est un système de, 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 de queue avec des bots qui se communiquent entre eux. Euh, donc la Vagrant sera une sandbox. Non, la Vagrant ce sera en fait, euh, donc ici c'est juste mon, mon, euh, ma machine de développement. C'est ma machine de développement où je vais faire tourner toute mon infrastructure euh, Docker pour le lab. Après, dans, les, dans la réalité, euh, tu mets ça en place, euh, en production, tu mets ça en place euh, nativement sur des grosses machines. Euh, parce que ça, 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 ça peut bouffer des ressources. Ah merde, il a, il a retiré mon zoom, ce con. Voilà. Et donc, euh, ça rentre dans IntelMQ. Euh, on verra plus tard. IntelMQ, c'est tout un bordel avec euh, des, des, en gros, un réseau. Tu peux imaginer ça un peu comme un réseau neuronal où euh, tu as euh, chaque fois des entités qui vont communiquer ensemble à l'intérieur du réseau euh, dans, dans IntelMQ. Pour déterminer qu'est-ce qu'on doit euh, exporter vers une base de données et ce qui est exporté vers ta base de données, c'est l'agrégation de tout ça. À savoir, euh, par exemple, si tu as une IP en entrée avec son temps, et eh ben euh, l'IP, on va faire une analyse dessus, on va, on va dire de quelle région elle vient, euh, à qui elle appartient, est-ce qu'elle a déjà été vue, oui ou non. Euh, Est-ce qu'elle elle appartient à une URL ou à un DNS Si c'est le cas, euh, on continue à faire une recherche plus loin euh, avec cette URL. Patati, patata. Enfin, tu vois le truc, quoi. C'est vraiment ça, c'est gros comme comme ça. Il y a moyen d'aller loin. Et euh, une fois que tu as, euh, as tout ça dans ta base de données, tu vas faire un mapping avec ce que ta machine veut. Euh, contacter sur internet. Donc par exemple, elle veut contacter euh, l'IPE euh, XXYZ. Et ben, euh, au lieu d'aller directement, tu vas avoir un petit boîtier noir pour le moment, on ne sait pas encore ce qu'on va mettre en place. Qui va se connecter à la base de données pour dire hey, je veux me connecter à tel endroit, est-ce que je peux le faire oui ou non euh, Et soit il va te dire oui, alors dans ce cas-là, let's go, tu te connectes. Soit il te dit euh, non, non, fais pas ça, euh, ça a l'air quand même vachement malicieux. Pour le moment, je pense qu'on va se baser juste sur un paill euh, de base. On verra euh, la suite euh, un peu plus tard. Et euh, l'autre cas de figure, ce serait, bah, par exemple, tu as différents logs euh, qui viennent de différentes machines que tu vas faire une agrégation dans un SIEM, et ce SIEM, pour déterminer si c'est mal issu ou pas, va se connecter sur la base de données et récupérer également cette intelligence. Voilà l'idée du projet. Et là, on est au tout début, à savoir le lab, et euh, tester, voir qu'est-ce qu'on qu qu peut faire avec ça. Quoi. Donc, euh, on est actuellement sur la VM, donc je, je fais de nouveau un exit, parce que ce que je voudrais faire maintenant, c'est euh, mettre un Docker Compose en place. Donc Vagrant euh, Docker Compose, et il y a un projet open source qui est un, un plugin. Je crois que c'était lui. Je vérifie. Yes, yes c'est lui. Parfait. Euh, donc vous voyez ici en fait ce qui est bien c'est qu'avec Vagrant on peut créer et installer des plugins. Euh, bon tu ici tu as, 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 as le code source du, du plugin, donc c'est assez cool. Donc il y a moyen d'étendre le truc, le maintenir à jour, etc., etc. Ici malheureusement on voit que la dernière mise à jour c'était du 27 octobre 2019, mais entre temps il n'y a pas nécessairement besoin de plus dans le sens où euh, bah, ça marche bien, en fait, ça marche assez bien. Donc pour le moment ça va. Mais ça c'est le problème avec Vagrant, c'est que les plugins tierces sont assez souvent pas nécessairement maintenus. C'est un peu chiant. Donc je récupère cette ligne là qui est Vagrant, plugin install, Vagrant, Docker Compose. Parce que moi ce qui m'intéresse c'est d'en fait euh, créer un stack avec un Docker Compose. Donc je vais par exemple créer ici un fichier qui va être mon docker compose.yaml euh, YAML. Et euh, dans mon euh, dégage. Et dans Docker Compose, on va créer tout un truc. Ah, mais pour le moment, il n'y a, a rien en fait. Donc on va créer tout ça et on va l'instancier. Alors dans ma console, hop. Dans ma console, qu'est-ce qu'on va faire Je vais faire Vagrant Plugin Install world choses, Enter. Et euh, il va me dire, ok, bah, je vais installer le truc. Euh, prends un café, relaxe-toi, ça va bien se passer. Voilà. Et il m'a dit, ok, j'ai installé le manager euh, Vagrant Docker Compose. C'est cool. Merci euh, Techno pour, euh, pour ton follow, c'est cool, bienvenue à toi. Ça va le faire, ça va le faire. Je suis au premier moquito seulement. <laughs> J'arrive encore à réfléchir, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, euh, donc j'ai fait ça, ça c'est bien, c'est bien. Et maintenant, euh, qu'est-ce que je vais faire maintenant? maintenant euh, donc on va rajouter ces deux lignes là qui est docker et docker compose hop on va l'ajouter hop et euh, par exemple on va l'ajouter euh, je sais pas moi on va l'ajouter ici voilà donc on a créé deux nouvelles lignes dans mon vagrant file qui est euh, install docker et install docker compose de sorte que si je fais vagrant ssh à l'heure actuelle vous allez voir que euh, si je fais euh, docker Juste Docker, il me dit euh, Docker je connais pas. Et Docker compose, et il me dit euh, euh, je connais pas non plus. Ok, pas de problème. Alors maintenant je fais un Vagrant reload. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire Il va automatiquement. Euh... Oh non, j'ai fait de la merde. C'est un provisioning que j'aurais dû faire. C'est pas grave. Euh, il va pas me le... me le faire, je pense. On va voir. On va voir s'il va... Il va quand même le faire ou pas. Et l'idée en fait, c'est que j'ai pas à me prendre la tête d'installer Docker, ni Docker Compose, enfin Docker quand on dit Docker, c'est Docker Community Edition. Donc j'ai pas à me prendre la tête à devoir ajouter la clé apt, bazar, brol chose. Il fait tout tout seul, tout tout seul. Ça c'est vachement cool. Ouais, il l'a pas fait, je pense. Ouais, c'est ça. background provision. On va le provisionner. Soule pas. Voilà, c'est ça. Donc là il installe Docker. Ah, j'aurais pas dû la, la reload, ça servait à rien. Euh, donc là j'installe Docker, enfin j'installe. Il installe tout seul, parce que je suis un gros flemmard. Euh, il installe Docker et, euh, et après il va installer Docker Compose. Et en fait ce qui est bien, ce qui est bien, ce qu'on va éventuellement faire en parallèle, c'est euh, je vais créer un GitHub pour la communauté. Et... Ce qui est cool, c'est que je vais mettre en fait ce fichier ou ce dossier en question sur. Enfin, le, le, je peux faire un repo en fait de ça. Donc, je fais un, par exemple un repo et je dis, ben voilà, euh, je vous donne le vagrant file, je vous donne le docker compose, éventuellement, <coughs> pardon, éventuellement s'il y a d'autres fichiers de configuration à côté, je vous les donne aussi. Et tout ce que vous aurez à faire, c'est vagrant up et c'est tout. Et vous aurez absolument le même environnement que chez moi. C'est magnifique, hein. c'est beau, hein. c'est beau la technologie. Donc maintenant, si je fais Vagrant SSH, hop, vous voyez, il a créé, euh, enfin, il a, il a créé le truc. Et donc, si je fais maintenant Docker PS, hop, j'ai mon truc. Et si je fais Docker Compose, euh, après, euh, il, va me, il me sort le helper ici. Donc, ça veut dire que j'ai Docker Compose et euh, j'ai mon Docker. Magnifique, on est bon. Alors maintenant, ce que je veux faire, c'est euh, lui dire Ok, j'ai mon Docker Compose, mais. Enfin, euh, je, je, je veux que tu m'instancies mon Docker Compose qui est ici. Euh, mon Docker Compose, qu'est-ce qu'on va faire en premier Pour le moment, on va faire un truc à la con. Euh, 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 je sais pas. Qu'est-ce que vous avez comme idée de, de conteneur Docker à la con euh, juste pour tester le, le pipe euh, Qu'est-ce qu'on pourrait prendre Alpine. Mm -hmm. Docker compose Alpine. Est-ce qu'il y a un truc Il me sort un... Bah voilà, magnifique. Hop, on va prendre ça. Alors par contre, on build que dalle. Ah oui, non, il me fait un Redis. Ah, oh, je veux pas ça. Non, je veux pas un build. Pas un truc à la con qui pourrait me le faire tout seul. Ouais, mais une build, moi je veux pas de build. Une busy box, est -ce pas mal ça, comme busy box, docker compose, busy box. Hop, hop, hop. Bon, je pense que euh, je vais devoir euh, la faire à la mano. Donc, euh, on vire tout ça. Hop, c'est pas grave. On va virer tout ça. Hop, hop, hop. Et on dit que euh, c'est... Euh, BusyBox. Image. ta BusyBox. C'est ça, hein? c'est ce nom-là. BusyBox. Ouais, c'est ça. BusyBox, parfait. Hum, et c'est tout. C'est quoi ça, comme Docker Compose Ah, un PHPFPM. Hum... Um, Busybox, volume. Ouais. On va, on va rester sur un truc basique. On va rester sur un truc basique, un con. On va juste faire un docker compose comme ça, avec une image. Busybox, name, euh, BusyBox Ouais, voilà, parfait. Je pense que comme ça, ça va le faire. Hop, on vire ça. Parfait. Je pense que ça, ça va le faire. Ça va être très bien. Donc, maintenant, ce que je dois changer, euh, on va faire euh, comment est-ce qu'on va faire pour que ce soit un peu plus euh, lisible pour vous? Ouah, bon, pash. <laughs> ça y est, on euh, va lancer 10 000 containers. Non, non, c'est bon, c'est bon, j'en ai juste besoin d'un seul, un seul, un seul. Euh, attendez, ouais, si je fais un truc genre comme ça, ça peut être sympa hein, comme ça. Comme ça, on a les deux. Ouais, on a les deux, ça peut être sympa. On va faire ça comme ça. Euh, donc, j'ai mon Docker compose et hop, on vire tout ça. Euh, ce que j'ai besoin maintenant, c'est dire où se trouve mon YAML file et est-ce que je dois le run. Donc, je suis un gros flemmard, je fais un copier-coller, je le tape ici juste après et mon YAML file il se trouve où Alors, il faut bien comprendre une chose container name. Ah oui, non, t'as raison. Euh... Donc, euh... alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on parle d'un Docker Compose. Et où est-ce que se trouve le YAML file Il faut comprendre que, et c'est là l'importance d'avoir le share qui est également là. D'ailleurs, peut-être qu'on va faire ça comme ça c'est mieux. Euh, en fait, ça fonctionne à, à l'intérieur. Donc, le Docker Compose va être, euh, va être appelé à l'intérieur de la VM. Donc. Comme il est actuellement stocké sur, mon, sur son, mon file system à moi et pas celui de la, la VM, il faut qu'il puisse y accéder. Bon, pour pouvoir y accéder, on avait défini un share ici au-dessus, qui est slash vagrant. Et donc, dans slash vagrant, j'ai mon... D'ailleurs, on va virer le A de YAML. Hop, 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 voilà. J'ai mon docker-compose.yaml, qui est là, et en run, always. Parfait. Merci, DailyMax, pour ton follow. Bienvenue à toi. Donc euh, j'ai ce truc-là, parfait. Et maintenant, euh, attendez, je suis où, je suis où, je suis où Hop, 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 voilà. Donc maintenant, je fais mon vagrant provision et automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire Il va créer, enfin, il, il, euh, il va, run mon Docker compose et euh, et il aime pas du tout. Pourquoi il aime pas du tout Qu'est-ce qui se passe Version unsupported. Ah, wait, 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 wait. Hop, voilà. Est-ce que tu me saoules encore comme, en faisant ça Parfait. Voilà. Donc là, il est en train de pouler euh, Busybox, etc. Il a créé la, la VM, etc. Enfin, la VM, le conteneur. Et donc, on voit bien que le conteneur a été créé. Parfait. oups Donc, euh, si je vais dans ma VM. Et que je fais un hop Docker PS et il me l'a pas fait. Oh là là là, qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce qu'il me l'a pas créé euh, Pourquoi il me l'a pas créé Qu'est-ce qui s'est passé Docker PS-A. Ouais, il s'est barré. Hein. Ah, mais euh, c'est normal. C'est une, euh, une BusyBox, c'est pas censé être un truc qui euh, se ferme tout seul. Donc, Vagrant Provision, il crée la VM à chaque fois. Il a créé, mais elle est excité Il, elle, il est déjà mort. Bah oui, c'est ça en fait. Bon, c'est peut-être pas un bon, un bon test, euh, une BusyBox. Ah, tu sais quoi, on prend une Redis. s'en fout. Euh. Juste pour l'exemple, un, un service qui tourne. quoi. Hop, on exit. Euh... Donc, Vagrant Provision, il update la VM à chaque fois euh, sans la recréer. C'est ça exactement. Donc, en fait, ce qu'il va faire, il va reparcourir euh, le, le fichier de configuration. Et tout ce que, où il voit config.vm.provision, euh, automatiquement, il va le réexécuter. C'est ça. Il faut que tu ajoutes une commande tl-f dev nul Pourquoi Alors vagrant ssh Et là, si je fais mon docker ps, j'ai mon Redis qui tourne. Magnifique. Euh, alors, petit truc, et c'est là que vous allez comprendre, c'est que actuellement, mon Redis il est exposé sur le port euh, 6379. En fait, en réalité, il est même pas exposé. Hein, donc euh, en réalité, je suis censé rajouter ici la partie network en disant euh, expose-moi le port, patati patata, ce que, je, ce que je ne fais pas pour le moment. Mais euh, à la limite, s'il était exposé, le problème c'est qu'il va être uniquement exposé dans la VM. Si je veux y accéder sur ma machine à moi ou sur mon réseau, je vais devoir euh, euh, exposer les ports. Alors pourquoi Parce que si vous regardez bien, on est actuellement, donc vous avez vu euh, l'IP, monsieur l'IP adresse. Vous voyez que mon IP, bon j'ai tout le bordel avec Docker maintenant qui s'est rajouté, bien entendu, mais mon IP, elle est, je la trouve, elle est ici, 100215. Ok, ça c'est mon IP, mais je suis naté. Ça veut dire que si je regarde les settings de ma VM dans Network, vous voyez que j'ai un adaptateur qui est en nat. Et actuellement, la seule chose qui est natée, c'est le port 2222 -22 sur mon host pour accéder au port 22 sur la VM. Euh, pour faire une boucle infinie dans le conteneur et qu'il ne meure pas. Oui, mais ça, on s'en fout à la limite. Euh, parce qu'en fait, enfin, je m'en fous d'une busybox. Ça m'intéresse pas d'avoir une busybox. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir, avoir, un, euh, avoir euh, mais, mon conteneur, mon, mon stack euh, de IntelMQ. Donc, euh, c'est juste pour tester le, le principe de, du Docker Compose. En fait, tout ça ici va, va disparaître. Euh, ok, donc on a, euh, on, a, on a actuellement un verre de Mokito qui est vide, donc je vais aller le remplir. Et, euh, et on a le Docker Compose qui est insensé. Magnifique. Hop, on vire cette merde, parce que ça ne me sert à rien. Et maintenant, on va aller voir euh, dans la documentation IntelMQ Docker Compose. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont créé un chouette Docker Compose Alors, juste, eh, c'est ça le truc aussi qu'il faut que je regarde. C'est est-ce qu'ils ont déjà euh, la version 3.0 de Intel MQ Ou ils sont encore en version 2 euh, Docker. Alors, je regarde ce qu'ils ont. Donc, j'ai ma Redis. J'ai mon Intel MQ. Ah, tu vois, voilà. 2.2.1. Aïe, c'est pas cool ça. Euh, Intel MQ Docker. Je sais pas si en fait ils ont déjà les, les bonnes images. Je sais pas en fait s'ils si ont des images tout court en fait. Ah, attends ça. Mais c'est plus en alpha. Elle a été release. Mm -hmm. Ou alors on reste en version 2 pour le moment. Et on update plus tard. Parce qu'en soi, c'est pas le plus important. On peut faire ça. Il y a quand même pas mal d'ajouts dans la version 3, notamment une API qui peut être assez cool pour plus tard. Hmm. Bah oui, ouais, j'ai est ici mon truc, une TMQ Docker. Il est là, il est là. Euh, Certaté, hop, hop, hop. Certaté, certaté, il est là. Alors, putain, Amendil, en, en une fois, je crois que c'était un... Tu sais, euh, j'ai le chat qui est à gauche, dans mon champ de vision. Je me suis dit, ah, ça y est, il euh, y a un bot, je vais le ban. <laughs> Heureusement que j'ai regardé. Uh, currently, the version published on Docker Hub is not tagged with the same IntelMQ version during beta. Each version is published with tag 1.0. Uh, you can manage your botnet via IntelMQ CTL documentation. You need to use IntelMQ Manager currently. Ah! Alors, uh, petite chose intéressante uh, que vous sachiez, en fait, je connais les développeurs uh, de IntelMQ. Uh, donc, si j'ai le moindre problème, je peux, uh, je peux leur pinguer uh, en. En direct, euh, donc il n'y a pas de, pas de stress par rapport à ça. Et l'idée que j'ai, c'est que la 2.3 que tu as vu, c'est peut-être une V3. Mais je, je pense surtout qu'en fait, je vais me baser sur le certaté. Alors, petite information, ça peut être intéressant pour que vous sachiez. Euh, certaté, c'est le cert autrichien. Alors un cert, qu'est-ce que c'est Cert wikipédia. Je n'arrive même pas à taper wikipédia, tout va bien. Euh, euh, Computer Emergency Response Team, voilà. Donc, euh, insert comme quoi le batch fondateur euh, protège de rien. C'est quoi le batch fondateur, euh, c'est-à-dire Et donc, euh, le truc, c'est que chaque pays a un cert. Euh, un CERT au minimum. Donc, c'est une équipe qui gère de la cybersécurité euh, au sein de, du pays. Et vous voyez ici euh, en Belgique, par exemple, nous, c'est le CERT BE. Euh, au Luxembourg, c'est euh, GovCERT et euh, Circle. Toi, il y a Circle. Bon, il y a normalement, c'est le GovCERT aussi à côté, mais bon, ici, c'est le Circle. Toi, ils disent voilà, pour le private sector, euh, les communes et tout ce qui est non-gouvernemental entities in Luxembourg. Euh, pour la partie euh, gouvernementale, c'est GovCert. Et donc voilà, il y, y a juste deux trucs différents. Au Luxembourg et en France, vous, c'est euh, CertFR. Voilà. Et donc, en fait, quand vous avez un problème, vous pouvez contacter l'ANSI, vous pouvez contacter CertFR. Ce sont des gens qui normalement sont censés pouvoir vous aider. Euh, on parle d'incident de, de cybersécurité. Et en Autriche, il y a CertAT. Bon, il y a le GovCert aussi, mais CertAT, c'est un peu l'équivalent du... Euh, euh, de la partie Circle au Luxembourg. Et donc ces gars-là, ils ont plusieurs projets sur les rails, dont Intel MQ. Intel est un des gros trucs qui est géré chez eux. Donc le repo il est là, et en gros ils expliquent tout ce que c'est, ils ont un wiki qui est assez bien foutu, qui est, bon on l'avait vu, je ne sais plus où il est passé d'ailleurs, ici, qui est assez huge. Avec euh, tous les trucs en dehors. ils ont une mailing list. Donc si vous voulez vous partager et avoir des infos sur comment fonctionne le bazar, ils ont une mailing list. Donc c'est assez cool. Euh, hop, hop, euh, C'est accessible à tout le monde, bien entendu. Euh, même si ça reste un cercle fermé, parce qu'en général, les gens se connaissent, mais euh, c'est un, un domaine assez intéressant. Alors on va voir ici chez Certaté comment est-ce qu'ils ont fait leur truc. Euh, Docker Compose. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux donc, ça, c'est le reverse proxy. Et on a, certes, une TMQ. Ah ouais, Intel TMQ full 1.0. Ah, ils l'ont mis comme ça maintenant. Du coup, c'est Intel euh, comme intelligence et euh, pas Intel TM. Exactement, c'est ça. Donc, c'est euh, trait Intel, c'est euh, l'intelligence de, de la menace. Donc, l'étude de la menace sur Internet. Non, qui porte à, à, à confusion. Oui, je peux comprendre. Mais euh, dans, le, dans le milieu, on, on dit trait Intel. Ou en fait, on dit CTI, Cyber Trait Intelligence. On dit les deux. C'est justement ce GitHub qui est recommandé par Intel Q. Bah oui parce que c'est en fait le truc de base en fait. Donc, euh, donc voilà. Mais l'autre c'était un certe PL, je sais pas, je sais même plus qui. Je me suis dit pourquoi pas. Alors on a ici un truc, bah tu sais quoi, euh, moi je dis euh, YOLO, hop, on copie ça. On va le taper ici et on va voir euh, qu'est-ce qu'on fait avec. Donc hop, on va le fermer là. Alors, qu'est-ce qu'on a Je vais un peu diminuer, je ferme ça. Euh, alors, on a une configuration de Redis euh, pour le moment. Euh, ah oui, il faut que je map ça euh, avec le repo. Alors, attendez. Comment est-ce qu'ils ont fait ça Donc, example config Redis.conf. Redis Qu'est-ce qu'ils ont mis Ah, ça vaut la peine. Hein? Ça vaut la peine de mettre ça. Donc, ce que je vais faire, je vais faire un nouveau dossier. Je vais mettre config. Et dedans, je vais créer un nouveau... Do... Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, hop, nouveau dossier qu'on va appeler redis. Et dans redis, on va créer un nouveau fichier qui est redis. .conf. Et donc ce que j'ai besoin c'est point slash euh, config redis redis.conf user local etc redis.conf parfait la commande c'est redis server avec redis euh, user local redis.conf ok restart always euh, image redis container name redis Ok, parfait. Network IntaminQ internal, parfait. Mon engines, euh, c'est image euh, IntaminQ engines. Ok, restart always, parfait. Vous voyez qu'ici, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, le port exposé va être le 1337. Mais, mais, parce que merde, je fais de la merde. Mais, mais, il y a un petit mais, c'est que ce port par défaut n'est pas exposé sur notre machine. Donc, euh, Qu'est-ce qu'on va faire dans le background file? On va déjà faire un truc qui est port forwarding et on va dire que le guest c'est 1337 et mon host sera 1337. Voilà, hop, on sauve ça comme ça. Euh, donc ça veut dire que le truc qui va être exposé en 1337 va être exposé sur ma machine. Donc je pourrais faire de ma machine HTTP ou HTTPS 2.// Localos 2.1337 et j'accéderai directement à la partie web de IntelMQ. Ça, c'est bien. Ensuite, euh... ah oui, mais j'ai pas copié mon Redis.conf. Euh, c'est remus si je copie mon Redis.conf. Hein. Ce n'est pas du tout ça. Euh... Exemple config, Redis, Redis.conf. Oh. Merci euh, Vinci pour ton follow. Bienvenue à toi. Alors, Redis.conf, on le ferme. Tout va bien. Hop, on retourne ici. On retourne dans le Docker Compose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, L'image. Le name. Container name qui est IntelMQ Engines. Parfait. Et, et, et. Euh, ensuite, on a IntelMQ qui est finalement bah, le, la partie euh, core. Container qui va être IntelMQ Core ntmq proxy on va dire proxy ouais, c'est reverse proxy mais on, on se comprend donc ça c'est le proxy ça c'est le core parfait et maintenant et c'est là tout le truc c'est toute la partie configuration alors pour le moment on va pas regarder en détail la configuration de ntmq on verra ça bien plus tard parce que c'est pas le plus important le plus important c'est maintenant créer le stack complet et euh, et on va voir euh, un peu plus tard euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec donc 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 qu'est-ce qu'on fait euh, dans les volumes dans les volumes dans les volumes euh, on va aller dans .slash config intmq ah oui etc il a fait comme ça ok d'accord config redis non config new folder intelmq et dans Intelmq, on crée un nouveau folder qui est etc. Ça c'est bon, on Intelmq etc. Parfait. Ensuite, config Intelmq API. Ah ben voilà, l'API est là. Magnifique, c'est bien ça. New folder Intelmq. Non, je suis dans Intelmq, je peux pas. Hop, new folder Intelmq. API, ça c'est bien. Et là j'ai quoi J'ai ma config. Ok. Ok. Et ensuite, ntmq logs. Ah, ça c'est pas mal ça, logs. On va les mettre également ici. Euh, on va pas les mettre là, on va les mettre ailleurs. On va faire new folder logs, new folder IntelMQ. Et donc on va dire que ça va être dans. Slash .logs IntelMQ. Ok, ça c'est bon. Ensuite, euh, j'ai mon IntelMQ output. Ah, ça c'est mes bots. Euh, Opt IntelMQ Varly bot. Hmm. Hmm. Alors, pour résumer, actuellement tu as une VM. Sur laquelle tu as installé un Linux avec un accès SSH. Dans cette VM, tu as installé Docker et actuellement, tu prépares ce Docker pour héberger Intel MQ. Dans l'idée, c'est ça, mais euh, avec beaucoup d'étapes euh, euh, complètement automatisées. Hein. Donc, euh, dans, dans tout ça, je reprends. C'est. Euh, donc, j'ai une VM, effectivement, j'ai une VM. Elle est, euh, si on la regarde, c'est celle-ci. Donc. Euh, Très Intel default machin. D'ailleurs, on pourrait changer son nom plus tard. Euh, sur laquelle j'ai installé Linux. Alors non, j'ai pas installé Linux. En fait, c'est une box, un petit Paint. <laughs> non, 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 pas pour ça. Euh, euh, c'est une box. Et dans cette box, c'est un peu un genre de un snapshot ou une, un genre d'une ISO, tu vois, mais déjà installé. Donc en fait, je récupère une VM qui est déjà préinstallée et je n'ai plus qu'à la lancer et la configurer par rapport à ce que j'ai besoin. Globalement, c'est ça l'idée. Donc c'est beaucoup plus rapide en fait. Il n'y a pas besoin d'installer l'OS, il est déjà préinstallé par quelqu'un d'autre. Euh, bien entendu, gardez en considération que vous pouvez faire ça vous-même. Donc créez vous-même une box à partir de votre ISO si euh, vous avez des craintes que vous utilisez un système d'exploitation préinstallé par quelqu'un d'autre et qu'il pourrait y avoir des choses bizarre on va dire ça comme ça dans dans la dans la box ce que je peux comprendre hein. au même principe que pour les containers docker finalement quand on fait un docker euh, docker run euh, de d'un de, container à moins d'avoir analysé les codes du container on ne sait pas ce qui tourne dedans donc parfois c'est un peu problématique donc euh, et d'ailleurs euh, il y a eu un talk à, à KELU euh, il y a deux ans sur euh, des containers docker qui étaient malicieux hein, avec euh, des euh, des crypto-miners dans des containers, des trucs comme ça. Donc euh, oui, oui ça, ça existe, ça existe. Donc faites attention quand vous utilisez ce genre de, de solutions, bien entendu. Euh, et donc vous pouvez par exemple créer vous-même vos propres boxes avec Packer, qui est un autre outil euh, qui, est, euh, qui appartient aussi à HashiCorp. donc euh, qui, qui sont ceux qui sont derrière euh, Vagrant, Vault, Terraform et d'autres outils euh, assez connus de, du même style. Euh, donc, il y, y a ma VM. Dans ma VM, euh, elle a été automatiquement configurée par défaut avec ma box. Et puis, moi, dessus, j'applique ma propre configuration qui est, par exemple, euh, change-moi le port, euh, installe-moi Docker, Docker Compose, etc. Merci, Necarpo, pour ton follow. Bienvenue à toi. Euh, voilà. Donc, c'est l'idée. Euh, la suite. Alors, donc du coup j'ai mon Docker Compose qui est instancié. Pour les volumes, tu les starts euh, par slash vagrant, non Non, parce que je suis dans mon Docker Compose et mon Docker Compose euh, dans ma VM il va être à côté de, de ces deux folders là. Donc je n'ai pas besoin de dire slash vagrant. Je pourrais. Je pourrais le faire. Mais je ne suis pas obligé de le faire. J'utilise euh, le chemin relatif pas le chemin absolu. Mais dans les faits, ça ne change rien. Ce qui veut dire que si un jour je change mon, euh, mon, mon share, <coughs> par exemple je ne veux plus utiliser Vagrant ici, mais je veux utiliser autre chose, j'aurais juste à le changer ici, euh, ou, ou j'appelle je, 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 mon Docker Compose, et tout le reste va être euh, automatiquement mis à jour. Ça m'évite ce genre de, de problématique euh, éventuellement. <coughs> Alors... Euh check un truc euh... mm -mm -mm -mm. Ah ben vous savez quoi je reviens je reviens je vais euh, je vais remplir euh, mon verre j'en ai pour 2-3 euh, minutes et, euh, et puis on continue euh, on continue la suite de la config et on, et on instancie tout ça à tout de suite Hop. voilà. Donc, <coughs> on a été où On a été à euh, les volumes. Donc, euh, les volumes IntelMQ. donc j'ai mes logs, il me faut maintenant Intel MQ output. Pourquoi il fait Intel MQ output Pour répéter, IntelMQ MQ bot. Oh, t'as vraiment besoin de ça Hmm. Hmm. allez on va créer un nouveau folder qui est du coup euh, intelmqbot hop euh, Intel bots parfait alors dans config intmqvarlibot et là ce sera opt intmqvaribbot ah. J'accède à Intelmq depuis mon host. Oh, nice, GG. T'as as fait la même chose qu'ici T'as aussi fait un euh, Vagrant et tout le truc Cool. Nice, GG. Euh... Donc, euh, je prends mon config, Intelmq, VarlyBot. Alors c'est là qu'il y aura tous les bots de Intelmq qui vont être... Euh, euh, stockés. Donc un bot c'est un, un script Python. Hein. Mais je fais euh, tout en copiant sur toi depuis le début. <laughs> C'est facile ça alors. <laughs> alors. Euh... Donc, 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 je cherche. Je cherche, je cherche. Euh... Config. Parce qu'au plus, je vais voir des moquitos plus, ça va être compliqué. Hein. Donc, euh... donc, je cherche. Hein. <laughs> ça va le faire, ça va le faire. Intel MQ. Uh, new file, no, new folder, var, new folder, lib, new folder, bot, parfait donc config, intelmq, var, lib, bot, dans opt, intelmq, var, lib, bot, parfait il dépend de Redis, l'environnement c'est Redis, le network c'est intelmq, Intel internal il n'y a pas de crédits, tout va bien. IntelMQ internal, driver bridge. Pour la config, j'ai cloné le repos en local. Ah bah oui, c'est plus facile. C'est vachement plus facile, de fait. Euh, j'ai pris leur dossier pour les mettre au bon endroit. Ah bah oui, ok, ok, ok. voyez, oui, moi ici, j'aime je, je, bien, bien euh, mettre une hiérarchie qui correspond plus à, à ce que je cherche. Euh, bah voilà, je pense qu'on a tout. Je pense qu'on a tout comme ça. Il euh, n'y bah, a plus qu'à faire un Docker Compose Up. Hein, et on est bon. Let's go. Euh, donc, on fait exit. De Vagrant Provision. Et c'est parti. Hein. Let's go. Ça devrait être bon. On a la même hiérarchie. Ah, cool. Euh. Alors, ça devrait être ok, comme ça, je pense. Ça va prendre un peu de temps, bien entendu. Ah, erreur. Erreur sur Redis. Ah, mais oui. Euh, oui, parce qu'il existe déjà. Et il ne me l'a pas supprimé juste avant. C'est normal. Donc, je vais faire un background SSH. Docker, s'il veut bien. Hop, 1, 2, 3. Docker stop Redis. Et ensuite, un docker rm redis pour euh, delete le redis. Et maintenant, on peut le refaire. Euh, je, suis pas... je ne suis pas juste bon en social engineering, mais aussi en copier-coller efficace. <laughs> yes, parfait. Ok, j'ai tout mon truc. Donc, si je fais un vagrant ssh. Voilà, voilà, voilà. Vagrant ssh. Euh, et je fais un docker ps. J'ai bien... Non, j'ai pas euh, j'ai pas mon Redis. Si mon Redis est là aussi. Non, il y a un problème. J'ai mon Redis, j'ai mon NTMQ proxy, mais je n'ai pas mon NTMQ tout court. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Docker ps -a. Il s'est barré dans mon entry point. Donc, il faudrait que je regarde qu'est-ce qui s'est passé. À mon avis, il doit y avoir un problème. Ah, mais oui, je suis con. Mais ben oui, ah, non, non, je fais de la merde en fait. Ah non. Salut euh, Ras, comment vas-tu J'ai fait de la merde en fait parce que du coup j'ai mis ma hiérarchie, mais j'ai oublié de mettre les fichiers de configuration dans ma hiérarchie. Ah Il est là le problème, mais oui. Euh, donc, euh, on y retourne. Alors attendez, 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 attendez. Parce que si on fait le job à moitié, ça va pas le faire. Maintenant, dans l'exemple config et ntmq API, config api, config.json, allez, on reprend tout ça. Hop. Uh, NTMQ API, hop, new file, config.json. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans NTMQ CTL, OPT Varlibot, 86400, ok, start, tout est bien. Ça va bien et toi Bah, écoute, bah, ça va, ça va franchement super bien. Ça va franchement super bien. J'ai reçu mes résultats de, de mon examen. De, de Forensic, donc ma certification, j'ai réussi à 85%, donc je suis très 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 content. Et là, bah, du coup, on part sur un, une série de live euh, pour mettre en place euh, une infra de, de, de trait intelligence. Donc, euh, ouais, c'est est, est bien, c'est bien, est bien. On, est, on, est, on est pas mal, on est pas mal. Alors, euh, oui, effectivement, bah oui, il y a tout ça qui manque, <laughs> Config, intmq, etc. Alors, on va créer le runtime.conf, dans mon runtime.conf, il y a tout ça. Hop, hop. On va regarder après en détail ce que c'est, hein, tout ça. Ne vous inquiétez pas. Félicitations, du coup, j'imagine que tu as validé la formation. Alors, ouais, j'ai validé. Alors, je, alors, je pense qu'à 85% de. Ouais, ouais. <laughs> ouais, 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 j'ai euh, réussi, j'ai reçu le truc. Mais euh, franchement, euh, à un moment, j'étais. Euh, euh, j'étais limite. Euh... J'étais limite en, en PLS parce que euh, d'un côté, je me dis, ouais, mais t'imagines si je foire mon examen parce qu'en plus j'avais le CTF la même semaine, ça va me retomber dessus parce que j'ai fait le CTF en même temps et tout. <laughs> franchement, j'avais peur que, que je foire l'examen et tout. Parce qu'en plus, l'examen était. Franchement, en vérité, l'examen n'était pas du tout facile. Et, euh, et ben, en fait, non, ça s'est bien passé. Donc c'est plutôt cool. Euh. Donc, euh, donc voilà. L'examen a été chaud quand même, mais, euh, mais voilà, c'est réussi. Donc, euh, non, non, je suis plutôt content. Je suis plutôt très content. L'ETF, c'est euh, de la révision pour l'examen. Ouais, ben voilà, c'est ça, c'est ça. <laughs> c'est exactement ça. Euh, alors, pipeline. On va rajouter le pipeline. Encore une fois, tout ça, on va voir juste après ce que c'est. Alors, euh, pipeline.conf. Et c'est normal du coup qu'il a craché parce qu'il n'y avait aucun fichier de conf, hein, bien entendu. Euh, harmonisation, c'est très important. Hop. Euh, je sais que je pourrais faire un git clone, je n'ai pas envie de faire un git clone. Ne vous inquiétez pas, c'est maîtriser ou pas. Harmonisation.conf Hop, on met ça. Désolé, j'ai raté, c'est une formation de quoi C'est une formation euh, forensique Uh, digital forensic donc c'est de l'investigation digitale uh, c'était un, bah, une certification uh, une certification de forensic alors donc j'ai ça mes feeds très important hop 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 new uh, feeds.yaml hop, oui, c'est ça, ok. <coughs> mon default .conf. Je crois que je vais quand même cloner le, le repo en vérité, parce qu'à mon avis, euh, je suis parti pour que euh, pour cloner tous les bots, ça, ça va pas le faire. Si c'est deux trois trucs, à la limite, ça va. Mais là, je suis parti pour refaire tout. Donc, à mon avis. Je suis parti pour euh, pour cloner quand même le repo. Euh, Bot manager position.conf ok Donc ça c'est ok pour IntelMQ etc. Euh, mon IntelMQ API c'est aussi bon. Il me reste IntelMQ Logs. On s'en fout. IntelMQ foot, On s'en fout. Parfait. Bah normalement je suis bon. Normalement je suis bon en faisant ça. Euh, je revérifie mon Docker Compose. MTMQ varlibot et dans varlibot pour le moment il n'y a rien parce que ce serait dans une exemple config et là j'ai pas de varlibot non j'ai juste mon etc non c'est bon c'est bon je suis bien je suis bien je suis bien je suis bien c'est reparti hop euh, exit hop 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 vagrant de provision c'est reparti un pack alors euh, va SSH. docker ps et j'ai mes trois conteneurs qui sont là c'est magnifique c'est de toute beauté comme on dit alors euh, du coup on va aller sur http:// 12701 2.1337 et normalement si on n'a pas fait de merde on a le manager. Mais moi j'ai fait de la merde. Est-ce que c'est en HTTPS Normalement c'est en HTTP. Ah J'ai fait de la merde. Qu'est-ce qui se passe Il est où le problème euh, Il est où le fucking problème mmh. Mmh, 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 mmh. Tu as reload depuis que tu as ouvert le port... Hmm. Très bonne question. Excellente question même. Bien sûr que non. <laughs> aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. <laughs> Mais je pensais que j'avais fait le, le, le reload après avoir fait ma, ma, ma modification ici. Mais en fait, euh, non, j'ai... Non bah nope, nope, nope. Ben voilà on va faire la vacant reload, il va remettre mes, euh, mes containers, et puis on devrait être bon, hein? je pense. Je pense qu'on devrait être bon en faisant ça. Il a bien euh, partagé le port 1337. Ok, ça c'est cool. Ok. Euh... Vagrant SSH. Docker PS. J'ai mes trois qui sont là. Hop. F5. Bon, là, c'est parce que je suis en HTTPS. Donc, du coup, c'est en HTTP. Oh là là, c'est de toute beauté. Magnifique. Donc, euh... ce qui m'intéresse, c'est la partie oh 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 quest qui se passe qu qui se passe la partie la partie configuration voilà alors ici on a euh, notre botnet qui ressemble à ça pour le tout début donc on a notre botnet et euh, vous voyez que par exemple ici je pourrais le démarrer et, euh, et donc si je clique dessus on voit qu'il est en mode running parfait donc ça, c'est mon bot qui a démarré, mais je vais le recouper ici. Donc pour le moment, vous voyez que tout est un peu euh, grisé, enfin grisé, je sais pas comment on dit, enfin tout est, tout est euh, stoppé. Donc tout mon botnet à l'heure actuelle ne tourne absolument pas. Et euh, bah, le but maintenant, c'est de voir concrètement bah, qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut récupérer, comment est-ce qu'on le récupère. Euh la liste patati patata donc il y a deux trois trucs qu'on va regarder ce qui nous intéresse par exemple c'est Fido Tracker ça c'est très sympa donc Fido Tracker c'est euh, euh, un truc de de AbuseCH Fido Tracker qui est en fait un tracker de botnet de CC et donc euh, si je fais par exemple dans l'autre bloc en fait euh, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me fournir un CSV, euh, un CSV qui, euh, qui me permet de récupérer en fait euh, la liste des, euh, des, des botnets qui sont foireux. Euh, vous voyez qu'on peut faire des règles sur Ikata avec, etc. Il y a moyen d'aller assez loin. Et donc, par exemple, si je fais download CSV, voilà, vous voyez que le 17 janvier 2021, à 7h30, on a constaté que l'IP 6721375. 205 sur le port 443 qui est online était un malware utilisé, enfin c'était un C2 utilisé pour le malware Dridex, etc. etc. jusqu'à récemment, par exemple, on est le 9, et eh ben aujourd'hui à 7h02 UTC, euh, c'est un IDP. Un IDP, c'est quoi un IDP euh, Et donc, par exemple, ce matin à, à 7h02, ils ont spoté l'IP 185 138 78 73, euh, je dis en français belge, hein, euh, traduirez si vous voulez, euh, sur le port 443, qui était cette fois-ci pour le malware Trickbot. Voilà. Et donc, euh, et donc en fait, toutes ces informations-là que vous voyez, euh, ce sont euh, un IDS plutôt. C'est un IDS, qu'est-ce qui est un IDS, est un IDS Sur Kata? C'est ça Oui, oui, Surikata est un IDS. Mais je ne sais pas si c'était ça ta question. Euh, et donc, vous avez cette liste-là. Et bien, ce qui est intéressant, en fait, c'est que dans l'intelmq, cette liste-là, elle arrive ici. C'est ce bot hein. Ce bot son job, ça va être de récupérer cette liste. Il va récupérer cette liste et il va la passer à lui, le parseur, qui va regarder chaque ligne. Et il va regarder chaque ligne et il va extraire l'information qui l'intéresse. Par exemple, l'information qui intéresse, c'est l'IP, le port et le, numéro, le, le nom du malware associé. Il va le faire et ensuite il va le fournir à ce qu'on appelle un déduplicateur expert. Ça veut dire que si l'IP en question que Feodo a trouvé euh, est une IP qui a également été trouvée sur euh, Spamhaus, par exemple, dans ce cas-là, on va en dropper une des deux. Parce que sinon, il va y avoir des doublons. Et on ne veut pas avoir des doublons, sinon, on va avoir une base de données qui va être. Énormément grande, euh, et là c'est euh, le début de l'apogée, de l'apocalypse. Donc, euh, de donc euh, non, on ne fait pas ce genre de choses, donc on met un duplicateur en place. Ensuite, derrière, dans ce cas-ci, il y a un, ce qu'on appelle de la taxonomie expert. Un taxonomie expert va déterminer en fonction, par exemple, euh, si c'est un Tridex, si c'est un trigbot euh, ou si c'est un autre type de malware. De quel type de malware il s'agit Est-ce que c'est justement, déjà premièrement, est-ce que c'est un malware Est-ce que c'est du phishing Est-ce que c'est, euh, j'en sais rien moi, euh, n'importe quoi Enfin, plein de types d'actions de, euh, frauduleuses euh, possibles. Et en fonction de ça, euh, donc, il va rajouter l'information. Ensuite, il va faire URL to FQDN expert éventuellement s'il si y a une URL. Et l'URL, il va la transformer en FQDN. C'est-à-dire qu'il va récupérer uniquement, par exemple, la partie de devant et pas le « slash config html » qu'il va mettre quelque part. Ensuite, il va faire appel à deux experts qui sont « gethostbyname » et Get « guesthostbyname2 » qui, eux, vont euh, essayer de récupérer des informations propres à la machine euh, en se basant sur son IP, son DNS, etc. Merci, euh, Circle, pour ton follow. Bienvenue à toi et ensuite, euh, il va y avoir un voice qui va être fait avec euh, Simru. Euh, donc par exemple, Simru, c'est ça. Voice. Un... Euh... Voilà. Et donc ici, par exemple, euh, exemple ici concret, on va mettre l'IP. Ici l'IP euh, du truc euh, Trickbot. On met son IP, on fait Submit, et il dit, ben voilà, euh, ça appartient, donc c'est l'Autonomous Autonomous System 62169. Je vous explique juste après ce que c'est. Et puis le nom du, de l'Autonomous System, c'est euh, Smart... Euh, attendez, ce que j'arrive même pas à lire euh, Smart Engine-AS, et ça vient de Russie. Donc c'est intéressant parce qu'on sait que euh, cette IP est une IP russe. Donc voilà, il y a moyen de, de faire des trucs comme ça. Alors l'AS, qu'est-ce que c'est C'est un autonomous système. C'est une partie d'Internet. Donc quand, euh, quand en fait, euh, on, est sur, on est sur Internet, chacun a une IP. Et en fait, il y a des blocs d'IP qui appartiennent euh, à des, euh, des groupes. Euh, ces groupes, dans ce cas-ci par exemple, c'est euh, Smart Engine. Et Smart Engine fournit un bloc d'IP à un certain nombre de personnes ou un certain nombre de, de, de data centers, etc. Et ils ont chacun un numéro. Euh, C'est utilisé notamment ben, dans tout ce qui est euh, routage BGP, etc. Ben, voilà. Wikipédia est votre ami si vous voulez plus de détails. Euh... Et euh, voilà, Enfin, il y, y a moyen d'avoir pas mal d'informations par rapport à ça. Et, euh, et donc en gros, il le fait automatiquement. Hop, 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 il, vous met une DMQ. il le fait automatiquement. Et puis dans ce cas-ci, il le met dans un fichier. Mais nous, on va... On va plus tard, on va le mettre dans, dans, un, dans une base de données. Et donc pour le moment, vous voyez qu'on a trois feeds qui, euh, qui sont ces trois trucs. Hein. Donc on a Malcode, Feodo et Spamhaus. Et ben euh, nous, euh, le but c'est euh, plus tard d'en rajouter d'autres. Donc par exemple, euh, euh, hop hop, je ferme tout ça parce que ça c'est plus nécessaire. Ça c'est pas nécessaire. Ça on va le garder encore un peu. Il y a ça, ça c'est utile. Ça c'est utile. Euh, on va le mettre ici, qui est IntelMQ euh, GitHub. On va retrouver, oh, j'aurais pu faire autrement, mais on va retrouver ça, certaté, certaté. On va vers certools, c'est pas grave. Et je cherche, je cherche, voilà, IntelMQ read the docs, parfait. Donc je vais chercher la documentation. Et dans la documentation, qu'est-ce qu'on va trouver euh, On trouve les feeds. Et donc, les fils en question, c'est ce que je vous disais. Euh, par exemple, c'est AbuseCH qui fournit euh, Feodo, donc Feodo Tricker euh, ProHouse, Feodo Tricker IP, URL Host. Dans ce cas-ci, nous, on en a deux. Donc, hop, si je mets le feed d'un côté, si je mets le botnet de l'autre côté, en zoomant un peu, vous voyez que nous, ici, ce qu'on a, c'est. Ah ben non, on n'a même pas le URL Host. On a Spam Host, mais pas le URL Host. Ok, d'accord. Donc on a le, euh, le Feudo Tracker Browse Collector Donc c'est le Feudo Tracker Browse qui est ici Celui-là on l'a euh, Et les autres c'est euh, Spam House Donc Spam House euh, Je sais pas où il est euh, Spam House il est là et c'est la partie Drop ici qui est là euh, Malcode euh, Il est où Malcode Malcode il est ici et nous, on récupère la partie Windows format, donc on récupère celle-ci. Mais vous voyez qu'il y en a tout il y en a plein d'autres, il y en a énormément d'autres. Et donc, il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants. Et on va regarder un peu euh, qu'est-ce qu'on peut faire, euh, qu'est-ce qu'on peut récupérer. Merci Titi Parisiano pour ton follow. Bienvenue à toi. Euh, voilà, voilà. Donc ça, c'est un peu l'idée, c'est un peu le principe. Euh, on va se baser sur ces listes, donc on appelle ça des feeds, pour récupérer euh, tout ce qui est euh, IP, DNS, URL malicieux euh, qui ont été euh, chopés sur internet. Et, euh, et en fait, on va faire une agrégation de tout ça dans le botnet. Donc, oh là, hop hop. Donc, on va faire une grosse agrégation, on va créer des nouveaux bots à côté, ils vont rentrer ici, patati patata. Et on va, faire, on va créer tout un réseau. Et à la fin. Hop, on va le balancer dans une base de données. Voilà l'idée. Euh, on va pas faire ça aujourd'hui hein, parce que là euh, l'idée c'était simplement de, de tester euh, qu'on peut euh, instancier facilement euh, ce projet. Et donc bah, là typiquement en fait vous allez juste faire par exemple un clone de ça. Faudrait que je mette, euh, je mette ça sur GitHub, ça pourrait être sympa. Euh, donc il y a juste à par exemple cloner euh, cloner toute cette partie-ci. Avec le vagrant file qui instancie le Docker Compose et le Docker Compose qui derrière va instancier toute l'infrastructure toute de IntelMQ. Euh, si vous voulez jouer avec IntelMQ, bien entendu, vous pouvez aller dans le container. Hein, donc, euh, donc voilà, ici on a fait un vagrant ssh, on est dans la VM, et on fait un Docker exec interactif de euh, IntelMQ Core en bin bash, par exemple. Euh, IntelMQ core. Voilà. Et là, on peut faire IntelMQ CTL. Et vous voyez qu'il y a tout un helper. Désolé, je suis vieux, je ne entends pas bien. Peux-tu, s'il te plaît, baisser la musique Je t'entends à peine. Désolé. Il n'y a aucun problème. On va faire ça. hop. Est-ce que c'est mieux comme ça euh, Merci beaucoup. Avec plaisir. Et, euh, et donc par exemple, là je suis dans, je suis dans mon conteneur. Je vais mettre mon conteneur d'un côté, je vais mettre mon botnet de l'autre côté. Est-ce qu'il y a moyen de virer ça ici à gauche Non, il n'y a pas moyen. C'est chiant. Donc par exemple, je suis dans mon botnet. Et ben je vais faire, je vais dire par exemple, ben voilà, mon spam host drop collector. Je vais, euh, je vais, je vais faire deux, trois trucs. Donc j'ai une telle Je vais faire un status en premier lieu. Il va me dire exactement qu'est-ce qui est démarré, qu'est-ce qui est arrêté. Et vous voyez que tout est en stop, 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 stop. Tous mes bots, donc actuellement, par exemple, mon spam host drop, il est ici. Mon spam drop, euh, spam host drop collector, donc celui qui va se charger de récupérer le CSV, il est actuellement stoppé. Donc ce qu'on va faire, on va le démarrer. Donc on va faire un intelmqctl start spam host drop Collector. On va juste faire ça. Et il fait... Ah il a démarré. Parfait. Bon, dans les faits, euh, j'ai pas du tout configuré les bots. Donc je ne sais même pas s'il y a quelque chose qui va vraiment se passer. Parce que là d'ailleurs on voit qu'il euh, il récupère euh, juste que dalle. Hein. Donc euh, je, à mon avis, euh, euh, out of the box, euh, euh, le, le, les feeds ne, ne fonctionnent pas. Il faudrait les configurer. Donc je vais le stopper. Hop, je fais un stop. Et euh, ce qui m'intéresse, c'est d'aller regarder la configuration du bot. Alors, la configuration du bot, elle se trouve où Elle se trouve dans cd slash etc, IntelMQ. Ah non, je l'ai mis ailleurs, c'est vrai. En slash opt, IntelMQ, euh, etc. Et là, je cherche euh, runtime.conf. Là, je fais un joli vim. De runtime.conf, est-ce qu'il va me le faire dans un container Docker Non, bien entendu. Vim, il ne connaît pas. Euh, donc, 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 on va oublier de le faire là-dedans et on va aller directement ici. Donc, j'ai mon runtime.conf et dans mon runtime.conf, qu'est-ce que j'ai euh, bah, J'ai tous mes bots hein, en fait. Donc, si je cherche maintenant spam host, euh, drop collector, il est ici, hein, donc c'est bien celui-là. Et ça, c'est toute ma configuration. Hop, ça, c'est toute ma configuration. Et vous voyez que effectivement, pour le moment, bah, en fait, il n'y a aucun message qui arrive dans spam, os drop, parseur, bah, pour la simple et bonne raison que, bah, vous voyez, HTTP password, nul, HTTP username, nul. Alors, forcément, ça marche pas. Et l'URL en question, elle est là. Si je vais récupérer l'URL, hop, hop, ah, ça, ça marche, par contre. Donc, si ça marche comme ça, je suis censé pouvoir le récupérer de manière anonyme. Alors pourquoi ça fonctionne pas hmm. Alors dans ce cas-là, ce qu'on va faire, on va démarrer le bot en mode debug et on va voir en mode debug qu'est-ce qui se passe. Hop. Alors on va en mode debug et en mode debug on dit IntelMQCTL euh, start le nom de mon bot spam Aus, drop collector en mode, donc tirer L c'est euh, lock level, en mode debug, debug en majuscule et il me dit il va te faire foutre, c'est pas ça euh, est-ce que tu veux que je le mette juste avant je crois que tu veux que je le mette juste avant spam os drop collector Euh, Est-ce que j'ai mal écrit mon spam host, euh, Drop Collector Non, je l'ai bien écrit. Il m'a fait des trucs quand j'ai start le parseur en plus du collector. Hmm. Hmm. C'est bizarre parce qu'il est censé. Euh... Alors je cherche ici. Hein. Euh, peut-être qu'il a un autre nom. Pas non, il est bien là, hein, mon truc. Bah bon, peut-être que je vais le taper euh, comme ça, en copier-coller. Mm -hmm. Intel MQ CTL Start-H Show this help message and exit. Ouais, merci. Hmm. J'ai vu 1019 lignes envoyées. Ah, bien ça. Et après, il a fallu que je starte les services un par un pour les faire continuer dans la pipeline. Ouais, c'est ça, exactement. C'est tout à fait ça. C'est le principe. C'est le principe. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas me le démarrer en mode debug Pourquoi il ne veut pas me le démarrer en mode debug, euh, en mode debug Tout simplement. Intel... Hop, 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 hop. Intel MQCTL... ...help. Alors... Ah mais je suis con, c'est run voilà pourquoi c'est run, c'est run, c'est run, c'est run. 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 Voilà le problème. Pipeline failed. Voilà pourquoi. Connection refused. During handling of the above exception, another exception occurred. Blablabla, connection refused. Ah, voilà. Voilà le problème. Il refuse de se connecter à... 6379. Et 6379, si je dis pas de conneries, c'est mon Redis. C'est ça RedisConnection.py. Ouais. Hein. Ah ouais, il veut pas se connecter à mon Redis. Hein. C'est ça mon problème. Il est là le problème. Uhum. Donc, j'ai mon Docker Compose. J'ai mon Redis. Mmh. Mmh. Ah ouais ouais, mais il expose pas mon 6379. Faut que je l'expose mon port ça va pas marcher sinon allez on va l'exporter on va on va on va l'exposer on va forcer ça euh, port 63, 79, 63, 79, 79. Euh. Pour ne pas brusquer euh, nos amis français. <laughs> euh, hop, ça c'est bon. Euh, bah let's go, on reload. Exit. Background, provision, c'est reparti. Alors il a recréé Redis, parfait. Alors qu'est-ce que ça donne On rentre dans la VM. On rentre. Oh euh, non, on va faire d'abord un Docker PS. Il est bien exposé, c'est bien. Ensuite, euh, un jour on fera aussi la, la partie sécurité Docker, hein, parce que c'est un peu... Euh... Complètement ouvert. Euh, je rentre dans mon IntelMQ. Parfait. Et dans mon IntelMQ, euh, je fais un IntelMQ run en level debug de spam host drop collector. Et il me fait toujours connection refused. Pourquoi connection refused C'est connection refused. Il, a, il arrive à, le à se connecter. Donc c'est pas ça le problème. Parce que je dois pas exporter... Euh, non, 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 c'est pas ça mon problème. J'ai un connection refused. C'est autre chose. Mon problème, c'est des droits d'accès. C'est quoi le problème C'est les droits d'accès mon problème. Redis.conf T'inquiète pas, avec tous ces belges sur Twitch, on commence à comprendre 70 et 90 de plus en plus vite, sans traduire dans nos têtes. <laughs> C'est cool. Bientôt, on vous expliquera comment on fait des frites. <laughs> euh, pourquoi est-ce que ça marche pas Amendil, de ton côté, t'as pas de problème euh, avec Redis Qu'est-ce que c'est que ce délire Non, pas de problème avec Redis. Docker compose. Ce qui m'embête, c'est Pipeline host Redis, Redis cache host Redis. Ça marche nickel. Nom de Dieu, ça marche nickel. Qu'est-ce qui déconne Qu'est-ce qui déconne Qu'est-ce qui déconne Qu'est-ce qui, Qu qui déconne Pourquoi ça foire Est-ce que je suis à côté d'un truc que je ne vois pas Hmm. Connection refused. Connection refused. Eh je vois pas. Je ne vois pas. Je vois pas du tout ce qui pourrait... Euh Hmm. C'est embêtant ça. Hmm. <laughs> c'est embêtant parce que euh, s'il y a bien une chose qui en général marche de manière transparente, c'est Redis. C'est justement ça le truc. Euh, et pourtant, 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 mes conteneurs sont bien là. Donc il a bien démarré, mais il n'arrive pas à se connecter. Coup dur pour le streamer belge. Euh, je ne sais pas. Et eh ben franchement là, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout où euh, est le problème, parce que c'est pas un problème de creds, c'est pas un problème d'accès euh, au Docker, au container. Euh, je sais pas du tout en vérité. Ça c'est mon pipeline, on verra ça plus tard. Mon runtime, ça c'est tout mon runtime à la con. Euh... Non, non, harmonisation, ça n'a rien à voir. Ça, c'est tous les feeds pour plus tard. Euh, bah oui, default.conf, il regarder ça là-dedans. Hmm. Ça c'est tous les types de bots, mais ça nous intéresse pas pour le moment. Ça c'est la position sans balèque. c'est dans du manager. Waouh, wow. Bah ben, je sais pas. Ah, mais il manque. Hmm. Ah Eh ben je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas dire data. On aurait dû où il est là. Mm hmm. Ouais, ah, c'est pas mal ça comme idée. Docker logs Redis. Redis is starting. Redis version bazar. Configuration load. nana Running. Initialized. Overcommit memory set to 0. Pas ground save, mais fail under low memory condition. Ça, on s'en fout. C'est pas un problème ici, je pense. Loading RDB product. RDB. non, 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 non rien. Clean. Dingue, hein? Bon, je propose de faire un truc. docker stop redis docker rm redis Docker, c'est chiant de devoir faire ça à la main. Il y a pas un truc plus rapide pour faire ça Docker stop intelmq core Docker prune a, ça vire tout. Docker ça fait quoi Docker prune oh, c'est même pas mis dans le helper what the fuck pas crêpe prune ah oui bien sûr il sait pas faire un crêpe là dessus euh, il va te le dire est ce que tu veux remettre à zéro Docker ah ouais mais là c'est ah oui c'est remise à zéro complète c'est pas juste delete les Docker Prune. prune is not a Docker command. Clean les images network. Ah ouais, non. Il ne reconnaît pas hein, Docker Prune. Docker Prune, il ne reconnaît pas Docker System. Ah Docker System. C'est quoi ça Prune. Ah oui, remove unused data. Ah, ça, c'est unused data. Alors, ah, so you want to continue. All stopped. Ah, mais oui, c'est uniquement les containers qui sont stoppés. Donc, non, c'est même pas ça. Parce qu'on va dire yes, hein. On s'en fout, euh, c'est une VM. Donc, voilà. Et si je fais mon docker ps. Oh, docker ps. Tu vois, il tourne toujours, lui. Euh, bon, ouais, c'est pas grave. Docker stop. Int, euh, non, le proxy, on s'en Certains, mais une fois que tu le stops. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, euh, on fait un exit. Je, je sais même plus taper au clavier. Euh, on fait un provision. Et on va relancer comme ça. Hein. On va voir. Ouais, sinon, euh, je scratch ma VM. Hein. C'est le principe de, de le faire avec Vagrant. C'est que comme tout est en fait relié. Parce que en fait, c'est ça qui est pratique. C'est que dans ma VM, tout ce qui tourne dans ma VM est dynamique. C'est-à-dire que tout ce qui est dans ma VM, purement dans ma VM, je peux le scratcher, je peux le redémarrer euh, et le reconstruire. Donc tout ce qui est euh, les containers, les volumes, etc., tout ça, euh, je peux les scratcher parce que je n'en ai pas besoin. Par contre, justement, les volumes qui m'intéressent, que je veux garder euh, en l'état, la configuration d'Intel MQ, etc., ceux sont stockés sur mon FS à moi. Et donc c'est ça qui est vachement pratique dans ce setup là. Tu crées le repro GitUp et je te fais un PR. Euh oui. Au pire. Au pire, mais est-ce que ça changera quelque chose euh... J'ai fait mon ouais j'ai fait mon euh... provision, pas grand SSH. Et du coup, je fais un Docker PS. Ils sont tous les droits là. Je vais dans euh, exec exec celui-là IntelMQCTL run l debug de j'ai oublié le nom de mon bot le nom de mon bot qui est là ici qui est spam os Drop collector et de nouveau connection refused ah huh. aha c'est quoi le problème Est-ce que j'ai essayé d'éteindre et de redémarrer Internet <laughs> Je crois que je devrais euh, formater euh, ma machine en fait. Parce que j'ai euh... J'ai des problèmes de compréhension euh, de l'informatique. C'est un peu compliqué. Alors je, je crois que reformater, réinstaller Windows, ça pourrait régler mon problème. <laughs> ah, ils sont tous les trois sur un network euh, séparé. Ah oh, ben vous savez, je peux, je peux mettre même un... Un partenaire, hein On pourrait taper un partenaire au point où on en est. Mais le disco frigo, Oui, voilà. Faire Redis, 379 Pourquoi 379 Et pas euh, notre truc Mais un, en plus, dans la config de, de, de Redis... Tu vois bien, il fait port 6379. Donc c'est bon. Bind 0000. Donc il est listen sur tout. Pour info, j'ai le même message d'erreur que toi. Ah Voilà, merci Amendil. Ok, ça me rassure. Parce que Redis Docker, il n'est pas sur 127.001. Mais on s'en fout qu'il soit sur 127.001. Ici, il est en bind sur 0000. C'est-à-dire qu'il écoute sur toutes les interfaces. Une des interfaces, c'est 127.001. Euh, donc c'est bon. Et dans mon container Docker, enfin dans mon stack, il est sur le réseau IntelMQ internal, au même titre que euh, tout le reste de mon stack. Donc il n'y a aucun. Euh, enfin, c'est pas cohérent que ça fonctionne pas. C'est ça qui est bizarre. Essayez d'attaquer sur quelle IP euh, 127.001 127.001 63.79. Connection refused. Si tu fais un IntelMQ, MQ, c'est tel Start, tu ne verras pas les messages dans l'interface. Enfin, dans l'interface, si tu veux dire, dans l'interface web euh, Oui, tu as peut-être les logs dans l'interface web, oui. Ah, tu auras le même problème, certainement. Je vais regarder ça. Pour ré réinstaller Windows, profite-en profite que tu es un expert dans tes viewers. dire s'en a installé une hier en faisant autre chose à côté. <laughs> Et sur le réseau, il s'appelle Redis. Enfin, le nom du service, dans le container de Compose. Mais c'est pas compte à remarquer hein, de dire Redis à la place de 127.001. Mais je crois qu'en fait, lui, il a fait déjà son... sa translation. Ça se dit comme sa translation Je sais pas si ça se dit. Si tu fais nslookup, Redis. Ah, nslookup, il connaît pas, bien sûr. À Ping, Redis. Ah Là, il me donne une IP. Ah, là ça, là, ça correspond à une IP Docker. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Donc, le problème, il vient de là. Le problème, c'est qu'il prend pas Redis en compte, ce con. Ouais. Ça, c'est pas mal du tout. Alors, du coup, question. Où dans mon fucking config de euh, Intel MQ, je dois changer ça on va y arriver, hein. Il est pas con, euh, il suit les règles de Docker, lol. <laughs> Merci euh, Absinthe et Nico pour euh, ton follow. Bienvenue à toi. Ah, mmh. mmh. ton run très l des bugs, j'ai le même souci. Mais c'est parce qu'en fait, tu vois le run des bugs. Ah, mais toi, tu vois les messages passés. C'est trop bizarre, c'est trop bizarre, c'est mystique. Euh, C'est mystique tout ça. Hmm. Une TMC c'était le start, ça ça fonctionne. Intéressant. Hmm. Intéressant ça. Alors on va faire autre chose. On va tester autrement. Testons, testons. Les logs, ils sont mis où les logs euh, Les logs, ils sont ici. Hop. Bah non, hein, tu vois, dans mes logs, euh, ils kiffent pas. Hein. Ils kiffent pas du tout. Ah, hein. oh, c'est beau la colorisation syntaxique dans les logs. Waouh. Je suis tellement pas habitué. Regarde, admettons, admettons. Regarde, on va faire un truc comme ça. Regarde, regarde. Actuellement, mon bot il est éteint. Ok, mon bot est éteint. Je vide, spam os. Je le vide. Je fais un intelmq, mq ctl start sp euh, spam os. Merde, je ne connais pas le nom du bot. Spam os drop collector. Hop, il le démarre. Et donc, boum, voilà, mes logs ils sont là. Et donc t'as bien un connection refused. Bah oui j'ai mis juste un hein. start. Ah, intmq start, un hein, pour démarrer tout le botnet. Oui 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 oui. Bah, ça va revenir au même. Hein. Hop hop, allez on fait ça. Intmq euh, start. Boom. Bon il était déjà démarré donc c'est pas du jeu en fait. Attends stop stop. Voilà, on le vire, on redémarre. Voilà, on démarre tout le botnet. Boum, voilà, même problème. Mais l'interface web, je veux bien. Le botnet, il va. Enfin. Hum... Je veux bien, mais de toute façon, j'ai aucun. Tu vois que j'ai aucun message. J'ai aucun message qui passe, en fait. C'est ça qui est bizarre. Alors, certes, mon botnet est démarré. Mais dans quel état Là actuellement, mon bot euh, il va me dire euh, connection refuse tout le temps. Hein. Il va continuer et tu as dit bot will continue dans 15 secondes. Et donc 15 secondes plus tard, il va me remettre le truc euh, qui déconne. Ça va se passer comme ça. Je sais pas quand j'ai vu voir les messages tout à l'heure. Alors, ah, pourrais-tu essayer avec Redis au lieu de 127.001 Ben justement, ça c'est la question en suspens de savoir où est-ce que je peux configurer ça. J'aimerais bien. J'aimerais bien, mais je ne sais pas où le configurer. Parce que normalement, je suis censé mettre un truc. Ah, attends, Destination Pipeline Host. Ah, mon broker, c'est bien Redis. Pipeline Broker. Ah, attendez, attendez, attendez. Yes Hop Voilà, on tape Redis là. Ça devrait marcher, ça. Allez, on relance. Stop. Parfait. Euh, mon log, ah, et du coup j'ai tous mes logs ici. Là. Euh, spam osdrop Drop Collector, hop, on vire tout ça. On le démarre en mode debug, on s'en fout. Donc ici, tout euh, est shutdown, ça c'est bien. On le démarre. Ah voilà, là ça marche. Et là, il a bien envoyé un message à default, default étant la queue suivante. Et là, on voit la même chose ici. Parfait. Je peux partir l'esprit tranquille. Yes. Oui, avec le ping, ça marchait donc forcément. Et là, on a bien notre message. Magnifique. Voilà. Voilà. C'est ça le problème. Alors, il n'y a, ben, a plus qu'à faire un, un, un pull request euh, ou un merge request plutôt. J'en sais rien. Je suis une, une bite en, en, en GitHub. Enfin, en Git tout court. Euh, pour euh, modifier ça. Du coup, c'était bien le fait de redémarrer Internet. Je crois que c'était for le formatage le, qui, qui m'a pas mal aidé en fait. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. C'est en fait le formatage de Drus euh, hier euh, de sa machine qui, euh, qui a réglé le problème. Ouais, 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 ouais c'était ça, c'était ça. Je prends note, ouais. <laughs> Merci uh, Adriel pour ton follow. Installation de Windows XP. Um, Windows NT. Ou ouais, 95-98. <laughs> Euh, non, mais euh, du coup, il euh, y a un problème dans leur config en fait, c'est ça le truc. Ici, ça devrait pas être 127.001, mais ça devrait être Redis, le pipeline host. Donc, il y a un bug dans leur truc. Donc, il faut faire un clone du repo, modifier ça et re rebalancer. Est-ce que quelqu'un a la motivation de le faire Au hasard, Amendil. <laughs> Ou sinon, je contacte le, je contacte le dev. Hein. Je peux contacter le dev demain euh, et lui dire euh, Voilà, ce week-end, j'ai testé ton truc, il euh, faut changer 127.001 par Redis et puis basta quoi. Eh ben, c'est cool Voilà Alors, du coup, on a notre message qui est là. Je peux le tenter. Allez, let's go Tu me dis si ça marche ou pas. Euh, donc, maintenant, mais besoin de prendre des pincettes, c'est-à-dire. C'est-à-dire prendre des pincettes. Parce que finalement, tout ce que tu as à faire, c'est un commit en changeant 127.0.0.1 par Redis et en expliquant le truc. Ou est-ce qu'on doit d'abord ouvrir une issue avant Ah, peut-être qu'on peut ouvrir juste une issue, hein, en vérité. Là, on fait les gros flemmards, on dit, euh, voilà, on a testé. Euh, c'est pas 127.0.0.1 mais Redis. Tu oublies les bases, si tu as un ping, mais t'as pas expliqué avec un schéma ce que c'était. Oh putain, merde, faut sortir le paint. T'as raison allez voir un projet open source en mode Hey, j'ai pas compris votre soft, mais j'ai euh, changé cette valeur et ça marche. Ah, je suis d'accord. Ah non, non, vu comme ça, je suis d'accord. T'as raison, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Euh. Je vais pinger, Alors, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Je vais pinger demain. Euh. Un des un des core devs, je vais le pinguer demain en chat. Je vais voir déjà s'il est s'il est là. S'il est là, s'il taffe, euh, je lui en parle et on regarde si on ouvre une issue ou si on fait un, 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 un merge request. On va faire comme ça. On va faire comme ça. c'est bien, ça a été utile. Top, top, top. Alors du coup maintenant qu'on a le spam host drop parseur c'est là que ça devient intéressant on va voir les messages que le, le parseur fait alors le parseur euh, pour voir son petit code on va aller dans les bots mais je crois que les bots ils sont juste pas du tout euh, ouais ils sont pas euh, ils sont pas ici les bots hein. ils sont dans le container dans le container qui se trouve là ok ça enferme ferme euh... Bon oh ben merci beaucoup, euh, j'ai appris beaucoup, je vais vous laisser, je regarderai la rediff. Yes, avec grand plaisir, c'est en VOD sur euh, Youtube euh, d'ici quelques jours, euh, je pense. J'TFK, et salut euh, Durs, AFK, je vois que euh, Seb m'a mentionné, on peut pas euh, l'air tranquille ici. <laughs> yes, 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 yes. Euh, alors AFK, mais du coup au fait euh, tu arrives un peu euh, après la bataille euh, alors si tu veux je te refais un topo je peux te refaire un, un topo euh, vite fait en 5 minutes comme ça tu vois de quoi ça parle en gros en gros c'est un, un lab de trait Intel donc le trait Intel c'est de la trait intelligence c'est euh, l'analyse de menaces sur internet euh, la collection d'informations ce genre de choses et euh, le but c'est de pouvoir à posteriori euh, faire de la détection en se basant sur euh, cette collection. Et donc pour faire ça, ben, on utilisait un projet qui s'appelle TMQ pour le moment. Et euh, le but c'était de, de faire euh, de, mettre, de mettre ça en place. De faire un petit lab et de mettre ça en place. Mais si tu veux plus de détails, tu me le dis. Euh, je te fais un petit topo euh, avec un petit schéma et tout. Euh, du coup, du coup, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de parser, euh, parser le bot qui est là. Donc, donc, je voulais voir d'abord la gueule du bot. Alors, un bot, à quoi ça ressemble Un bot... Non, non, non. Hop, 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 hop. Euh, ça a l'air bien... Tech, tech, tech. Oui, c'est assez technique. Yes, 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 yes. C'est assez technique, ouais. Tout à fait, tout à fait. Euh, donc, j'ai euh, mon bot euh, qui est où alors parce que aussi les ne sont pas les mêmes que ceux que je connais donc c'est pas toujours facile euh, IntelMQ est-ce que c'est de temps où est-ce qu'il les a mis var lib euh, bot avec un s non sans s non euh, où est-ce qu'il me les a mis où est-ce qu'il me les a mis ls var lib python python 3. Non. ah oh, merde, où est-ce qu'il m'a mis les bots Est-ce qu'il y, est qu y a une info ici où se trouve le bot J'en ai pas hein. Je pense pas. Hein. Ah non, ça c'est mon log path. Ah non, il n'est pas dedans. Il est pas dedans, il est pas dedans. Euh... Ouais bah j'ai mon Intel MicroBot parser 1, oui, je sais bien qu'il est là, mais... Mais 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 il faut que je le retrouve sur le FS. Euh... Parce que ça c'est le problème quand on utilise les containers Docker et qu'on change les paths, forcément... Ça change un peu tout. Donc, du coup, mon problème, c'est que je ne sais déjà pas de base euh, où est-ce qu'il met ça en fait. Opt IntelMQ. Pourquoi il met ça aussi dans Opt celui-là Mais admettons, ok. Opt Intel MQ, var log. Je suis censé avoir mes bots quelque part ici. Allez, on va faire un truc bien dégueulasse. Cd slash opt slash intelmq tri. Euh, merde, apt. Ah, apt, il connaît. C'est bien ça. Euh, apt install tri sudo apt install tri. Bien sûr. Hum mm hum. Mm -hmm. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. APT update. sudo APT update. On va y arriver. Hein. Install tree. Magnifique. Je suis là PVD Ouais, tree. Ok. Et donc, ce que je cherche, c'est mes bots. Ah, voilà. Ils sont là. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Et donc, ils sont où Parseur. Parfait. Et parseur, c'est dans... Out, euh, à côté de output. C'est dégueulasse, hein, la manière dont je le fais. Bot. Dans... Test. Eh Dans les tests Mais non. Ah si. Dans les tests. Bot. Mais eh non, pas dans les tests. Ah, ils sont là. Parseur. Dans... Avec des experts dans Intimqbot. Ah C'est des... What Ah, Intimqbot. Ah Ils sont là Je les ai retrouvés. Je les ai retrouvés. Ok. Intimqbot. Um... Je vous explique dans deux secondes ce que je cherche. Intel euh bot. Okay, ok, 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 ça va, ça va, ça va. Ceux-là, ils ne sont pas euh, sur un volume. D'accord, je comprends mieux. Alors, l'idée, c'est quoi C'est que derrière, en fait, chacun des bots... Est-ce qu'il y a moyen que tu euh, fermes ça Merci. Hop, hop, on dézoome un peu. Donc, pour rappel, ceci est notre botnet. Alors euh, ne pas confondre avec un botnet sur internet, hein, ça n'a rien à voir. C'est juste un réseau de bots qui euh, se connectent l'un suite de l'autre via des queues et qui s'envoient des messages. Hein. On voit les, des petites enveloppes, c'est chaque fois des, des petits messages. Actuellement, on avait lancé le spam drop collector et puis on a lancé le spam house, enfin on va le lancer juste après maintenant, le spam drop parser. Donc pour rappel, le drop collector, qu'est-ce qu'il est parti faire il est parti récupérer. Oh, me dis pas que j'ai euh, de nouveau euh, fermé la doc. Euh, je cherche lequel. Ça, je vais fermer. Ça, je ferme. Euh, pff, ah oui, je l'avais vu autrement. C'est pas grave. On va faire ça. Drop. Hop. Ici. Euh, la documentation. L'url est là. Voilà. Parfait. Hop. Donc, ici, j'ai euh, des IP. Donc j'ai les IP, ok, donc c'est enfin c'est plutôt des réseaux. Hein. Donc ce sont des réseaux ici. Euh... Alors j'ai pas le détail de ce truc. Qu'est-ce qui se cache derrière? Mais globalement, tout ça c'est malicieux. Donc ce qu'on veut c'est bloquer tout ça. Du coup, dans ce cas-ci on, euh... on a cette liste-ci par exemple, avec le spam hausse. Et cette liste, on va la parser. Donc on va reprendre ligne par ligne. Et ça, c'est ce que le parseur va faire. Le parseur, il se trouve dans parseur. Et c'est euh, os Et c'est le parseur drop.py. Donc si je fais un cat de parseur drop.py, c'est tout ce code-là. Donc c'est ce code-là qui va être instancié. Et dans ce code là, qu'est-ce qu'on a On fait voilà on va on va faire un parse line. Donc pour chaque ligne, on va faire des trucs. On va faire des trucs. On va faire si la ligne commence par point virgule ou que elle est vide. Dans ce cas-là, tu fais rien du tout. Hein, globalement, en fait, tu, 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 tu fais un petit truc, mais enfin, ce n'est pas, pas ce qui nous intéresse. Sinon, euh, tu vas créer un nouvel événement euh, qu'on va envoyer juste après au, au bot suivant. Donc tu vas créer un événement que tu vas envoyer à, au déduplicateur. Et, euh, et après, bon, tu fais, tu, fais, tu fais ton taf, tu fais des trucs. Voilà, globalement, il fait des trucs. C'est le principe de son parseur. Euh, donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va regarder. Euh, donc, on a notre truc qui est là. Hop. Et lui, actuellement, il est, vous voyez, il est en stopped. Donc, on va le démarrer. Donc, on va faire IntelMQctl euh, run moins –l en mode « Debug ». Et on va lancer c'est spam host drop parser. Et là il me dit ah mais pourquoi est-ce que là aussi il me dit euh, connection refused mais de nouveau sur 127.001 c'est bizarre ça quand même et c'est super bizarre pourquoi est-ce que maintenant il me l'a de nouveau changé Qu'est-ce que c'est que ce délire Hmm. Hmm. tu as plusieurs fois où il faut corriger 127.0 dans, dans, dans euh, euh, redis non pas dans redis dans 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 dans, dans default.conf ah source pipeline ah bah ben oui Bien vu. Bien vu. Et Statistics. Host. Redis. Ah, bien vu, bien vu, bien vu. Donc il y en a trois. Ok, 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 ok. Ça a du sens. Ça a totalement du sens. Du coup, hop, qu'est-ce qu'on fait On reprovisionne notre machine. Ah, je crois qu'il va pas le faire, en fait. Parce qu'en en fait, euh, au niveau Docker, y a... ouais, forcément, il va pas le faire. Donc, je dois delete ma... mon container. Je vais delete mon container. Docker EPS stop le IntelMQ core. Et ensuite... Ah, ça prend une plombe, c'est dingue. Ensuite, Docker, RM, IntelMQ, core. Parfait. Exit, provision. Impec. Et euh, je retourne dedans. Je retourne dedans, je retourne dedans. Et je vais dans mon container. Et dans mon container, cette fois-ci, je vais faire un euh, Intel MQ CTL run -l debug de spam os drop parser. Et là, on voit qu'il a euh, traité chaque ligne. Euh, alors, bon, forcément, dans ce cas-ci, euh, la ligne, euh, on voit pas le contenu. Mais donc, il a traité chaque ligne. Et on voit qu'il a envoyé au total 2038 entrées au déduplicateur. Alors pourquoi 2038 euh, messages Parce que, rappelez-vous, euh, cette liste ici, en fait, euh, elle comprend... Alors, est-ce qu'on peut savoir le nombre de lignes Est-ce qu'on mène d'avoir le nombre de lignes ou pas Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut avoir ça. Copier, on va ouvrir un autre pad. Hein. Non. Hop. Donc on a 1023 lignes ici. Euh, oui, je sais que je l'ai deux fois. Ouais, ouais. Donc, tu as euh, 1023 lignes minus les euh, 4 lignes du dessus. Ça fait 1019. C'est ça, 1019 Et 1019 fois 2. Je vous laisse deviner. 1019 fois 2, ça fait 2038. Voilà pourquoi est-ce qu'on a 2038 messages ici. Ensuite, euh, bah maintenant, on peut lancer tout le reste. Hein, euh, Ceux-là, on va les lancer juste comme ça. Donc, il va faire son petit bazar. Et vous voyez, c'est ça qui est terrible c'est que le déduplicateur, il a fait son job. Il a fait son job parce qu'on avait lancé deux fois le message. Et lui, il a vu que, en fait, dans toute la flopée de messages qu'il a vu il avait effectivement déjà vu, par exemple, une entrée une première fois. Et donc, au lieu de l'envoyer une deuxième fois, il dit Je l'ai déjà vu rejected. Donc ça fonctionne très très bien, ça c'est pour l'expert. Puis on va avoir une taxonomie qui va être ajoutée. Donc, alors on va on va lancer en mode debug, on va voir euh, si on a on a de l'info, mais je ne suis pas persuadé qu'il va y avoir beaucoup d'informations. Taxonomie expert, donc on le lance. Et taxonomie expert, qu'est-ce qu'il fait Il dit j'ai reçu un message et c'est au format JSON. Donc ça ressemble à ça, le format JSON. Je vais euh, vous ouvrir. Euh, tendez, 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 deux secondes. Hop, 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 hop. Voilà, magnifique. Euh, D'ailleurs, ça, je vais faire star. Euh, bon, bar... done, parfait. Donc, j'ai euh, dans mon Cyberchef, well, en fait, je peux le faire ailleurs aussi hein, que dans mon Cyberchef, mais je prends un au hasard, ici par exemple, voilà, et je le tape là-dedans, et je fais ici un JSON Beautify, hop, hop, et il me dit syntaxe error. <laughs> C'est magnifique. Pourquoi est-ce qu'il me dit syntaxe error, ce con D'où est-ce qu'il y a une syntaxe error C'est quoi, ça, euh... c'est, quoi, ce syntaxe error à la con? <laughs> Mais pourquoi? Mais c'est pas vrai. Mais a pas de syntaxe error. Je comprends pas. Syntaxe error, là, ligne 176, via via, message, json parse. Ah, il expecte ça. Ah, il veut peut-être des guillemets à la place de... Sérieux, sérieux, tu veux des trucs comme ça C'est ça que tu veux Ah oh ouais, putain. Oh, il est chiant. Ok, alors attendez, on va faire autrement. On va faire autrement. On va faire autrement. On va faire autrement. Euh, bah, je vais ouvrir une nouvelle CD. Trade Intel, Vagrant SSH. On va faire autrement. Pas de souci. On va faire euh, vim euh, test, on s'en fout. On fait hop. On, merde. hop, on sauve et on fait cat test pipe jq. Bien entendu, jq il ne connaît pas. Tu dois péter install jq. Yes. Hop, hop, invalid number. Ah, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Et il veut effectivement que je transforme ce truc-là. Oh là là là, là c'est pas cool. Donc, bah on, va le faire, hein. on va le faire. On va le faire, on va le faire. On va le faire, on va le faire. Attendez, juste un truc. Euh, on va replace ça par ça. Replace all. Merci. C'était sympa. À la prochaine. Voilà. Donc on a un joli petit truc qui ressemble à ça. D'accord Pour info, je vais leur envoyer la PR. Ah sérieux Nice. Ok. Bah du coup il y a les trois IP à, à changer. Ok c'est cool. Alors donc vous vous souvenez à la base. À la base, on avait uniquement. Euh, je, perds, je perds mes fenêtres. Voilà. À la base, on avait uniquement, euh, uniquement une liste comme ça. Depuis l'interface Windows, on ça, ça fonctionne car on est à l'extérieur de Docker. Ah Ok. Ouais, mais le but, c'est que ce soit à l'intérieur de Docker, le truc. C'est ça le problème. Ça, c'est un peu. Enfin, je sais pas. Donc. Dans ce cas-ci, par exemple, on a, euh, voilà, on, a, on a par exemple cette entrée ici, ok Donc on a cette entrée qui est ici, voilà, une des dernières, et elle est ici. Et bien cette entrée, qui ressemble à ça à la base, s'est transformée en un truc comme ça. Ça s'est transformé en ça, tout seul. Donc ça c'est plutôt cool. Euh, sauf qu'à l'intérieur du Docker, il faut utiliser Redis, vu qu'on est dans le network interne de Docker. Ouais, c'est ça. Et en mettant Redis à chaque fois les deux sont ok. Ah bah voilà, parfait. Parfait. Bah c'est bon à savoir. Euh... Et je trouve ça mieux que ce soit comme ça. Mais après ça veut dire que si ton container name change... Enfin si tu changes... Ah mais j'ai changé mon container name. J'ai rajouté un container name. Est-ce que ça change quelque chose Ouais ben bah non, il va prendre le nom du container de l'image. Donc... Enfin, bon, je me comprends. Donc en soi, ça n'aurait pas fonctionné non plus avant. Il y a ni l'autre, bah oui. Bah oui. Le nom du service dans Docker Compose. Ok. Ah oui, 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 ok, 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 ok. Ok, 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 okay je comprends, je comprends. Okay. Donc, euh, vous voyez, il y a des choses qui deviennent intéressantes, c'est que de la petite liste qu'on a eu, donc la petite liste qu'on qu avait vue là, euh, pour une entrée, il m'a dit... Euh, le, la précision est de 100%. On sait exactement ce que c'est. C'est un drop. Je sais pas ce que c'est. Euh, le provider, donc la personne qui nous a donné l'information, c'est spamhaus L'url de où ça vient, c'est le drop.txt. L'observation, c'est quand on l'a observé. Donc nous, on l'a observé à 12h50 UTC. Donc on a en plus 3. What? Déjà, pourquoi il est en 1250 et pas en 1350 UTC Bizarre. Je sais pas. C'est bizarre. Soit. Ah non, c'est Time Observation. Mais ben non, oui. Et ça, c'est Time Source, Time Observation. Attends, oui, toi. Non, ça, c'est Time Observation euh, dans le feed. Bah ben non. Bah, ben, je sais pas. C'est bizarre, ça. Pourquoi est-ce qu'il met Time Observation comme ça Ok, je sais pas. Time Source. Euh, c'est la source euh, du feed. Qui date du 8 du 5 donc si on remonte tout en haut ah c'est ça ici là on est à 1641 qui est le last modified qui a été fait à ce moment là donc cette information est ajoutée là dedans le, la classification c'est du spam donc on sait que tel ip a envoyé euh, du spam tel réseau a envoyé du spam ce qui est intéressant c'est qu'il y a un, un b64 de ce message ci donc, si on ouvre un autre euh, CyberChef et qu'on fait from B64 et qu'on tape ça, vous voyez que, euh, pas de tout le message complet, pardon, mais de la source originale qui a été parsée, on, on retrouve euh, l'information. Donc, ça c'est vachement pratique. Puis, on a euh, l'information qui est parsée ici. Donc là, on est une étape plus loin. On est, euh, on est actuellement au taxonomie expert. OK. Maintenant, on va faire le URL to FQDN avec tout le reste, et puis vous allez voir la transformation du truc et jusqu'où ça va à la fin. Euh, hop. Donc, maintenant, je vais retourner dans mon conteneur. Si je le retrouve, voilà. C'est maintenant, je fais une ctl run -l URL to FQDN DN expert euh, non, c'est pas ça. Ah oui, debug. Des bugs. Voilà. Parfait. Donc, on voit qu'il a reçu des messages. Euh, toujours, c'est le même principe euh, euh, du message qu'il a reçu. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir quels sont les messages qu'il a euh, envoyés. Donc, dans ce cas-ci, on va le voir directement avec euh, getRoseByName. Donc, hop, cette fois-ci, on va utiliser le bot gethostByName. On va aller un, un peu plus loin. Et on va voir quel est le, le message qu'il a reçu. Donc, le message qu'il a reçu, qui a été donc le, le message transformé par URL to FQTN, c'est gethostByName de expert. Et donc, vous voyez maintenant que le message qu'on a reçu, ça ressemble à ça. Oh, je fais de la merde. Hop. Hop. Euh. Hop. Euh. Replace. Replace. Parfait. Ouais, bien entendu, il va pas aimer. Euh... Il va pas du tout aimer. Alors, on va faire un truc, on va faire ça, on va faire ça. Euh, non, pas FromBase, je fais moi. Euh, Json, Beautify, hop, voilà. Alors, euh, donc, euh, il y a un truc qui a été rajouté, donc c'est la taxonomie qui a été rajoutée. Et euh, vous voyez que par exemple, euh, sur le bot précédent, l'étape précédente, dans tout le, le feed, la classification type c'était spam. Et bien maintenant on retrouve bien la classification type, euh, type qui est spam. Et derrière on voit que le taxonomie c'est un abusive content. Donc c'est du contenu abusif en fait. Et on sait qu'il y a eu du contenu abusif sur tel IP à tel moment. Voilà, globalement c'est ça l'idée. Euh... Ok, et on continue plus loin. Hop, hop, je coupe ça. Euh, je reprends ça. Ça, je remets de côté. Et maintenant, je sais que euh, j'ai ici euh, mon, mon truc. Et donc, je voudrais voir ce qui s'est passé avec Ghetto Spy Name. En fait, pourquoi est-ce que je fais ça Dans le sens où, euh, pourquoi est-ce que je run ce bot-là pour voir qu'est-ce qui a été fait là-dedans c'est Parce que vous voyez que dans les logs, on a le received message et on n'a pas le sent message. Si on voyait le sent message, donc qu est -ce que, quel est le message qui a été envoyé On saurait qu'est-ce qui a été transformé à l'intérieur de ce bot. Mais en fait, on ne le voit pas. On voit juste qu'est-ce qui a été reçu. On ne voit pas qu'est-ce qui a été transformé et qu'est-ce qui a été envoyé. Donc, je dois aller dans le bot suivant pour savoir quel est le message que lui m'a envoyé. Donc, quel est le message qui a été transformé, en fait. Donc, même chose. Hop. On retourne ici. On prend le bot suivant qui est. Simru with expert. J'espère que ça va fonctionner comme ça. Ça a l'air de marcher. OK. Même chose. On reprend ça. On va le mettre ici. Hop. Hop. Replace all. Parfait. On recopie ça. Ah, un petit espace en trop. On recopie ça. Hop, hop. Euh, hop hop et donc maintenant on a ça en plus et il me l'a pas fait. Il me l'a pas fait parce que certainement je dois avoir un compte une connerie comme ça. Hum pas cool ça. Pas cool. Et en plus il me dit pas na euh, na 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 je suis pas d'accord. Il me dit rien tout ça. Hein. Fichtre non, 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 il me dit rien. Bon, et en plus, mon, ma console euh, n'a pas un historique très long. Euh, ah Ah Normalement. Ah ben non, je suis con. Je suis con. Ah non, 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 je fais de la merde, je fais de la merde. Je fais de la merde, je dis une connerie, je dis une connerie. C'est juste je viens d'arriver, quel est l'objectif du stream Alors, je t'explique ça dans deux secondes. Je dis de la merde parce qu'en fait. Euh, je regarde pas ce que lui a fait, mais ce, ce que le précédent a fait. Ce que le précédent il a fait, c'est juste transformer le host, euh, récupérer son IP par, par le host. Mais en fait, son IP on l'a déjà, donc il a, il a rien fait en fait, donc c'est normal qu'il fait rien. Euh, pour ce feed là, en tout cas, c'est normal. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire le file output, et comme ça, on va récupérer le, le truc. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc file output, voilà. Et lui, normalement normalement si tout est bien on est censé avoir des infos supplémentaires ouais euh, non que dalle simru il a pas fonctionné hein. ah c'est de la merde ça peut de la merde c'est pas cool euh, alors attends hop hop je voudrais aussi voir où est-ce qu'il a mis son output

Alors, ça fonctionne à moitié parce qu'il y a des trucs, euh, des bots qui fonctionnent pas, il faudrait vérifier au niveau de la config. Alors, euh, pour lui, je vais te euh, expliquer en deux secondes euh, c'est quoi l'idée, c'est quoi le principe. Alors, euh, donc, la chaîne. Bon, hop, hop, on va changer, on va faire comme ça. Voilà. Donc, euh, moi je suis euh, spécialisé en cybersécurité. Donc, je, mon, mon job, je bosse en, en cybersécurité. Euh, et euh, je propose sur Twitch au travers de cette chaîne du contenu de cybersécurité. J'en profite pour écouter, du coup. <laughs> donc voilà, donc euh, pour la petite histoire, donc, je suis belge, c'est pour ça que tu entendrais t entends des 90, des 70, etc. Même si je n'ai pas d'accent, et euh, je travaille au Luxembourg. Voilà, donc ça c'est le truc. Et au Luxembourg, qui est un des pays euh, dans, dans l'Union européenne qui est le plus avancé en termes de sécurité, qui met un, un de thunes sur la table pour la cybersécurité euh, fait qu'en fait bah, je, je bosse là-bas globalement, c'est pour ça. Et euh, et donc, mon job en moi personnellement, mon job c'est euh, je suis euh, ce qu'on appelle euh, incident handler. Ça veut dire que quel, quelle belle qualité d'image! Oui, c'est un Canon OS 250D. <laughs> ouais c'est une, une chouette qualité, c'est vraiment une chaude qualité. Euh, donc, moi, mon job euh, au quotidien, euh, c'est de faire un peu... Alors, j'ai trois casquettes. Une de mes casquettes, c'est de faire pampi de service euh, quand des sociétés se font hacker. Donc, quand il y a une société qui se fait hacker parce qu'elle a un ransomware, parce qu'elle a perdu des données, parce que... Il y a eu du phishing, il y a eu des paires de données euh, du à un hack ou des données qui ont, qui ont fuité. Je pense notamment, euh, si, si vous connaissez Cyberpunk, bah, euh, c'est des Project Red qui est le studio derrière, bah, eux ils se sont fait rensommer et euh, tout le code source de Cyberpunk a été extrait de leur réseau et euh, vendu aux enchères. Donc voilà, vous voyez ce genre de choses. Et bah, nous on agit sur ce genre d'action en fait. Donc voilà, ça c'est toute la partie euh, réponse à incident, on va dire ça comme ça en, en français. Il euh, y a une deuxième partie qui est plus liée à ce qu'on appelle le trait intelligence, trait Intel. Euh, donc, euh, tout ce qui est trait Intel, c'est ce qu'on fait ici en fait, euh, en l'occurrence aujourd'hui, et qui va être une bonne partie des prochains lives, je pense, euh, qui est le principe, et je vais expliquer plus en détail le projet juste après, dont l'idée c'est euh, de faire de la collecte d'informations. Euh, qui est euh, publiquement disponible et cette collecte d'informations va me permettre de détecter des événements malicieux que ce soit sur un réseau, que ce soit euh, sur internet ou quoi que ce soit voilà pour faire de en, en gros si tu veux ça va me permettre d'avoir de, 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 une vue sur des choses euh, sur une zone d'ombre, voilà on va dire ça comme ça, sur une zone d'ombre, c'est un peu ça donc, euh, donc bah, que ce soit au taf ou que ce soit ici voilà l'idée c'est euh, identique c'est de faire de, de la récupération d'informations, euh, du triage, de vérifier que l'information qu'on reçoit est correcte, parce que tu imagines si tu es dans une entreprise et que on te bloque l'accès à google.com parce que on a considéré que google.com était malicieux, euh, plus personne ne peut accéder à google.com dans la société, ce qui peut être assez problématique. Donc tu imagines ça, mais non, si euh, si c'est pas pour google.com, mais si c'est euh, pour tous les providers cloud ou si c'est pour euh, pour accéder à un service fourni par une société tierce qui, est, qui fait partie de ton core business. Et toi, ton business est à l'arrêt juste parce que ton équipe de sécurité a considéré que contacter ton équipe, ta société tierce était mal, mal, malveillant. Donc il faut faire très attention à ce genre de choses parce qu'en fait, les actions derrière peuvent, être, peuvent avoir des conséquences assez, assez euh, impactantes. Donc ce n'est pas facile. Et euh, mon troisième, ma troisième casquette, c'est euh, de la recherche et du développement sur de la détection. Donc euh, l'idée, euh, de nouveau, c'est le même principe, c'est euh, on, on a des événements qui se passent sur une machine. Une personne qui, euh, par exemple, qui veut récupérer des credentials, donc euh, je ne sais pas moi, par exemple, il va, il va utiliser un outil qui s'appelle Mimikatz. Pour essayer de récupérer les, des creds, donc des, des logins et des mots passe qui se trouvent en mémoire, donc dans la mémoire de ton ordinateur, et, euh, et veut essayer de les récupérer d'une manière ou d'une autre, euh, et ben on va détecter ce genre de comportement. On va détecter ce genre d'action et on va informer euh, au travers d'une grosse usine à gaz qu'on appelle un CIEM. Euh, on, va, on, va, on va informer euh, une équipe euh, qui, qui va faire euh, l'action nécessaire sur ta machine, par exemple. C'est peut-être un peu décousu la manière dont je l'explique, mais c'est parce que comme je ne connais pas votre niveau de connaissance en informatique ou en sécurité, j'essaye de m'adapter, mais c'est pas toujours évident en fait, c'est ça le problème. J'aurais-tu de nouvelles formes d'attaque Oui, par exemple, c'est ça. Euh, nouveau spyware, ransomware, tout à fait, c'est ça. Donc en fait, au quotidien, on, on, on détecte des nouveaux ransomware on détecte, euh, on détecte des, nouveaux, euh, des nouveaux types de virus, d'être genre des choses comme ça. Euh, la plupart du temps, bah, ils sont connus. Hein, que bon, voilà, C'est des informations que dès que ça pop, on sait exactement qui fait quoi. Donc euh, on est, on est, on est assez, assez au courant de ce genre de choses. Et euh, surtout, en fait, cette information, on la partage entre les différents pays via euh, les CERT. <coughs> Donc les CERT, ce sont des, des équipes euh, de réponse à incidents, on va dire ça comme ça, qui, euh, sont, qui travaillent soit au niveau national, soit au niveau local, ou éventuellement pour une société particulière. Et, euh, et ils fournissent euh, une information sur des cas qui sont détectés et ils le partagent avec la communauté et inversement. Ben voilà. On verra, il y aura beaucoup de choses à voir. Euh, J'ai déjà fait des lives sur ce sujet-là. Euh, ils sont en VOD sur, euh, sur YouTube. Et euh, voilà. Donc ça c'est un peu les trois casquettes de ce que je fais euh, au quotidien. En dehors de ça, ben, euh, donc, du coup, ben, oui, il y a la, la chaîne, euh, la chaîne euh, ici, la chaîne Twitch. Il y a le Discord. Alors le Discord, c'est assez intéressant parce qu'il y a une bonne partie des, euh, des gens sur le Discord qui sont des joueurs de CTF. Donc, ce sont des, des compétitions de hacking. On a d'ailleurs participé à une grosse compétition il y a deux semaines de ça <coughs> où on est arrivé euh, 59e sur 2700 équipes. Donc c'est un, plutôt un bon résultat. Donc on est, on est pas mal. Euh, donc euh, bah sur, euh, sur le Discord, il y a beaucoup de ressources aussi euh, et d'informations sur, il euh, faut faire attention à ceci, il faut faire attention à cela, tiens, si j'ai euh, une question, j'ai un problème en sécurité, euh, est-ce que quelqu'un peut m'aider bah, Voilà, c'est le principe d'un Discord. Euh, et pour ce projet-ci en particulier, euh, je vais ressortir le, le, le paint que j'avais sauvé. Cool, perso, j'ai suivi des études dans le réseau, le CCN mm -hmm. et je euh, souhaiterais à terme me diriger dans la cybersécurité. Eh ben, t'es au bon endroit, es au bon endroit. Et euh, tu peux déjà regarder si tu as envie les, euh, les lives précédents en VOD sur euh, sur euh, YouTube. Euh, on a on a déjà évoqué pas mal euh, le sujet de je veux euh, me diriger vers la cybersécurité. Comment est-ce que je le fais euh, Qu'est-ce que j'utilise comme euh, comme outil Comment est-ce que je peux m'informer par où est-ce que je commence en fait finalement Est-ce qu'il y a des bons livres Est-ce qu'il y a une bonne ressource sur internet Etc. etc. Donc, euh, donc voilà, si, euh, si tu es intéressé, par exemple, bah, cette chaîne est un bon point de départ. Euh, voilà, donc ça c'est un peu le truc. Et euh, hop, je vais vous montrer. Donc, alors c'est un schéma qui est un peu décousu comme ça. Et merci pour ton flow. Alors c'est un schéma qui est un peu décousu. Euh, comme ça, euh, sans trop comprendre c'est quoi le délire, mais globalement, c'est quoi l'idée Alors, l'idée, c'est euh, tu as Internet qui est là, donc est, euh, je l'ai représenté de manière euh, euh, assez abstraite, un hein, petit nuage. Euh, en réalité, ce euh, sont des, des routeurs qui sont interconnectés les uns avec les autres, mais ce n'est pas, pas important ici. Euh, donc, tu as ton petit nuage et tu as ici une personne en rouge qui est une personne malicieuse. Cette personne a... Je ne peux pas faire ça. Euh, cette personne qui est euh, malicieuse, c'est une personne qui va essayer de déposer, enfin de faire un ransomware. Par exemple, là, je prends un ransomware, ça peut, ça peut être autre chose, ça peut être du spam, ça peut être de l'extorsion d'informations, ça peut être euh, de la pénétration dans un réseau, enfin, ça peut être plein de choses. Enfin, une personne malveillante, peu, peu importe. Donc une personne malveillante, elle a son ordinateur ou son réseau d'ordinateurs qu'on appelle souvent un command and control, euh, qui est un réseau de, de gestionnaires de, de bots. Et, euh, ou d'un botnet, hein, si le, le terme te, te, te parle. Et euh, cette personne va essayer de se connecter à une machine, qui est euh, ici la personne en gris, qui est par exemple moi euh, totalement apeurée euh, parce que je vais me faire hacker. Et euh, soit ma machine va se connecter au C2, soit inversement. En général, c'est plutôt la machine qui se connecte au C2. Euh, donc le C2, c'est le command control, c'est son réseau de, de commandes. Admettons que j'ai déjà le malware à l'intérieur de, de, de ma machine, par exemple. Et donc, euh, entre ma machine et Internet, euh, il y a une ligne ici, mais en fait, la ligne, il y a plein de composants. Hein. Euh, tu as ton routeur, tu as ton modem, tu as ton firewall, et éventuellement, tu as un proxy, un IDS, etc., qui sont tous des équipements de sécurité. Euh, mais, euh, bon, voilà, ici, par exemple, je ne sais pas, moi, tu as un PyOl euh, qui, qui va bloquer euh, certaines requêtes euh, euh, DNS. Et euh, l'idée, c'est de te prémunir que ton... Euh, enfin, que le malware se connecte au C2. Alors, pour faire ça, comment est-ce qu'on fait euh, Il y a des gens qui traquent en fait les comportements malveillants sur internet, hein, c'est leur job au quotidien, et qui fournissent des listes. Alors, les listes, on les a vues, c'est par exemple ce genre de choses. Ça, c'est une liste. T'en as une ici, il euh, y en a plein, hein, des listes, t'en as, mais vraiment plein, plein, plein. Euh... Je prends ça, hop, tu as un autre type de liste ici avec des IP. Ça, on sait que ce sont chaque fois des. toutes les ressources qu'on voit là sont malveillantes. On sait que ce sont des sources malveillantes. Et on sait à quel moment on les a détectées en tant que sources malveillantes. Donc, euh, on a souvent des tableaux avec le temps et son IP. Euh, et comme ça, on va récupérer plusieurs feeds. Alors, les différents feeds qu'on va récupérer. Euh, on les voit dans, dans le botnet euh, ici. Euh, ils sont représentés en rouge. Donc, euh, ici, pour le moment, j'ai trois feeds, admettons. Donc, ces trois feeds, c'est par exemple trois tableaux. Ah, suite. Donc, j'ai un tableau ici, un deuxième et un troisième tableau qui est par exemple en fait un, un CSV, un TXT, n'importe quoi. Euh, ça rentre dans IntelMQ via le, le, tout le botnet qu'on a vu. Donc, dans le botnet, on a vu que, ben bah, voilà, par exemple, euh, spam, hose, trop. Euh, il y a son collecteur qui va récupérer le texte, il va passer au parseur, le parseur va passer dans le déduplicateur, qui va passer dans le taxonomie, qui va passer là-dedans, qui va passer là-dedans ou là-dedans, qui va ensuite passer là-dedans et qui va finir dans ce cas-ci vers un fichier. Ça peut être une base de données, n'importe quoi. Et dans notre cas, nous, ce qu'on va mettre en place, c'est une base de données. Donc on va mettre une base de données en place et une fois qu'on aura une base de données en place, on va avoir des informations qui, euh, par exemple, à la base. Euh, euh, attendez, attendez, attendez. Je vais remontrer ça. Hop, hop, hop. Euh, voilà. Donc par exemple à la base on a ce type d'information. On a ça ou est-ce qu'on a ça. Enfin peu importe, ça va servir même. Donc on a une ligne par exemple. Et eh bien avec cette ligne là on va faire, on va la transformer. Euh, on va la transformer au point d'avoir toute cette information. Donc on va rajouter de l'information et pour rajouter de l'information, on va faire appel à par exemple, à des experts. Des experts qui vont rajouter une taxonomie, qui vont faire de la transformation, qui vont éventuellement faire un whiz pour savoir d'où vient cette IP, à qui appartient cette IP, etc. Et une fois qu'on a toutes ces informations, en fait, on va pouvoir modéliser la menace. Et quand on modélise la menace, ça veut dire qu'on sait que telle IP, à tel moment, euh, c'est un euh, drop de, de spam qui est euh, de type abusive content. Et c'est toutes les informations qu'on a pu collecter en se basant uniquement sur cette ligne-là. Donc ça c'est le principe de IntelMQ. Et vous allez voir qu'il y a moyen d'aller vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Euh, une DB qui contient la liste des IPA blacklistées, par exemple, voilà c'est ça. Par exemple, c'est ça. Mais bien plus que juste euh, des IPA. C'est vraiment euh, plein de structures de données. Euh, euh, très utile. Et donc, euh, euh, une fois que j'ai ma base de données, euh, j'ai mon ordinateur qui peut par exemple se connecter euh, sur Internet, euh, sur une IP euh, en particulier ou un FQTN ou euh, une URL, peu importe. Bien, au lieu d'aller directement sur Internet, il va faire euh, via un système, peu importe pour le moment, il va faire appel à la base de données pour vérifier si, dans la base de données, euh, le, le, le target, donc là, là où je veux accéder sur Internet, est-ce qu'il est dans la base de données ou pas S'il est dans la base de données, ça signifie que c'est un, un target malicieux. Si c'est un target malicieux, dans ce cas-là, on bloque la connexion, tout simplement. Et on ne se connecte pas, et dans ce cas-là, le malware ne pourra jamais se connecter sur euh, son C2, et donc se connecter à Internet. Ce qui est très bien. Parce que ça veut dire que euh, la personne malveillante ne pourra jamais contrôler le malware à distance. Que finalement c'est ça le, le, le principe de base, hein, c'est de pouvoir contrôler le malware à distance. Et donc, euh, ça c'est une possibilité. Il y a d'autres possibilités bien entendu qui sont par exemple de récupérer les logs de la machine. Donc vous avez les vent viewer hein, sur Windows notamment. Et il euh, y a slash var, slash log sur, sur Linux et sur, sur macOS. <coughs> sur macOS, je ne sais pas, mais sur Linux, oui. Et euh, typiquement, euh, en récupérant les différents logs, on va pouvoir faire une agrégation de ces logs dans ce qu'on appelle un SIEM. Donc euh, un SIEM, c'est un, un outil euh, qui va faire de la corrélation d'événements euh, en se basant sur des logs. Et cette corrélation, il va euh, se baser sur, de nouveau, la base de données. Il va dire Ah, je vois qu'il y a eu tel, euh, tel événement, il a voulu se connecter à tel endroit. On voit qu'il a réussi à le faire. Et en même temps, euh, suite à ça, on a vu qu'il y avait une co une commande qui a été exécutée ou n'importe quoi. Et bien, on va pouvoir déterminer en fait que, effectivement, sur cette machine, il y a eu euh, un malware qui s'est connecté à son C2. Le C2, euh, il a envoyé une commande en disant euh, Je sais pas moi. Euh, euh, Upload, euh, upload un fichier confidentiel, une facture, un, un contrat, n'importe quoi sur Internet ou un code, du code source. Tu, euh, tu le sur Internet et euh, comme ça, moi, je peux le récupérer en tant que personne malveillante, hein, bien sûr. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir se prémunir également de ce genre de choses. Soit en live, soit a posteriori. Ça, ça dépend. Voilà. Ça, c'est le topo. Et, euh, et donc, l'idée euh, du projet ici, c'est euh, de faire ça de manière dynamique avec euh, plusieurs outils qui s'appellent euh, Vagrant, qui permet de, en fait, de créer des machines virtuelles de manière totalement euh, dynamique. Euh, avec, donc un, un seul, je peux vous montrer ça aussi, si vous voulez. Euh, donc, j'ai un, un fichier de configuration. Je fais Vagrant up. Il va automatiquement démarrer une machine virtuelle avec euh, un Ubuntu 20.04 dessus. Il va installer Docker, Docker Compose. Il va euh, instancier mon Docker Compose, euh, qui est mes euh, différents containers. Dans mes différents containers, je vais avoir un Redis. Je vais avoir un Reverse Proxy. Je vais avoir mon Intel MQ qui est le, 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 le gros carré qu'on avait vu. Et euh, de mon Intel MQ dedans, j'ai tous mes bots, avec le botnet et tout le bordel euh, qui va avec quoi. Et après, on verra par la suite pour se connecter à d'autres choses, euh, envoyer ça dans un Sim. Euh, faire euh, de, le, du monitoring aussi pour savoir euh, euh, combien de, de, quelle est la quantité d'informations que chaque feed récupère, euh, etc., etc. Voilà, voilà. Et donc je pense que je vais mettre ça sur euh, GitHub, mine de rien, parce que euh, bah, en fait il euh, y a des choses assez intéressantes. Sympa, yes! Ouais, 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 c'est vachement, vachement cool. Et donc euh, globalement, ça, 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 ça se présente comment Hop, je vous montre ça. Donc en fait, j'ai un fichier de configuration qui est euh, ceci. Ça, c'est un fichier de configuration de, de Vagrant. Euh, je vous rassure, la moitié des choses est euh, générée automatiquement. Il euh, y a juste des petits trucs que je me suis dit allez, on, on va exposer le port euh, 1337 pour que je puisse y accéder depuis ma machine. Ensuite, euh, tu, euh, tu instancies euh, la partie euh, Docker Compose. Donc, tu vas, le, tu vas faire un Docker Compose Up euh, tout seul, comme un grand. Euh, tu y donnes 4 CPU, tu y donnes 4 Go de RAM et euh, tu fais le taf tout seul. Et puis, dans mon Docker Compose, j'ai euh, un Redis, j'ai euh, un Nginx pour mon Reverse Proxy et j'ai mon partie MTMQ. Après, bien entendu, j'ai mes fichiers de configuration derrière et c'est tout. Et en fait, euh, vous allez voir que c'est génial parce que, par exemple, euh, je vais vous faire une petit, petite démonstration. Donc, hop, si je fais ici. J'ai mon, euh, mon botnet, hein, tout va bien, ok. Euh, donc ça c'est cool. Et donc ce que je vais faire maintenant, hop, je vais faire exit, je vais faire vagrant, hop, euh, mis rien en trop. vagrant euh, destroy-f, je vais détruire ma machine virtuelle. Donc là, euh, catastrophe, euh, au grand dame, euh, euh, j'ai tout perdu. Donc si je fais F5, vous voyez que qu'il eh ne répond plus du tout. D'accord, pas de problème, je fais Vagrant up. Je vais juste attendre qu'il termine son timeout. Enfin, ça ne change rien parce que, de toute façon il va mettre un peu de temps. Et donc Vagrant Up, qu'est-ce qu'il va faire Il va automatiquement me créer une machine. Ah euh, oh oui, c'est toujours le même problème. Euh, que en fait j'ai deux hyperviseurs. Donc euh, enfin deux hyperviseurs. J'en avais... Enfin, histoire complexe. On skip ça, mais globalement, je fais Vagrant Up. Et donc, Vagrant Up, il m'a créé une nouvelle machine virtuelle ici, qui est actuellement en Power Off, et il va euh, la démarrer. J'ai un OS qui va être préinstallé dessus, qui est un Ubuntu 20.04. Et euh, une fois qu'il va euh, démarrer ça, euh, il va automatiquement installer Docker, Docker Compose, il va faire tout ça tout seul. Et puis, il va euh, créer mes containers, il va instancier euh, tout mon truc, et j'aurai de nouveau accès à. Euh, à mon réseau de botnet. Tout ça, totalement automatisé. C'est beau. Hein? Euh, et ce qui est pratique, c'est que vous pouvez récupérer ces fichiers-là, parce que c'est lightweight hein, forcément, vu que le... c'est juste du fichier texte, vous pouvez cloner le repo. Bon, pour le moment, il n'est pas encore sur GitHub, mais vous pourriez cloner le repo et avoir euh, la même chose chez vous, par exemple. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu il met à jour euh, les, euh, les, euh, les repositories de... Enfin, les... les sources euh, de APT. Après il va installer ses petits trucs, patati, patata. Alors sur certaines boxes c'est plus rapide parce que euh, tout ça a déjà été fait. Donc la box est à jour. Euh, je crois juste qu'en fait je suis sur une box qui n'est pas à jour. Et donc forcément il va faire ça. Mais je pourrais faire un Vagrant Box Update pour mettre à jour la box. Et à ce moment-là euh, re reconstruire ma VM et je suis reparti euh, de plus belle euh, sans devoir rien faire. Et donc là on voit par exemple il a partagé euh, donc il a installé les, euh, les guest additions, donc les VirtualBox guest additions pour euh, um, la, la, que, que ma vm puisse communiquer avec mon host. Um, on voit qu'il a créé un, un share entre ma machine physique et ma vm. Et ensuite il est en train d'installer Docker. Là il a installé Docker. Maintenant il installe Docker Compose. Il a installé Docker Compose. Et maintenant, il va euh, démarrer tout mon stack. C'est du Vagrant, oui, c'est du Vagrant. Et salut, Bobo. Euh, donc voilà, et là, il est en train de, de, de choper euh, les différents containers, enfin, les différentes images. Et euh, une fois qu'il a les images, il va les monter comme un grand. Hop, 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 voilà, done, 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 parfait. Et c'est terminé. Et j'ai rien fait. Hein. J'ai tapé une seule commande. J'ai fait Vagrant up. C'est la seule chose que j'ai fait. Et tout est automatisé derrière. Et maintenant, si je fais F5, j'ai de nouveau accès à mon botnet. Trace, c'est beau. Hein. Trace, c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est magnifique. C'est quand même magnifique la technologie. Et voilà! <laughs> Ben voilà, c'était un peu le, le wrap-up euh, d'aujourd'hui. Bah euh, ben en, en 3h40 de, de live, euh, c'est bien, on a, on a fait un chouette truc. Mon objectif aujourd'hui c'était d'arriver à faire ça. Euh, et ben, on y est arrivé, donc c'est plutôt cool. Ça ressemble à du en cible, mais avec une VM. Oui c'est ça. C'est ça. Tu pourrais faire absolument la même chose avec du en cible, hein. tout à fait, tout à fait. Excellent, merci à toi. Bah ben ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Euh, ouais. Et puis ben voilà, là c'est, euh, je dirais, c'est la base, c'est-à-dire avoir une infrastructure. Euh, mais gardez en tête que l'importance, la richesse de ce projet, c'est pas l'infrastructure, c'est euh, la richesse de l'information qu'on va récupérer derrière. Ça, ça va être autre chose, ça, ça va être un peu plus difficile. C'est une partie que je ne gère pas spécialement encore. Enfin, quand je dis gérer. Je veux dire par là, je n'ai pas de connaissances très 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 approfondies. Je gère ça au quotidien dans ma boîte, mais ça reste encore assez nouveau pour moi. Donc, donc voilà. Et c'était même l'occasion de découvrir un bug dans, dans le Docker Compose fourni par le, les gens qui, qui mettent en, 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 à disposition le Intel MQ. Euh, oui, alors juste pour aussi information, bien entendu, tout ça est euh, open source, bien entendu. Donc, euh, donc voilà, euh, pas, de, pas de choses payantes ni quoi que ce soit. Donc c'est plutôt cool, je trouve. Yep, yep, yep. Est-ce qu'il y en a dans les dans viewers qui ont, qui ont déjà fait ce genre de choses ou qui, euh, qui viennent de découvrir vraiment un nouveau concept, ou euh, euh, qu'est-ce que ça vous, ça vous évoque quand, quand, quand vous voyez ce genre de, de contenu euh... J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. <laughs> Mais franchement, c'est. Euh... C'est pas, pas euh, quelque chose que tu apprends en un jour. Hein. C'est des années et des années de travail derrière. Jamais je me moyais avec tout ça. De manière générale, j'y connais pas grand chose en Sécu. Oui, ça a un domaine. pas très évident de rentrer dedans. Parce que ça demande d'avoir des bonnes connaissances de base en informatique. Que ce soit en système, en réseau ou en développement. Euh, mais euh, mais typiquement tu vois je, je, je vois ben bah, quand je vois je vois ton live deurs ou au ceux de de néodyme ou autre vous êtes parti dans des des délires, euh, stratosphériques avec euh, euh, red node euh, ou node red euh, bah typiquement tu vois c'est c'est la même chose moi je vois ça je me dis euh, ok d'accord <laughs> Je, je, je pense qu'avec le temps, je pourrais, euh, je pourrais faire un truc parce que de toute façon, j'ai je, 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 toujours pas euh, démarré euh, notre dreads. Faudrait, faudrait que je fasse ça d'ailleurs. Euh, je mette une petite infra en place pour ça. Mais, euh, mais voilà, c'est le, le même principe. Au départ, ça a l'air gros, ça a l'air compliqué, mais finalement, quand t'es dedans euh, au quotidien, c'est plutôt cool, quoi. Je me demande si les attaques font, les attaquants font du anti-traitantel. Alors tu serais super étonné, mais en fait, c'est un vrai bordel. Hein. C'est un véritable champ de bataille hein, sur Internet. Vous ne voyez rien parce qu'il y a beaucoup de, euh, de garde-fous qui sont mis en place, mais c'est. Franchement, en fait, c'est le bordel. Il n'y a, a pas de règles. Il hein, n'y a pas de loi hein, sur Internet. C'est génial. C'est ça qui est génial, en fait. C'est le bordel complet. Et, euh, et en fait, tu as tout le monde qui se tape dessus. Enfin, c'est un véritable bordel. Et, et les des coups de pute, euh, désolé du terme, euh, sont autorisés. Hein. Donc, ouais, c est, c est, ça, c'est marrant. Je viens d'arriver, je vais voir le, le replay. Oui, 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 parce que je pense que je vais, euh, je vais pas tarder à, à stopper le live. Et je sais que euh, ce manque de connaissances est euh, dangereux vu euh, que je fais des trucs un peu full stack. Mais bon, c'est un métier. Oui, bah oui, c'est bah ça là. Alors, il y avait euh, Graphic qui avait fait un talk euh, jeudi euh, avec différents développeurs full stack, enfin full stack euh, front-end, back-end, j'en sais rien. Développeurs web, quoi. Et, euh, et je leur ai posé la question ben, comment est-ce que vous appréhendez les pentests, typiquement euh, Parce qu'arrive un moment où, quand tu développes une application, il ben, faut quand même tester sa sécurité. Et en fait, beaucoup n'ont pas cette notion de développement sécurisé. Enfin, développement sécurisé, pardon. Et ça, c'est un vrai problème. La création d'interface, euh, c'est très différent, oui. Par contre, j'utilise pas notre aide, moi. Ah, ok, 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 j'ai pas encore rejoint le gang. <laughs> ok, je croyais que. Ah, mais alors, du coup, es, euh... Toutes, euh... toutes tes interactions dans, le... dans ton stream, tu le fais comment, toi Petite question, as-tu déjà entendu parler, tester Lin... Linis Linis Linis, non. C'est quoi Linis Je ne connais pas. Elle y n Alors, on va voir ce que c'est. Security auditing tool for Linux, macOS and unix paste. Ah, search administrator accounts. Ok. Ah ouais, d'accord. Ok. C'est un genre de linpiece mais version euh, comment se protéger et pas comment attaquer. Hmm. C'est tout codé à la main avec Node.js, Vue et euh, TypeScript. Ok, 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 ok. D'accord, je comprends. Alors de tous les trois, euh, Node.js je connais deux noms, j'en ai fait un peu, euh, mais vraiment un peu. Vue, je connais deux noms parce que euh, quand tu vas dans la section euh, <laughs> science et technologie euh, français, euh, t'as la moitié qui font du Vue et du Node.js, donc je suis au courant, <laughs> mais je sais absolument pas ce que c'est. Et TypeScript, même chose, je suis absolument pas au courant de ce que c'est. Alors là. Ouais. Mais je vois que ça c'est aussi dingue, c'est euh, comment les technologies web ont évolué, c'est affolant, c'est vraiment dingue. Il y a tellement de trucs qui ont été mis en place, euh, c'est euh, fort. Non, l'indice je connais pas. Project goal. Science is flexibility is used to several different purposes. Typical use case for this includes security auditing, compliance testing, patrician testing. Oh, pop, 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 ouais d'accord. Vulnerability detection, system hardening. Ok. Scanning is uh a -huh. TypeScript c'est juste une surcouche à JS. Ah là, ok qui ajoute du typage fort pour avoir une phrase de compilation à une phase de compilation qui check que t'es pas trop fait de la de, de la merde. Hein. Ok je comprends mieux euh, vu, c'est un framework qui simplifie beaucoup de choses. Ok, d'accord. Ok, 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 ok. J'en suis pas convaincu. C'est surtout de l'auditing. Ouais, ouais, parce que pentest, euh, c'est pas un tout, hein, le pentest. Éventuellement, vulnerability assessment. Oui. Bah, là, tu du Nessus, tu as des trucs comme ça qu'ils font. Mais euh, pentesting, euh, non. Non, non, je l'aurais su. Je l'aurais su. Intéressant. Allez. Tes en 30 secondes, c'est parti. Ah d'accord, le full screen euh, n'est pas très full screen. Est-ce qu'on peut zoomer Ah on peut zoomer, ça c'est bien. Alors on a fait git clone, cd linus, ok. Passage audit, système, dash je ne sais pas ce que c'est. Ok d'accord. Ok, ok. Ok, il y a plein de couleurs. Ok, ça défile beaucoup. D'accord, il est où le rapport <laughs> Exit. C'est tout? Mais euh, et le rapport. <laughs> Il est où le rapport? <laughs> C'est quoi, quoi cette arnaque? Et on vient de se faire voler là? <laughs> C'est quoi ce truc? Euh, ok, d'accord. Non, mais par contre, leur doc elle est huge. Hein. Pour euh, si peu. Alors. Euh... Est-ce qu'il y a moyen de... Là, il y a des plugins. Oh, it works. Ok. T'as un rapport dans les logs ou à la fin du test. Ok. Ok. Ok, d'accord. Eh bien, tu sais quoi On va tester. On va le tester. Hein. C'est parti. Hop. Mkdir uh, linis. Ça s'écrit comme ça. Ça s'écrit comme ça. Parfait. Cd linis. Vagrant init. Euh, alors, je connais pas par cœur. Hein. Je vais reprendre mon truc d'ici. Hop, hop. Hop. Voilà. Vagrant init. Parfait. Vagrant up, TV Provider euh, Virtual Box. Allez, on va, on va taper ça dans une VM. Pourquoi est-ce qu'il veut pas. Euh... Pourquoi il veut pas Pro ah. Alors on démarre une nouvelle VM et on va tester. Hein. Écoute, euh, let's go, c'est parti. On va tester, je connais pas le truc. Euh, il est passé où mon git clone machin. Il n'y avait pas... Un, euh... Ah oui, dans le texte, ils ne disent même pas comment faire ton git clone. Mais c'est nul ça. Donc il te le met dans ta démo. Donc dans la démo, il te dit, euh, ouais, tu fais un git clone de machin. Mais dans, dans le, le texte, ici, il ne te le met pas. Download tarball, GitHub. Bon, allez, on va aller sur... Ah si. Insta... Non. Bon, tu sais quoi Hop, GitHub. C'est parti. Est-ce qu'on a plus un Ah, voilà, ici, GitHub, GitClone. Parfait. Alors. Bon, elle est toujours occupé à faire son update. Faudrait que je mette à jour la box, en vérité. Ce serait peut-être pas mal. Ok. blah, euh... blablabla, blablabla. Ok, il a installé... Euh vboxaddition 1, 2, 1, 2 3, 4 est-ce que je peux avoir ma VM s'il te plaît merci, pas grand Tssh. Euh... git clone boom, cd linis et .slash euh... linis audit Système. Non privilégié, scan mode. Ah, on va le faire en mode privilégié. Sudo. Alors, change ownership of blablabla to root. Grand with UID 1000. Ah oh, mais t'es chiant, pourquoi est-ce que tu me fais ça toi Mais je veux pas. Pain, to continue. Hop, hop. Ok d'accord ok 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 Porn package d'accord ok cryptographie d'accord ok waouh c'est huge uh a tapé le rapport en point date comment est-ce qu'on l'ouvre hardening index 60 259 tests performés, deux plugins activés, le firewall c'est bon et il n'y a pas de malware scanner. Tout à fait. Scan mode normal. Ah, il y a une mode forensique, pas mal. Intégration et un mode pen test. Ah, ok. statut inconnu, security audit validé, vulnerability scan validé. <coughs> Pardon. Euh... Ah, c'est un PRF. Qu'est-ce que c'est que ce truc Comment est-ce qu'on l'ouvre après euh... Comment est-ce qu'on ouvre le rapport Est-ce que vous avez une idée de Comment est-ce qu'on ouvre un rapport de ce truc-là Qu'est-ce que c'est que ce truc C'est bizarre. Un hein? Quick Editor, ok. Ok. Et euh, est-ce que je, je dois faire un... Dans le helper, il n'y a pas un truc qui me dit euh, comment... Euh... Non, show... Ah, show command, non. Is oh. No color, je sais pas ce que c'est comme truc. Human manage profile... verbose plug tier, upload... Upload Data to Central Node. Ah, c'est pas mal ça comme truc. Ouais, voilà, ça a l'air pas mal. Hein. Ça a l'air pas mal, mais il manque, euh, il manque de la doc, hein, je pense. Mm -hmm. Reporting et un logging. Ah. La fois où j'ai testé, j'ai regardé les actions à la fin de l'analyse. Il n'y a pas grand-chose dans les actions à la fin de l'analyse. Hein. Scan details. Voilà. Ah, peut-être aussi au-dessus. C'est ça ce truc-là Ah, les suggestions. Ah, ok, il fallait scroller plus haut. Voilà, voilà, voilà. voilà. Ah ben voilà. <coughs> Hop là. Ok. Euh, du coup. Alors. Il y a une vulnérabilité. D'accord. Find one normal vulnerable package. D'accord, mais lequel C'est quoi ce URL Vulnérable package. Mais il te dit pas lesquels. Hein? C'est un peu nace, hein c'est un peu naze, hein Si au moins tu me disais quel est le package... Euh, mais non, ok. IPTB ben module load, button roll active. Oui, ok, d'accord. Suggestion. Cette release euh, est vieille de 4 mois, de plus de 4 mois. Tanaana pour l'update. C'est une joke ou quoi Mec, c'est du long-term support. C'est normal. Mm -hmm. C'est un password on group bootloader to prevent altering boot configuration. Ah, ça c'est bien ça. C'est une bonne recommandation, effectivement. Considère adding system service. Oui, ça c'est très bien aussi. If not required, consider explicit disabling of core dump. Ouais, bien. Check PAM configuration. Bla bla bla. Ouais, mais j'utilise pas ça. Configure a password hashing round in the login. Oh ouais, pas mal comme idée. Bon c'est tout la partie PAM, ok, when possible, set 6, ok. Ah je scroll, là parce qu'il y en a beaucoup. Check DNS configuration, photo DNS, domain name. Ok. Bla bla bla, bla bla bla. Protocol RDS, ESO, anti system Ah, parce qu'il expose un truc peut-être. Ok. Euh, ok, 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 pas mal. considère hardening SSH configuration. Ah ok oui tout à fait oui 7.22 a à autre chose changer le type de port euh, pas de type tata non c'est pas mal effectivement 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 non il y a des idées il y a des idées alors tout n'est pas euh, à prendre à la lettre mais euh, effectivement ça donne des informations utiles non c'est pas mal c'est pas mal je je, je, je rajoute euh, je rajoute dans ma to do liste des choses à regarder un peu plus en détail c'est cool. C'est cool, je ne connaissais pas. Ben merci pour, euh, pour le, le topo. C'est sympa. J'ai bien saisi ta réponse à ma question, mais du coup, euh, est-ce que parfois tu n'as pas l'impression que c'est un game sans fin C'est un game sans fin. C'est un jeu du chat de la souris, mais il n'y aura jamais de fin. C'est pour ça que euh, ça monte... Ça, ça monte euh, pas évident, c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de monde aussi qui travaille dans, dans la cybersécurité, parce qu'à la longue, euh, c'est chiant en fait. Hein. À la longue, c'est chiant. C'est jouer, du... enfin, jouer au jeu du chat et de la souris perpétuellement, euh, c'est à la longue, c'est toujours pareil. Les technologies euh, et les, euh, les techniques changent, certes. Les types de botnets changent. Euh, Emotet, c'est fini. Maintenant, c'est Trickbot qui est redevenu numéro 1 sur les ransoms mais bon enfin euh, voilà et des malwares changent éventuellement mais en soi euh, c'est ouais, je, 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 ouais je, sais, je franchement je sais pas quoi te dire de d'autre de, c'est un, un peu dommage c'est c'est un peu l'aspect euh, chiant de la cybersécurité mais euh, bon ça ouais ça permet de ça permet d'avoir un job aussi. Ça permet de s'entraîner, ça permet de jouer. Voir ça comme un jeu. Voir ça comme un jeu. Un peu genre un jeu de Hunger Games. Un peu le même principe. C'est pas péjoratif. Non, non, non je, le, je le prends pas de manière péjorative. Il n'y a, a vraiment aucun problème par rapport à ça. Mais c'est très pertinent. C'est vraiment très pertinent ta remarque. C'est vraiment très pertinent. Ok, euh, hop, je ferme tout ça. Hop, hop, hop. Vagrant destroy-f. On détruit la VM. Euh, alors, déjà, me tenir à jour sur les techno web m'épuise. J'ose même pas imaginer l'enfer en cybersécurité. Ta... Alors, je... je connais pas ton. Est -ce que... Comment est-ce que je vais dire ça Ta fréquence. Euh de mise à jour, alors quand je dis mise à jour, ta fréquence de, de te de tenir informé, est-ce que tu te tiens informé euh, tous les jours, une fois par semaine, une fois par mois, cinq fois par jour En cybersécurité, c'est à peu près deux à trois fois par, par jour. Deux à trois fois par jour, parce qu'en fait, il y a des fils qui sont... Y a tellement, tellement, en fait, c'est limite ça. Le problème, c'est qu'il y a tellement d'informations. Trop, trop d'informations en fait. Et il faut arriver à purger et enfin, filtrer et dire Ok, ça je prends, ça je laisse. Ça crée une frustration. Limite, pour moi, c'est ça mon problème principal, je trouve, dans la cybersécurité. C'est que j'ai envie de toucher à plein de choses différentes parce que je suis un passionné, parce que je suis curieux, etc. Euh mais, euh, mais le problème, c'est que en fait, des attaques, il y en a tout le temps. Tu vois, sur mon téléphone, j'ai mon Twitter, et dans mon feed Twitter, d'ailleurs, vous pouvez, euh, vous pouvez euh, regarder sur mon compte Twitter dans, dans, dans mes abonnements, vous verrez que la ma grande majorité, j'ai pas beaucoup d'abonnés, euh, d'abonnements, j'en ai peut-être 200, quelque chose comme ça, mais dans la majorité, ce sont des, euh, des personnes qui postent des informations de cybersécurité sur Twitter pour dire attention, on a trouvé telle nouvelle technique, il euh, y a tel machin, enfin peu importe, et même ça. Euh, si je scroll 3 ou 4 fois par jour, euh, chaque fois que je vais scroller, j'aurai toujours du nouveau contenu. Tout le temps, tout le temps, tout le temps du nouveau contenu. Parce que c'est déjà... C'est énorme, en fait. C'est vraiment énorme. Là, si je l'ouvre là, maintenant, il euh, y, ben y a un gars qui, euh, qui parle de problèmes sur Proximus. Euh, bon, après, on est dimanche, donc c'est légèrement plus calme. Euh, ça parle de Remote Access... Ça parle des, euh, des euh, restrict features sur euh, WhatsApp. Euh, si tu refuses la nouvelle euh, politique de confidentialité, ça parle, euh, ça parle de quoi ici Des lolbin. Les lolbin, ce sont les... Euh, euh, en, en DLL, donc, typiquement, ce sont des fichiers qui sont legit sur un système euh, que tu peux utiliser pour euh, exécuter des, des malwares ou Récupérer du contenu malicieux, ça parle de trait intelligence notamment. Enfin, tu vois, c'est là, j'ai scrollé 4-8-4-5-8, même pas. C'est vraiment euh... enfin, tu vois, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. Donc, c'est c'est euh, beaucoup, c'est vraiment beaucoup. C'est euh, parfois surchargeant, et c'est ça le problème, c'est qu'il faut parfois pouvoir prendre du recul. Très lente, une fois que j'ai mon workflow, ça me fait super chier de changer. Quand tu dis ton workflow, c'est-à-dire euh, ton workflow de euh, comment créer un, un setup, ou c'est quoi exactement ton workflow J'essaye de nouveaux trucs euh, une fois tous les trois mois. Ah ouais, ok, ok, ok. Ah ouais, ouais. Alors, il faut bien comprendre, c'est que on se base aussi sur quelque chose qui euh, doit rester dans le temps, quelque chose de fiable dans le temps. Quand on installe un Intel MQ, on ne change pas toute sa configuration tous les jours, loin de là. Donc, c'est à peu près aussi le même principe où. Euh, on va essayer de trouver des nouvelles techniques pour récupérer des informations qui nous sont utiles, mais à côté de ça, il y a des interventions, à côté de ça, il y a la recherche, à côté de ça, il y a plein de choses, donc ça, ça prend du de... temps. Ouais, tout mon écosystème. Ok, c'est ça. Les frameworks, mes librairies. Ok, ouais, je comprends, je comprends. Euh... Alors, bah cette partie-là, toute la partie écosystème ne change pas nécessairement tous les jours. Euh, donc ça, ça va heureusement. On ne doit pas changer toute notre infra tous les jours, sinon on pèterait un câble. Mais euh, nous, c'est plutôt sur l'information de qui a fait quoi. Euh, cette information, elle, elle, est, elle fluctue euh, tout le temps. En fait, si je bossais dans ce domaine, ce qui me ferait continuer malgré la sensation de Never Ending Game, ce serait d'avoir la preuve que le côté White Hat a un meilleur bilan que les criminels. Alors, je vais te décevoir. Euh, je ne pense pas qu'on ait un meilleur bilan que les criminels, sachant qu'il y a de plus en plus de ransomware qui sont disponibles, de plus en plus de teams qui font des ransomware, et c'est de plus en plus lucratif. Euh, parce qu'ils sont aussi de plus en plus technologiquement évolués. Euh, donc, en fait, c'est comme si on. C'est triste à dire, mais en fait, c'est comme si on prenait une épée et qu'on tape dans l'eau. Voilà. Pour essayer de tuer des poissons, quoi. Genre, tu as, as un banc de poissons qui est juste à 10 000 km de, de, de là où t'es et tu de le tuer comme ça et genre tu n'arriveras jamais quoi donc c'est un peu compliqué mais après il y a des, euh, des côtés où justement on... c'est et c'est ça que je trouve bien c'est quand tu vois toute la partie euh... comment est-ce que je peux appeler ça euh... je cherche le terme euh... comment est ce qu'on appelle ça Alors, On va appeler ça l'interaction dans la communauté. J'ai pas le terme, c'est pas grave. On va appeler ça la, la corrélation. l'interaction la, la, ah, dans la communauté où il y a cet échange d'informations. Et typiquement, Emotet, qui était un, un des plus gros euh, réseaux de malware euh, au monde, et euh, qui était bah, le numéro un, en fait, euh, pour euh, fournir euh, des, des ransomware, bah, il a été shut down. Et il a été shut down comment C'est parce que les différentes autorités euh, qui étaient l'idée par Interpol. Euh, Europol, pardon, excuse moi pas Interpol, Europol, euh, ont, euh, ont fait des descentes dans différents pays, euh, en Russie, en Ukraine, euh, en, en Allemagne, aux Pays-Bas, euh, un peu partout, et ils ont été euh, jusqu'à euh, défoncer tous les serveurs de tout le, tout le réseau. Mais ça a, été, euh, ça a été une investigation qui a pris euh, un temps pas possible, des mois, des mois et des mois d'investigation pour essayer de remonter jusqu'au gros poisson, de sorte à ce que euh, on une fois que tu tues la tête du poisson, bah, tout, tout le corps il meurt derrière. en fait. C'était ce principe-là. Il fallait retrouver ça. Et euh, je vais vous montrer, hein, il y a des vidéos là-dessus. Hein. Euh... Là, vous voyez, le... vous voyez la, la réalité de, du terrain. Parce qu'on voit toujours, on est au travers d'Internet, de... De, et vous allez voir euh, ce qui s'est passé. C'est une vidéo qui dure... Euh... 5 minutes, je vais vous les montrer. Alors je coupe Spotify, hop, hop. Dites-moi si, si c'est trop fort ou pas assez. Ça c'est extrêmement ce qui s'est passé. Et là je crois qu'ils sont en Ukraine ou en Russie. Donc ça c'est comme ça qu'on défonce un réseau de botnet hein, dans la réalité. Et ça c'est le botnet. Voilà. C'est le PC du mec qui gère le botnet derrière. Hein. Voilà, voilà. Salut Maybe, ça va et toi Voilà, ça ressemble à ça. Hein. Ça ressemble vraiment à ça, t'as le NAS derrière. C'est comme dans les films, hein. tout à fait, tout à fait, mais c'est la réalité. Voilà, ça c'est la réalité. Alors en réalité, c'est un des administrateurs du botnet, il y en avait plusieurs, hein, bien entendu. Mais euh, mais ça ressemble à ça. Et merci pour ton follow, Moby. Hey il y a du RGB, hein. Attention, hey. Non mais euh, c'est bon quoi, il y a le RGB. Euh... <laughs> bon ça limite les évidences comme ça euh, de choper euh, n'importe quoi, on s'en fout. Là ce qu'ils font sur la, la machine c'est... Euh... Attends je fais juste pause. Ce qu'ils font sur la machine ici, hop, euh, certainement. Alors je vois pas bien en détail l'écran, etc. Certainement, ce qu'ils font, c'est un dump de la RAM. Donc en fait, comme la machine tourne, euh, la chose la plus précieuse entre guillemets, la plus volatile, c'est la RAM, parce que de, des, euh, dès que tu vas en fait redémarrer ton ordinateur, tu vas perdre le, le contenu de ta RAM. Mais euh, ou l'éteindre en fait. Mais euh, tout ce qui est partie disque dur, ça tu peux le récupérer plus tard, il n'y a pas de problème même si ton ordinateur est éteint. Mais ta RAM, ce qui tourne en RAM, c'est extrêmement important. Donc par exemple, j'invente, tu mets des mots de passe pour accéder à ton passe n'importe quoi, tout ça est stocké en RAM. Euh, le fait que ton keypass est ouvert, tout ça c'est en RAM. Donc c'est ça qui c'est important de, de quand, quand on fait une inter, par exemple, de, de dumper la RAM en premier si c'est faisable. C'est presque aussi bien rangé que certaines armoires d'accès fibre en France <laughs> C'est exactement ça. Ah, parfois, c'est le bordel. Alors, si je dis pas de conneries, euh, on va le voir juste après, je crois. Voilà, je crois qu'on le voit ici. Euh, je crois, je crois, si je dis pas de conneries, ceci. Voyez le petit truc là, ça paye pas de mine, mais ça c'est euh, son crypto wallet. Euh, tu ne fais pas le traducteur. <laughs> euh, c'est son crypto wallet et genre sur son crypto wallet. Sa valeur équivaut. À... Enfin, non, vaut pas, c'est. Sa valeur est bien plus importante. Cette merde est bien plus importante que tout le reste, que tout ce que vous pouvez voir depuis le début de la vidéo. Ce bazar, t'as des, des millions et des millions de dollars hein, sur ce petit truc à la con, là. Alors, je pense que c'est celui-là, mais en, bah, en gros, l'idée, C'est ça. Hein. Et ça, c'est le côté, euh, je trouve chiant euh, dans les investigations, bah, c'est la police qui fait ça, donc ça moi je m'en fous, c'est euh, justement de voir euh, lister tout, tout ce qui a été fait. Euh, qu'est-ce qu'on a récupéré, qu'est-ce qu'on a touché, que, dans quel ordre. Et tu vois, bah, ça c'est des lingots d'argent, je pense. Ouais. Truc comme ça, c'est... Bah t'es des dollars... Ah oui, t'en s'emballe quoi, ça, ça vaut que dalle tout ça. Enfin que dalle, façon de parler. Департаментом кіберполіції було проведено міжнародну да. спеціальну да. операцію, за результатами mm. якої вдалося ліквідувати mm. транснаціональне mm. хакерське злочинне угрупування, що використовувала ботмережу ЕМАТЕТ у mm. своїх злочинних цілях. Локомотивом mm. даної операції були правоохоронні органи України, які залучили до даної операції правоохоронні органи восьми країн. Координацію забезпечував Євроюст спільно з Європолом. Хакери, які використовували Hacker? злочинний вірус Емотет, вчиняли кібернетичні атаки відносно фінансових та банківських інституцій, які розташовані на території Європи та Сполучених Штатів Америки. За результатами проведення кібернетичних Resultat? атак хакери отримали персоналіці <laughs> 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 після чого забезпечували її монетизацію. Вони отримували саме ту інформацію відносно банківських рахунків та пін-кодів ouais. euh, до карток клієнтів, uh, за результатами чого вони отримували Fésultat? доступ до фінансових збережень кожного громадянина, який зберігав ці кошти в даних банківських інституціях. На даний час... Тобто, я вам роблю традукцію. Я не знаю, я не роблю традукцію, але, глобально, емотет, це що? Це малуєр-банкер, на базі. Donc, l'idée, c'était de se répliquer et de, et d de défoncer, en gros, un réseau, un réseau bancaire de plein de sortes différentes. Et en fait, tous les jours, il y a, y a des réseaux bancaires qui sont comme ça exposés sur Internet. Et euh, tu drops un malware dedans. Et en gros, tu fais un ransomware sur toute la banque. Et forcément, ben, quand vous imaginez bien la suite. Hein, plus pouvoir accéder à ses comptes bancaires, plus pouvoir accéder à vos applications, quoi que ce soit. bon, c'est un gros problème. Donc forcément, bah, derrière, les gens, les gens payent. Donc c'est pour ça que c'est super rentable en fait, de faire ça. Стверджена загальна сума збитку від кібератак вражених ботмережею Ематет більше 2,5 мільярдів доларів Сполучених yeah. Штатів Америки. Враховуючи транснаціональний характер даної злочинної діяльності, документування даної... Стоп, стоп, стоп. Есть-ce que quelqu'un que quelqu comprend le russe ici? Мільярди доларів. А, окей, окей, окей. Amedil, est-ce que, est que tu peux nous pop un, un truc euh, de deep learning euh, de langage <laughs> Est-ce qu'il y a moyen en 2-2 là Tu nous fais un petit conteneur Docker <laughs> Торського угрупування оборони органи різних <laughs> країн світу на території нашої держави було задокументовано двох громадян, які створили злочинний осередок, налаштували серверне обладнання та адміністрували з технічного боку розповсюдження ботмережі мережі В під час проведення у Гроїпалькезон страйке для адміністратор дівнету ЕМТЕТАКІФАСКОПРАЦІТІ нашої держави ouais. було за. Allez, stop, stop, voilà. Hop. <laughs> C'était euh, le moment, euh, le lol euh, de la journée. Euh, alors après, bon, il y en a d'autres qui ont, qui ont fait forcément des, des vidéos dessus pour comprendre euh, c'est quoi Emotep. Euh, ah Attends, il y a. Emotep. Eh, ça peut être sympa ça, en 2047. Allez, hop, on va faire ça. Pour, euh, on va voir ce que c'est. Je connais pas, j'ai jamais vu la vidéo. Merci euh, Nenia pour, pour ton follow. Bienvenue à toi. Emotet, the Alors. Of Donc. In 2018, the city of Allerton... Alors, c'est ça qui est intéressant c'est que euh, vous allez comprendre. Vous allez, en fait, vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va faire ces lives de cybersécurité, tout est lié ensemble. C'est hallucinant comment les choses sont bien faites. Je vous avais dit que. Euh, il est où mon truc ah ben bah en fait, j'ai viré tout mon truc. Non, attends, il est ici. Là. Non, il n'est pas là. Attends. HTTP, le français slash. 127. 1. 1. Voilà. Hop. Hop. Configuration. Donc, ici, on a notre botnet. Ok Le botnet, en fait, il récupère un feed. Ce feed, on avait dit que c'était... Euh... Bot.txt. j'ai pas, un truc comme ça dans mon historique. Merde, je pas ça. Dans mon historique. Today. TXT. Euh... Non, pas... oh, non. non, rien à voir. Ah, je l'ai pas. Je l'ai pas. C'est pas grave. Euh... Donc, en fait, l'idée, c'est quoi euh... C'est que, à la fois, et c'est ça le truc, en fait, c'est que la structure, l'infrastructure la... d'intelligence, elle ne... ne change pas. Enfin, une fois que tu as ton UTMQ en place, tu as ton ITMQ en place. Ce qui change par contre, c'est les botnets. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que des botnets, ce sont des serveurs qui sont mis sur Internet pendant une heure, deux heures, peut-être un jour grand maximum, et puis ils sont coupés. Et puis ils passent sur un autre serveur. Et ainsi de suite. Et donc, le problème, c'est que quand tu as comme ça des IP que tu récupères, certains sont tellement volatiles qu'en fait, cette IP va être réutilisée pour un service avant ou après, qui lui est légitime. Donc, ça, c'est un autre problème. Typiquement, sur AWS, donc euh, truc d'Amazon, euh, un mec malicieux, il va acheter un serveur, il va l'utiliser comme, bot, euh, comme botnet, comme, comme, euh, comme C2, hein, comme, comme contrôle, pour euh, piloter son malware derrière. Une fois qu'il va piloter son malware derrière, euh, il va faire sa petite action pendant une heure, deux heures, trois heures, et puis il va release le truc. Il va détruire sa VM. Qui était dans le cloud. Mais le problème c'est que sur un instant T effectivement cette IP était malicieuse mais peut-être que plus tard ou peut-être que avant cette IP elle n'est pas malicieuse. Et c'est ça aussi le problème d'arriver à détecter euh, même si on a une liste d'IP n'importe quoi qui est considérée comme malicieux, est-ce que à l'instant T où je vous parle maintenant c'est encore malicieux C'est ça le problème. Donc il y a aussi cette notion à prendre en considération et l'autre notion à prendre en considération c'est l'évolution des malwares. Parce que les malwares ont commencé en faisant, par exemple, euh, juste du ransomware, puis c'est passé en faisant de l'exfiltration, puis c'est passé en faisant de, de, de data euh, destruction, j'en sais rien, n'importe quoi. Puis ça c'est parti pour faire du spam en plus, de, et, 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 de, 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 par exemple de l'exploitation de... Euh, de Open Relay ou ce genre de choses. Et donc, il y a moyen de voir comme ça, au fur et à mesure des années, euh, le malware évoluer dans ses fonctionnalités. Ben, en gros, je pense que la vidéo, c'est ça. Alors, j'ai jamais vu cette vidéo, mais je présume que c'est ce qu'ils vont dire. Hop, hop. Attends, alors je reprends. Hop. En 2018, the city of Allentown, Pennsylvania, spent over 1 million dollars to recover from a malware Un million de dollars. Donc il y a une ville, Allerton, je connais pas, qui, euh, qui a déboursé 1 million de dollars pour récupérer ces données parce qu'ils sont faits en somme. This high-profile attack used a new evolution of malware known as Emotet. Donc ce qu'ils font, c'est... Euh, ils vont récupérer euh, du trafic d'une manière ou d'une autre, euh, soit au sein du réseau, soit à l'extérieur. Ils vont récupérer des informations personnelles, euh, des crédits, ça peut être n'importe quoi. En bas de la vidéo, tu as l'option CC pour traduire en live. Ah si, ah je sais pas enfin oui oui bah, c'est pas en, tu peux pas traduire en français ah hop option ah on peut pas euh, le mettre en français auto -translate. ah French ah ben bah, voilà on va faire comme ça Since then, it has evolved into a malware distribution service, which can be used to spread ransomware, and other malicious software on an industrial scale. Ah ben, on, on voit pas bien avec, euh... is primarily spread through well-designed yeah. phishing yeah. attacks. These phishing emails contain a link or an attachment that the recipient is encouraged to open. Alors si vous vous souvenez, il y a euh, deux semaines, on est revenu sur le, le CTF et on est revenu sur les challenges de forensic. Et ben, typiquement, un des challenges de forensic c'était euh, un document euh, un doc qui était malicieux. Et eh bien, typiquement, voilà, c'est ça en fait ce qu'on a analysé. C'était la partie macro de ce document qui contient du code malicieux, qui est ce qu'on appelle un dropper. Et ce dropper va aller euh, récupérer le malware en question sur Internet. Ça marche comme ça. Hein. Donc, euh, donc, ça, c'est la réalité. Et il y a encore trop de gens qui cliquent sur oui, je veux activer les macros. C'est ça le problème. Hein. L'erreur est toujours humaine, bien entendu. At this stage, there will be no obvious sign of an infection to the user, as Emotet itself as harmless software to cool. avoid detection. It will then try to spread onto connected systems in three main ways. First, it will access your contacts and send a phishing email that appears to be from you. Next, it will try to use known software vulnerabilities to spread itself to other systems on your network finally it will try to compromise user and system accounts with a brute force password attack one of the reasons that emotet is difficult to detect is that it can actively update itself much in the same way that windows does this allows emotet eh, to ouais. change its code c'est to... ça qui est assez, euh, assez intéressant en fait dans, dans l'histoire c'est que... Quand je disais que le malware est capable d'évoluer, non seulement il peut évoluer, mais ça vaut pas un dessin paint, <laughs> il peut aussi évoluer en live, c'est-à-dire qu'une fois que le dropper a récupéré le malware en question de son C2, euh, ou n'importe quoi, ça peut être un repo GitHub, hein, c'est marrant de voir ça, mais c est, c est, ça marche aussi. Euh, il récupère le malware et il le pose euh, sur la machine. Il va le lancer, etc. Et ben, le malware, en tant que tel, dans son code, il est capable d'aller se connecter à distance pour récupérer euh, l'information, euh, de se mettre à jour et de comprendre et d'acquérir des nouvelles fonctionnalités. C'est beau, hein, c'est bon Avoid detection, while also allowing it to download and distribute additional malicious software to your system and your network. This enhanced functionality has led Emotet to be sold as a malware as a service. Alors ça c'est un terme qui est très intéressant, le malware as a service, parce qu'on en est arrivé effectivement là à l'heure actuelle en en tant que comment est-ce que je peux dire ça. Euh, en, en tant que type d'organisation sur, euh, sur internet euh, donc je vous ai dit quand je jouais au chat et à la sorique c'était un peu le, le, un, un véritable champ de bataille sur internet mais en fait c'est une des raisons c'est une des raisons parce que non seulement la partie white hat donc nous en tant que défenseurs ou quoi que ce soit on gagne en compétences mais il faut pas oublier c'est que la partie malicieuse, les mecs qui, euh, qui font de la merde sur Internet, eux aussi, ils gagnent en compétences. Et souvent avec plus d'argent que nous. Donc, ils sont capables d'avoir plus de compétences que nous. Ou plus ciblés. Euh, et donc, il y a une genre de pyramide qui, 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 qui s'est formée avec à la tête un mec qui développe un malware. Puis, il va faire appel à ce qu'on appelle des affiliés. Et ces affiliés sont des personnes qui vont en fait. Récupérer le malware, donc juste le récupérer. Eux, ils savent pas du tout comment fonctionne un malware. Ils font juste, je clique, je run. Globalement, c'est ça. À côté de ça, ils vont euh, acheter des accès euh, à un réseau particulier à une personne tierce. Ils récupèrent l'accès, ils rentrent dans le dans le réseau. Euh, ils injectent leur, euh, leur malware, leur dropper, n'importe quoi, et puis ils se connectent au C2, le C2 qui est peut-être éventuellement géré encore par une personne tierce, et ils se font en fait, euh, comme ça, ils s'échangent euh, de la thune, euh, tiens, euh, ah tu me fournis tel service, ok, bah, je te paye autant, euh, etc., etc. Puis derrière, ils défoncent tout le réseau, et euh, quand ils ont défoncé tout le réseau, euh, bah, ils récupèrent, euh, ils récupèrent euh, soit une rançon, soit alors ils mettent... Euh, ils, 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 euh, comment dirais-je euh, ils vont euh, extorquer de l'argent la en disant attention si vous ne payez pas euh, on, va, euh, on va diffuser votre information sur internet. Merci euh, le super panda pour ton follow. Bienvenue à toi. C'est cool. Um, donc soit ils vont euh, ils vont carrément à ce moment là euh, euh, donc, donc euh, dire mec euh, si tu si tu payes pas attention hein, attention hein, je vais diffuser ça sur internet. Hein. Ça, c'était la deuxième étape. Mais là, on, a, on est arrivé à la troisième étape du style, non seulement tu as intérêt à, à me payer pour récupérer tes données, mais en plus de ça, c'est déjà mort, tes données, tu vas les récupérer, mais elles sont déjà sur Internet. Et sur Internet, je les ai mises aux enchères, comme ça, je récupère deux fois ma, ma mise. Euh, voilà, c'est euh, à l'heure actuelle, c'est ça. À l'heure actuelle, c'est ça. Euh, donc, euh, donc, ça, ça c'est problématique, hein, tout à fait. Donc, si vous n'avez pas de backup, si vous essayez... Et mal euh, mal configuré, euh, bah ouais, c'est la, la merde, c'est la merde. Organisations can protect themselves against an emotet attack by keeping their software up to date and installing the latest security patches. Voilà, ce que je disais. It is essential to use strong passwords that cannot be easily compromised. Where possible, two-factor authentication should be implemented. Ça, c'est pour moi les règles de base. Qui permettent déjà de filtrer un bon paquet de, de problèmes. C'est garder toujours des softwares up-to-date, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, des strong passwords, c'est nécessaire. Donc actuellement, un strong password, c'est un password de base, c'est considéré comme 10 caractères alphanumériques plus caractères spéciaux. Euh, majuscule, minuscule, tout ça. Donc c'est 10 caractères minimum. Je crois qu'on va commencer à aller à 12 caractères bientôt. Ça, ça permet d'éviter les attaques de type fruit Force par exemple, mais ça ne permet pas d'éviter les attaques de type euh, Dictionary. Donc, euh, bah, en général, ce que, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un gestionnaire de password style qui passe en local ou Bitwarden en, en remote et euh, de générer des mots de passe aléatoires de 74 caractères pour chacun de vos services. C'est le plus simple, c'est le plus safe. Activez toujours le, le two-factor authentication, donc par exemple si vous voulez accéder à vos mails, ben, pour accéder à vos mails, vous devez avoir la petite notification sur votre téléphone qui a pour accéder à ça. C'est super nécessaire de le faire. Dans ma bot, ils imposent 14 caractères pour le login à Windows. Bah ben, voilà, 14 caractères c'est bien. Je crois qu'on est à peu près à ça aussi nous. Et tu as aussi bien euh, le du code, mais pour éviter euh, les blocs d'IP, tu as eu des propositions comme at IP euh, mise dans une TXT Bitcoin. J'ai rien compris. Je <laughs> suis désolé, j'ai rien compris ton message. Euh, tu, tu parles de quoi en fait <laughs> J'ai pas capté. <laughs> Le maintien des nets Ah ah ok 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 ok. Oui, alors oui, je comprends. Ok, je comprends mieux maintenant. Je comprends mieux ta remarque. Euh... Alors, alors, oui, effectivement, en fait, bah, la plupart du temps dans les malwares, c'est l'IP est, euh, est hardcodé. Hein. Mais après, alors c'est ça qui est intéressant en fait, l'IP est hardcodé. Oui et non, alors ça dépend. Il y a des il y a des malwares qui se connectent à un FQDN, enfin un, un DNS en fait, à une URL. Il y en a d'autres qui se connectent à une IP dotée, euh, hein, donc euh, une IP avec des points, donc enfin une IP tout court, peu importe. Euh, et, euh, et en général, soit ces IP là sont générées, euh, alors c'est un peu particulier ce que je veux dire, soit elles sont générées de manière aléatoire, mais avec un site connu, soit elles sont euh, hardcodées. Alors, quand on dit euh, hardcodé, ça veut dire qu'à la base, quand tu ré récupères ton malware, tu récupères toutes les IP du C2 avec euh, à un instant T. Ce qui est intéressant avec le aléatoire, c'est que en fait. Euh, du côté de ton C2, tu vas pouvoir définir des nouveaux euh, points d'accès. Et donc, pour éviter la censure de HAT-IP tu rajoutes de la résilience comme avec un C2. Et je l'ai vu en janvier, il y avait des solutions dans une transaction Bitcoin sur un wallet spécifique. Alors, euh, je ne sais pas du tout s'il y a des choses qui se font directement dans des wallets, dans des transactions Bitcoin, quoi que ce soit. Je pense pas, enfin, en tout cas, pas, euh, pas à ma connaissance, c'est pas des choses qu'on voit au quotidien dans les malware. mais euh, par contre, le, le fait que l'IP sur lequel il doit se connecter est généré euh, aléatoirement, enfin, aléatoirement, euh, avec le temps, euh, et qui, côté C2, donc côté euh, cloud, est également géré de manière aléatoire, enfin, euh, c'est est, est, est des trucs, on est, on est rentré dans des bazars pour arriver à choper ça, c'est impossible, quoi. Donc, euh, c'est de plus en plus difficile. Donc en général, on se base plus uniquement sur les IP euh, ni sur euh, l'URL ce genre de choses. Merci Shaki pour ton follow. Bienvenue à toi. Mais euh, on se base également sur le comportement, sur le type de, 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 de paquets qui sont envoyés en fait. Donc c'est bien plus complexe que juste euh, catcher euh, une IP. Hein. Euh, une IP, c'est arriver à choper une IP, c'est le, le point de départ. Ah intéressant l'article. Je, je dirais ça à Lucas. l'air intéressant.

euh, et, que, et que vous vous connectez euh, euh, sur votre mailbox via Exchange Online. Euh, en fait, Exchange Online arrive déjà de base avec un filtre euh, anti-spam, anti-malware et tout le bordel qui est vraiment à la pointe. Et, euh, et ce qui fait que ça marche franchement du feu de dieu. Donc, euh, c'est une des façons de se protéger aussi pour la partie mail. Mais voilà, c'était la petite, euh, petite, euh, petite vidéo sympa euh, sur euh, Emotet. Qu'est-ce que c'est euh, Comment s'en protéger C'est plutôt sympa. Euh, donc euh, voilà, c'était un peu le, le topo. On a, on a, c'était assez intéressant. Si vous, après, si vous voulez plus de détails, bien entendu, sur la partie euh, malware, etc. Bon, là, euh, il, y a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Euh, mais voilà. Euh, euh, alors, je vous, je vous le cache pas là, je suis explosé. Donc, euh, ce que je vais faire à mon avis, je vais stopper live ici. Euh, si vous avez encore des, fin, des, si vous avez des questions et trucs à dire, euh, c'est le moment, c'est l'instant. Sinon, je pense que je vais euh, tout simplement euh, vous faire une petite redirection vers, euh, vers, 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 vers un autre streamer. Il faudrait voir qui est, qui est live. Dans ma boîte, ils font beaucoup de sensibilisation via des faux mails de phishing. Ouais, c'est ça, ce qu'on appelle des campagnes de phishing. Mm -hmm. Et le constat est alarmant 45% des destinateurs ouvrent des liens. Ben voilà, tu vois, c'est ça. C'est ça. Et c'est bien parce que ça prouve à quel point. Euh, on aura beau vivre dans un monde technologique, tout le monde a un smartphone, tout le monde a euh, maintenant des trucs connectés chez soi pratiquement, et euh, qu'on le sache ou qu qu'on le sache pas d'ailleurs. Et, euh, et qu'on se rend compte que finalement, en fait, on n'est toujours pas alerte vis-à-vis -vis des choses basiques qu'on qu se bat depuis, putain, ça fait 20 ans qu'on qu dit, euh, mec, euh, arrête de cliquer n'importe quand et n'importe où. Ça fait 20 ans, quoi. Donc, euh, bon, je sais bien, il y a, y, a, y a 20 ans, il y a des gens qui n'étaient pas nés. Mais euh, néanmoins, euh, bon, euh, arrive un moment... Euh... Voilà. Bon. Donc, euh... c'est un peu le côté euh, chiant. Mais bon, enfin, vous c'est comme ça, c'est l'être humain. Euh... Et ainsi fait. Alors. Euh... <coughs> Ah ben bah je vois qu'il y a euh, Durst qui est live. Euh, bah du coup je vais, euh, je vais vous rediriger vers lui. Ouais malheureusement pas bah ouais c'est comme ça. Après voilà c'est ça aussi c'est une des raisons pour lesquelles je fais, euh, je fais ce live. C'est parce que j'ai envie de... Euh, euh, alors j'ai envie de partager ma passion déjà ça, c'est une première chose. Mais euh, j'ai surtout envie de, que les gens euh, sachent... Euh, quoi ça parle donc euh, éduquer, voilà éduquer. ouais je pense à le bon terme je pense que c'est le bon terme yes ok euh, bah écoutez euh, let's go je vais vous rediriger vers durse ça fait ça un petit temps que j'avais dit euh, que je ferais euh, je ferai un raid chez lui qu'est ce qu'il fait euh, durse en ce moment Ah. Bon ben. Combien de temps ça prend ça Non, j'ai oublié de faire ça. Ça, c'est de la gravure, c'est pas de la découpe. Oh. c'est un air, Toi aussi, t'es pas encore sorti de ton aujourd'hui. Yep, yep, Allez, let's go, on va faire ça. Euh, je vais vous rendre chez, euh, chez Durs. Euh, si vous le connaissez pas, vous allez voir, c'est un mec super sympa. Et euh... et euh, let's go. Allez, c'est parti. Edit. Euh, non, attends, euh, hop, 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 red. C'est par là. Euh... Yes. Let's go. Allez c'est parti. Dans le chat. Bon bah j'attends les coupe. Hein. Ah. Yes, yes. Euh... Bonne fin de week-end à tout le monde, c'était super sympa, merci pour ce stream, euh, bonne semaine. Bah ouais, bah merci à vous euh, d'être toujours nombreux, c'est vachement cool. Alors je sais que proportionnellement à la population de, de, de Twitch, euh, on n'est pas beaucoup, mais, euh, mais je trouve ça sympa que bah voilà, euh, si vous avez appris des trucs et tout, que bah, on a tous cette, cette envie de partager ensemble. Je trouve ça super sympa. Donc pour moi je trouve ça vraiment super, super sympa. Euh, merci à tous pour ton follow. Il euh, y a de toute façon aussi à côté de ça euh, le Discord donc euh, hop inscription Discord pour rejoindre le Discord il y a les VOD euh, YouTube euh, abonnez-vous si vous êtes intéressé pour les VOD il euh, y a mon Twitter également vous pouvez me suivre euh, ça c'est cool et euh, et voilà je pense qu'on a fait le tour je pense qu'on a fait le tour. C'était un bon live aujourd'hui. On, on a fait pas mal, on a bien avancé. Et vous allez voir, il un... les, les prochains lives, ça va, être, ça va être du lourd. Ça va être vraiment du lourd. Ça va être sympa. Allez, let's go, c'est parti. A plus tout le monde. Ciao, ciao. C'est que je veux faire gagner des choses un jour pour remercier les gens qui sont les plus là.